Stanley. C'est très important. Ouais, voilà. Un DJ ne partage pas oui. ses astuces. Oui. Ça va ou quoi, le retour de la vitre? On a tout mis en place, là, en une demi-heure. C'était un peu horrible. Mais on est bien, là. Ah ouais, l'écran de merde, là. Ah! Enfin, on est heureux. Let's go! Enfin, là, on a passé une demi-heure en enfer à tout mettre en entier, et voilà, quoi. Dany est fou, oui. Ah oui, mais c'est Raz, il s'avance trop, écoutez. Oui, bah allez vous faire foutre. La caméra est de travers, bah toi aussi t'es de travers alors. Il a besoin de se pencher, quoi. Oui, oui, oui. Apparemment, Wissam vous a aidé. Ah bon? Vous a aidé, Wissam? Wissam nous a aidé de quoi? Alors ça commence. Non, mais il est chez lui tous les jours. Une semaine de vacances, une journée au bureau de « Ah, j'ai un petit peu mal à la gorge, non, je viens un pas. » Un mariage et un Covid, apparemment. Ah, oui, un Covid, oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Ref du pull, ah non, on donne pas les refs. Oui, on a oui. décidé ça cet après-midi. Bonne interview. Ah oui, merci, j'ai vu beaucoup de retours sur l'interview, ça fait trop plaisir. Ils ont l'air satisfaits aussi. Le plan est pas droit, bah vous direz ça à Milan. Hein. Si Milan ne change pas, il va rester comme ça tout le long. Voilà. On est bien là. Oui, je oui, on est bien. C'est bon. Ça va, il est à peu près droit. Il est full tordu, frère. Regarde. Mais l'écran est tordu aussi, du coup, je me rends pas compte. Tout est tordu. Ayez l'écran tordu comme nous, on a un écran ouais, tordu. En fait, faites la strat. Et du coup, on est droit. Recalez votre écran pour que ça fasse droit. Et tout va bien se passer. Non, mais l'interview, ça fait plaisir. Beaucoup de retours positifs. Bah ouais. J'avais oublié qu'en parlant sérieusement, les gens te prennent plus au sérieux, quoi. C'est bizarre, ça. Hein. Eh oui. On va redire des conneries ici, hein, du coup. Hein. Merci, Samlala99. Merci, les gens, le train de live. Let's go. Pour qu'il soit parallèle au mur. Y a rien de parallèle, frère. Là, désolé. Non, mais là, Milan, t'es dans le déni, là. Y a rien de parallèle. Non, mais là. Ça va. Oh, tu veux passer encore une heure sur les problèmes techniques alors qu'on a déjà perdu une 50 minutes dans des problèmes techniques. Je suis heureux de crier sur Milan. Milan peut pas aider, il est en date réel, ça. S'il l'aide pas, c'est qu'il est en date, là. Dites-vous, il a fait que hurler pendant qu'on déplaçait les trucs alors que pendant ce temps... Il y a PDH qui s'installe, eux ils travaillent, ils font des gros travaux, ils disent pas un mot. Et Raz il hurle pour déplacer un câble quoi. Merci Pierre Clou. La cam est droite selon le gyroscope. Ouais mes frères, l'effet est pas droit mais oui. Tranquille. Il veut pas parler, il a rien. Après c'est... il est jaloux, il veut pas qu'on parle de mon interview mais vous savez il a été tokenisé dans un article. Oh, c'est bien là, t'es bien dans le flou là. Ouais, vas-y, laisse-moi dans le flou parce que ça te gêne cette conversation là. Quel les article gens te voient tu de parles près. Je vois pas de quel article tu parles. Je suis trop heureux, les gens. Quelqu'un a tokenisé Raz. Je connais pas l'article moi. Un article de frustration. Ah ouais, c'est comme bien quoi, ça. Mélenchon frustration, a, ça. A été méchant avec toi. C'est bien frustration, ça. C'est un bon magazine, ça. Bah, ça va. Non, en vrai, j'en sais rien. Bah, ah, mais pas, c'est pas le bail. T'es con ou quoi? Mon ami Framont. Ah bah oui. Oh là là, ça va. Oh. Non mais maintenant c'est pour la posture. Oh. Après il est là. Maintenant je il y a sème... que les relations hétéros qui sont toxiques. Non mais maintenant je sème pour la posture maintenant. En fait, j'ai pas oh le non, sème. Mais c'est une question de principe. C'est devenu une posture. Sortez-moi de ça. Oui, mais bah, t'as c'est mangé par plaisir. Là, tu devrais être bien. Non mais il y a encore un truc qui me manque pour être heureux. C'est quoi? T'inquiète. Ah, oui, j'ai compris. Plus t'en as trop parlé là. T'en as encore plus besoin, je crois. Alors, les gens, c'était sympa. En vrai, en plus, on dit ou pas? Bah, on peut dire. On a discuté avec Slave et son acolyte et qui fait les streams aussi. Pour ceux qui connaissent bien, incroyable, très heureux de la rencontre. C'était cool. Je pense qu'on verra. Peut-être qu'on fera une discussion aussi en live un jour. On sait pas trop. Mais apparemment, vous êtes beaucoup de notre public à vous être ramenés à les regarder et tout. Du coup, ça fait trop plaisir. Ouais, ils sont passés au bureau, ah ouais, ils sont venus. Ah oui, on a corrompu la jeunesse, hein. Bien sûr. Bon, après, arrête, c'est la jeunesse qui nous corrompt, frère, voilà la vérité. Oui, c'est vrai, on a. Sans galère d'appart, les pauvres, ouais, ils sont dans une sauce, après, voilà quoi. On donne de la force aux jeunes de demain, exactement. Ils sont déter, hein. Ouais, ils sont déter, de fou. Et puis, je m'inquiète pas pour eux. Ouais, vraiment, ils sont malins, ils ont du recul, comprennent les choses. Ouais. Et ils font du contenu de fou. Moi, je suis trop heureux, hein. Je suis vraiment. C'est mon youtubeur préféré, là, j'ai décidé, ça y est. J'hésitais, ah ouais, mais maintenant que je l'ai rencontré. Tu vois, il faut rencontrer ses idoles, non? C'est moi, pas en ça. En ce attends, moment, non. Mon youtubeur préféré, qui c'est en ce moment? Regarde un peu moins YouTube, là, j'ai maté que des films.
Mais mon dernier youtubeur préféré que j'ai saigné, moi, c'était Romic. Hein. Depuis, j'ai pas regardé de vidéo. Ah, Romic, c'est incroyable. Mais après. Romic, c'est un bon. Non, mais là, les bails anti-psy et tout, frère, moi. Ah oui, non, mais ça a rien à voir. J'attendais cette vidéo depuis 10 ans, donc je suis heureux qu'elle existe, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc franchement, je suis content, quoi. Bien sûr. Et puis, c'est pas le seul avis où ils sont basés, en vrai, hein, moi, je trouve. Oui. Ça va. Ouais, de fou, de fou. Ça réfléchit, quoi. Sarah, quand à Drag Race ? Demain soir, Cassandre, il fait Drag Race. Et il y a un monde où je le rejoins, il y a un monde où il le fait tout seul. Ça dépendra. J'ai des trucs à faire, mais normalement, je devrais avoir fini à un moment. T'es Romic, à part Yu-Gi-Oh, bon. Bah, en même temps, son contenu est sur Yu-Gi-Oh. Et demain après, tu vas à Manif ou pas ? Au rassemblement. Palestine. 14h. C'est samedi demain. Ouais, j'y vais. On est bien samedi demain. Attendez, on est mercredi, ça se trouve. Moi, Alors, je sais même plus les jours. Oui, on est vendredi. Les gens, c'est indécent. J'y vais, ouais. Ouais, ouais. Bah moi je suis aussi en mode non ouais. Mais en fait j'ai rendez-vous, en fait blague à part, j'ai rendez-vous à 17h. Très fort le best of YouTube type de campagne, oui, du contenu de fou. Ah ouais. Mais moi j'ai rendez-vous à 17h pour un truc hyper important. Qui est j'ai cru que t'allais le dire. Je vais faire du son juste. Oui, ça voilà. Va, ça va. Mais du coup je pense que je vais y aller avant. Ça va, c'est 14h. 14h. Ouais, après bon. Moi je trouve il faut arriver un peu tard en manif, quoi. Ah, le truc, c'est 14h. Tu marches 3h, tu piétines, là. Ah ouais. Au moins, quand t'arrives tard, tu marches, tu la remontes, c'est non, sympa. Mais tu frère, plein surtout de 14h, ce qui est horrible, c'est que... C'est l'heure du petit déjeuner. Au secours. Voilà, la phrase indécente. Hein. Je me trouvais indécent de pas savoir si on était jeudi ou vendredi. Ah mais toi, t'es plus le peuple, là, ça je y est. Je sais pourquoi c'est désagréable. Quoi? Regarde. Dans le trou. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais utilise tes jambes là! Je sais pas, ton gros cul là qui sert à quelque chose! Bah justement, ça crée de l'inertie! Ça crée du poids, ça crée de l'inertie, bah non, mais frère! Tu t'appuies plus sur une fesse! Ça veut et... dire, moi je pense que la gravité a plus d'effet sur moi que sur toi! Je crois que ça marche comme ça! Non, c'est juste que moi je la contrôle, la gravité! J'ai tous les pouvoirs! Moi je suis en mode c'est bon, transfert de poids, ça va pas glisser. Non, j'avoue, depuis tout à l'heure je suis en train de me retenir sur une jambe. Ah, pas glisser. Ah voilà, mais ça tu va vois, c'est de la souffrance. Ça va, il y a pire dans la vie. Oh. Ah, le plateau est pas droit, le plan est pas droit. Mais ça, on l'a fait en 20 minutes et je suis sûr il préfère à l'écran là. J'en suis sûr, il préfère, je le sens. Je le sens. Non, ah, mais oui. Les gens là en plus, on va... Oh, ça va être trop bien le live, on va se refaire les. Faut qu'on parle des trucs badants, le monde est badant. Hein. Oui. Mais après, on va se refaire les clips de campagne, on va rigoler. Et il y a un génie. Qui a posté sur Discord, il a fait un montage YouTube de tous les clips qu'on n'a ouais, pas vu. Les gens. Un petit. Ah, il nous a fait une vidéo de 25 minutes avec tous les si clips. Si la personne est là, c'est moi. Ah, t'es le roi. T'es le dis-toi roi, qu'on était en train de souffrir d'installer. On ah dit, ouais. Oh, faut trouver les clips. Ah ouais. Et là, j'ai on a vu, vu le lien vidéo. Sacré. Il y a eu de la lumière. On m'a bandé, genre. J'ai vu vraiment, la lumière, quoi. T'es le là, roi. Mon vraiment. Frère. Ah ouais, c'est. Mon frère en Christ. Ah ouais, là, genre, c'est. J'étais là, oui, on était incroyable. Le meilleur chat du monde. Ah ouais, le travail c'est gratuit, le plus quel banger de le travail gratuit. Le plus grand chat. Non, mais c'est collaboratif, c'est l'esprit internet. Ouais, c'est le librisme. C'est le communisme. Non, c'est magnifique, merci beaucoup à toi, ça fait trop plaisir, tu nous as facilité la vie. Ah ouais. Et du coup, on va pouvoir se régaler, les gens, il n'y aura pas de recherche, ça sera le player YouTube. On va pouvoir regarder chaque clip en étant vraiment heureux. Ça va être du plaisir. En plus, nous, on a kiffé faire ça. Je sais que vous avez kiffé le regarder aussi. Ouais. Mais on a kiffé faire ça. Donc là, moi, j'ai que hâte. Je l'attendais. Hein. Je te jure, j'étais pareil. En mode. J'ai trop hâte de faire la suite là. Ouais. Ça va être trop bien. C'est le seul truc un peu marrant là dans la campagne. Tu vois, c'est ça quoi. Ouais. C'est ce qui donc me donne le plus de plaisir. En plus, t'as toujours pas vu la fille. Ça se trouve. La fille, je crois qu'ils ont tenté un truc. J'ai vu un screen d'une image. J'étais en mode. Oula, ils ont tenté un truc. Ça se trouve, ça va être catastrophique. Bah après, ils avaient rien. Fait déjà 2017. Oui, oui, oui. Leur espèce de. Imaginez le monde en 2022 après que Jean-Luc Mélenchon soit élu. Et tu sais, c'était un monde idéal et tout de fou. Genre, les gens, ils étaient bien. Et t'étais là, ouais, ok. Ok, bizarre un peu. Et c'était vraiment genre la vie un peu bobo, tu vois. Force genre. Aux actions des streamers sur ces 5 jours. Ah bah, il était temps. Hein. Pardon. Oh le bâtard. Ah, j'adore parce que t'as dit, moi je dis rien tout à l'heure. Et t'as mis une balle d'entrée de jeu. Non mais les gens, moi j'ai vraiment un double avis mais qui se précise un peu. C'est que ouais. Je commence à me dire, c'est très bien. Et en plus, c'est d'autant plus bien qu'en vrai les streamers, leur métier c'est quand même de ramasser des thunes. On en sait quelque chose. Du coup, qu'ils fassent ça pour une cause, c'est bien tu vois. Surtout que bah, avoir un message politique, clairement oui, c'est pas leur métier. Au bout de 4 mois.
C'est déjà ça. Après, ils font ça, l'assaut la plus institutionnelle. C'est aussi un peu, voilà, faut que ce soit bien vu, que les gens puissent participer, notamment ceux qui se disent notre image n'est pas assez cassée. Oui, oui. C'est très bien, on prend. Oui, force. Ouais, franchement, prenez, hein, c'est bien. Ah oui, ce clip, on s'en branle. Si vous voulez souvenir sur des cagnottes, les gens, de toute façon, il y en a partout. Il y a des sur Twitter toute la journée, ça tourne. Je pense que là, il y a des gens, ils peuvent même spam des tweets de trucs qu'il y a eu qui font un résumé. Genre, bien sûr, c'est un moyen comme un autre de soutenir, tu vois. Après, ce qui est précis, c'est que pour moi, en fait, il faudrait peut-être un jour faire un event comme ça. Il faudrait inviter aussi des gens, tu sais, donc qui parlent de ça depuis des années, tu vois. Et même pas genre depuis... Là, c'est ce qu'ils vont faire, là. Ils vont inviter... Ouais. Ils vont inviter des militants et après, militantes c'est déjà bien, emblématiques sur c'est la question bien. Palestinienne, tu vois. Ouais, bah, je crois qu'il y a Mouria Boutelja qui... En vrai, même, je dis même pas jusque là, quoi. Oh, Milan, j'adore. Milan Ah, regardez, il court, ça y est. Regardez-le. Regardez, il court. Milan! On va le revoir recourir. Milan? Il a disparu? On voit rien? C'est nul en fait. Et je vais aller nous chercher à boire. Ouais, ramène à boire. Je veux de l'eau gazeuse, moi. Ça vous a été proposé, Levan? Bah oui, évidemment que ça nous propose. Ah bah non. Eh bah non. Évidemment que ça nous propose pas, les gens, genre, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quoi qu'on en pense, ouais. Wizam va les juger. Mais en vrai, les gens, genre... Non, mais en vrai, blague à part, là. No joke, premier degré, c'est pas notre place dans ce bail-là. Genre, c'est... Là, c'est l'event pour les normies, quoi. Donc, faut que ça reste... Faut que ça reste pour les normies, quoi. Genre, c'est pas... Ils ont pas proposé à vous, c'est quoi ce délire? Non, les gens, c'est normal. C'est normal, vraiment c'est normal. Genre c'est... Ça a pas de chance, quoi. Faut que ça reste lisse, ouais, c'est ça. Genre nous on n'est pas... De quel événement on parle? Va y avoir des streams qui vont être faits pour récolter des dons pour la Palestine. Y a aucun arabe. Ah bon? Mais voilà, quoi. Non, et puis c'est des gens qui nous détestent, les gens, donc voilà, c'est... Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? C'est bien qu'ils fassent des trucs, moi je trouve ça mieux qu'ils fassent rien. Oui, vaut mieux que... C'est fini un coca. Hein. Ouais. On n'a pas bu depuis une heure, là. Je voulais de l'eau gazeuse. Bah pareil, mais il y en a plein. On n'a pas, là, c'est pas possible. Ok. Mais voilà, quoi, c'est bien, c'est timbre, c'est déjà ça. Oui, bah c'est pas grave. Non, mais tranquille que... Après, les gens, c'est normal que des gens qui sont en mode Mélenchon, ils me parlent trop fort. Ils nous aiment pas, c'est logique. Mais... Justement, en fait, faut voir ça politiquement, je me dis, ok, maintenant... Peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, on leur parlera de vous, non, surtout pas. Même non, des gens qui nous connaissent, arrêtez. Moins radical ou qui ne savaient pas trop comment se prononcer, voire que ça scandalisait, mais qui avaient peur de se prononcer, aujourd'hui, sentent que c'est possible de se prononcer dessus. Oui, force à eux, qu'ils donc, fassent leur ça veut dire que le rapport de force politique, il change. D'ailleurs, je pense que c'est un des enjeux de ce qui s'est passé à TF1. C'est qu'à mon avis, les manifs récentes, l'Assemblée... Tu vois, les différents trucs qu'il y a eu dans ce sens-là, les dernières décisions tu sais, de la Cour de justice et tout, etc., ça fait contrepoint en ce moment. Donc, il faut plutôt y voir là quelque chose de positif, quoi. C'est ça. Mais vous avez le droit d'être un peu en mode... Oui. Vous êtes des petits malins. Après, l'important là, c'est la cause palestinienne. On s'en branle. Ah oui, ça c'est des guerres, des genre la flemme. Ah ouais, on s'en branle, quoi. Vraiment, oui, sur les réseaux, tout le monde prouve, hein. Même des gens avec des petits comptes. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Malheureux. Soyez des prouveurs, surtout c'est pour être politique. Je vous en supplie, soyez-le. Ouais. Il y a que nous pour pleurer quand on gagne. Oui, c'est ça. Soyez heureux, c'est bon. Pas de temps à perdre. Au calme. Non, mais bon, après, voilà, quoi. Ouais. Tant mieux si les gens font des choses. Oui, de fou, c'est pour ça qu'ils fassent ça et force à moi, eux. Je trouve ça très bien. Hein, soutien. Voilà. Bah, c'est en plus, c'est la logique... Force. C'est une logique déjà plus politique que le caritatif habituel. Parce que là, c'est en réponse à un événement, à une actualité, tu vois. C'est moins généraliste qu'auparavant. Ouais. Je trouve que c'est intéressant, ça aussi, tu vois.
Comme disait Oui, plus de 35 000 morts, voire plus pour ça. Faudra se remettre en question plus rapidement les prochaines fois. Ouais, bah après ça, il peut. Je pense que voilà quoi. Le petit FIFA en bas là. Bah oui, bah là. Milan, il est heureux. Hein. Ah ouais. Mais ouais. Mais après, c'est très bien. Et je sais pas si t'as vu, mais de toute façon, même. Bah, Guerra, de manière générale, elle a l'air de vouloir prendre les choses en main. Moi, j'ai écouté un peu son interview, Zach Nani et tout. Elle a l'air de se déterre, de vouloir faire des trucs et tout. Bah oui. Quel truc ? Bah, c'est déjà quel truc ? Ça, lancer ça, c'est pas mal, moi, je trouve, tu vois. C'est pas simple à organiser, hein. Il y en a qui ont voulu le faire, hein. Ils l'ont pas fait, tu vois. Mais il est perdu, hein. Non, mais c'est un semard. Bon, écoutez, il a le seum. Non, mais ça me fait rire. En fait, cette posture me fait rire. Du coup, c'est pas bien. Mais cette posture me fait rire, c'est tout. La posture du semard me fait trop rire de la voir. Du coup, c'est insupportable. Oui, mais parce que tu l'es un peu. Oh oui, en fait, non, mais il y a une part de réalité, mais j'en rajoute. Du coup, je m'en veux parce qu'en vrai, je m'en branle pour de vrai, tu vois. C'est juste que la posture du semard, oui, ah bon. Me fait même mourir si t'avais été invité, tu serais pas allé. Oui, mais c'est ça. Oui, mais non, mais oui. Mais oui, mais. Ah, on mais a surtout, le droit d'être. Enfin, et surtout, encore une fois, c'est pareil pour tout le reste. À chacun ses manières de lutter, tu vois. Genre, nous, on a nos manières à nous. D'autres, oui, on en leur. Ça, vraiment, ce qui est important à la fin, degré, c'est que. D'accord, parce degré, qu'il y en a un d'entre vous qui a un petit compte Insta, mais qui partage quand même le truc, essaye de convaincre sa famille. Ça fait partie du truc, tu vois. Il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont. Qui partent là-bas en tant que médecin, tu vois. Il y en a qui vont faire des choses sur Internet, il y a dans les parties, tu vois, genre à la fille. Ouais. Il y a. Voilà, c'est ça aussi qui fait que le rapport de force, vous oubliez trop. Genre que c'est pas genre, oui, c'est pas une cagnotte qui va changer les choses, mais c'est parce qu'il y a la cagnotte, c'est parce qu'il y a Rima Hassan, c'est parce qu'il y a un ensemble de gens qui imposent le sujet et imposent le fait de se positionner en disant il y a un génocide, un risque génocidaire, tu vois, un grand minima. Et puis il y a aussi un ras-le-bol des gens. Moi, par exemple, tu vois, j'ai trouvé que le tweet de JDG. Alors, il en a fait tout un spectacle de « Ouais, je prends un CM, j'ai rien compris à son délire. Oh, » ça... Mais c'est juste un tweet de mec qui a mal au ventre quand il voit des enfants. Là, c'est un père, il voit des enfants se faire. Et c'est réel, ce truc aussi. Tu vois ? Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en mode « Vas-y, c'est bon, là, c'est trop, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ouvre ma gueule, tu vois. » Et tant mieux. Moi, je trouve que ça va. Hein. Oui, j'ai fait un tweet pro-Palestine. J'ai eu 100 tweets de droite, alors je quitte Twitter. C'était trop dur. Je vais en parler pendant 2 semaines dans mes streams. Mais gros, d'habitude. Et faire des blagues sur le mais fait gros, que. Mais gros, eux, leur métier, c'est de se faire sucer la bite. Tu vois, c'est de faire du divertissement et d'avoir des gens qui disent c'est trop bien. Mais évidemment que gros, c'est violent en fait. C'est horrible. Toi, ah, c'est juste, c'est ton orgueil viril étrange. C'est de te dire, ouais, moi, si vous savez tout, ta gueule. En plus, t'es pas JDG. Genre, y a pas autant de gens qui vont tomber dessus quand tu fais un truc non plus. Toi, tu fais tes tweets de semard là, sur le rap où on comprend rien, un mot sur deux. Personne, ça n'intéresse personne. Je prends un CM. Après, si tu prends un CM, tu fais comme lui. Tu lui fais faire écrire tes tweets pour garder les fautes. Comme ouais. Ça reste le peuple, tu vois. Parfait. Ah ouais, c'est important. Dose, il y a des menaces de mort. Non, mais les gens, il y en a, ils ont forcé de fou. Mais c'est par contre, ça dit quelque chose, justement, de la violence politique des gens sur le sujet, tu vois. Parce que là, un truc assez humain en plus, je pense, la droite, l'extrême droite, ils aiment bien JDG. Des fois, ils essayent de le récupérer aussi de leur côté, tu vois. Même si lui, il a toujours été en mode un peu « Oula, oula, laissez-moi loin de tout ça, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, tu vois ». Et il se prend ça dans la gueule, quoi. Ces coups de pression là, je pense que vous avez tous vu Rima, si vous suivez Rima Hassan sur les réseaux. Oui, là, non, mais là, c'est évidemment que c'est un autre niveau. Elle a pas de sème, Rima Hassan, non. Ouais, mais c'est une dinguerie ce qu'elle prend dans la gueule. Elle a pas de sème, c'est tout ce que je dis pas, mais que c'est bien. C'est une information. Frère, elle a choisi de se. Ce de n'est pas un jugement, je dis simplement que de fait, elle n'a pas de CM. Ça se trouve, alors un CM, frère, de toute façon, elle va être payée combien par l'Assemblée européenne là, 10 000 euros, je crois. Ça va. Non, c'est 7 000, c'est ça? 8 000? 7 000 net, 7 700 net. 7 700 net. On a regardé l'autre fois en live, j'étais fou. Ah ouais. Donc ça va. Après, elle les mérite. Mais après, du coup, pareil, quand t'es JDG, t'es bien payé, ça va, tu peux te faire harceler sur Internet. Non? Ouais. Au final. Ouais. En vrai. À 7 000 balles, franchement. Après, elle, c'est un peu sombre quand même. Non, mais en fait, moi, je suis empathique et positif. Elle, mais il y a un petit truc en moi qui se dit. Et bon. Je me présente aux prochaines européennes, c'est bon. La remarque border, bah.
Tu sais que ça fait partie de ton métier. C'est horrible. Hein. Non, elle c'est trop vénère. Simple. Non, je parle pas de Rima, tu vois. Oui, je parle pour YouTube et tout. Pour YouTube, ouais. Mais pour bon, YouTube, des fois, tu vas avoir des gens, ils te tombent dessus, surtout quand tu dis des trucs. En fait, pour moi, ce que j'ai, le truc du cyberharcèlement, c'est quand ça tombe vraiment genre sur un random gratos, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est un peu vénère, tu vois. Oh, Milan 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 Regardez-le. Milan, vous avez pas vu le clip voter Léon? Non. Elle reçoit des messages de gens en train de torturer les Palestiniens. Oui, non, non, c'est vraiment vénère. Non, attends, mais Rima, c'est un autre cas, les gens. Rima, c'est un cas particulier. Oui, je disais se faire harceler gratos, bof. Par contre, si tu dis un truc, genre, les woke, ou tu vois, je sais pas. Oui. Bah, attends-toi à prendre des balles. En vrai. En fait, faut choisir quoi. Soit tu donnes ton avis et les gens ils disent j'aime pas ton avis, nique ta mère. Soit tu le donnes pas quoi. Terrible d'ailleurs, un peu, hein. Oui. Ou alors tu prends un CM parce que c'était difficile quand même. Le premier tweet de gauche que j'ai fait, j'ai craqué. Mais après, moi je trouve que c'est bien. Parce que ça montre que les gauchistes. Parce que tu sais, les gens ils sont là, les gauchistes peignent tout le temps. Pas si violent d'être de gauche sur internet, c'est le truc mode facile. Ouais, c'est facile, ouais. C'est la bien-pensance. Et là, il découvre que, bah non, dis un truc de gauche sur internet pour voir. Vas-y, essaye, on te regarde. La team bienveillant, là. On va voir. On va voir ce que tu vas recevoir. Ouais, la bien-pensance. Hein. Genre, on te regarde. Bienveillant, hein, Mais après, c'est pour ça aussi que les gens, ils ont peur, la vérité. C'est aussi pour ça que les gens, ils ont peur, tu vois. Ouais. C'est horrible, je fais que passer d'une envie de rentrer dans le seum de rase et de me droguer avec. Enfin, vraiment de faire un garrot là et d'entrer du seum dans mes veines et de dire ah ouais, tous des pouvoirs et puis moi aussi de toute façon, un monde de merde. Voilà, j'ai une envie punk bizarre et en même temps je suis empathique, je suis en mode en vrai c'est chaud et les gens ils le font quand même et c'est toujours plus optimiste que ce que mon moi-même là pensait 5 minutes avant. Donc c'est étrange, c'est une situation ouais. étrange. Non, vous ressentez comme mais ça en vrai, aussi ou... en vrai, si se passait pas ça avec les derniers événements, moi je serais en mode ouais, quel que soit, les gens s'en branlent, tu vois. Et je suis vraiment content qu'il y ait un sursaut qui sorte des milieux politisés, quoi. Genre ça, c'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. Tu te fais le violon aussi, hein. Vous y croyez, là, ou pas? Ils sont là, race, sois nuancé maintenant, et laisse Daniel aller. Non, mais ils sont horribles, hein. En fait, ils nous veulent toujours dans deux états différents. Ah ouais, c'est grave, hein. Vous c'est aimez grave. Que non-binaire, en fait. Quel acteur? Non, mais je le pense vraiment, hein, mais... Mais oui. Je pense que vous apprécierez ce tweet. Fais voir, c'est paf. Paf, j'ai confiance. Paf, en général, c'est quand même de la bonne qualité. Oh, c'est stylé. C'est stylé. J'avoue qu'au début, tu te dis « Wow !» Et en fait, ça va. Très bon tweet, je trouve. Parce qu'au début, regardez, t'es en mode quoi ? Attendez. Ceux qui ont joué à Cyberpunk, on la ref, voilà. Bien sûr. Les autres, vous l'aurez pas. Voilà. Mais du plaisir. Du plaisir. En plus, c'est assez. Enfin, vraiment, la tour TF1, gros, elle est tellement. Elle est terrifiante. Les gens qui habitent Paris ou qui passent par Paris ou qui ont pris le périph' sur Paris. Cette tour-là, quand tu la vois. Après, c'est le plan aérien que tu vois. D'ailleurs, des fois, ils le font avant des émissions sur TF1. Mais moi, je l'avais vu à la télé, mais quand tu le vois en vrai, t'es vraiment la tour, quoi. C'est le pouvoir, quoi. TF1, télévision française 1. Tu sens que ça va pas rigoler, tu vois. Ouais. Tu sens que là, c'est... Là, on y est, quoi. C'est le discours 1. Tu vois, genre, il y a un truc, un symbole là-dedans assez fort. Hein. Et de toute façon, je pense qu'on va en parler. On va mettre le vu, comme ça, on en parle. On rentre dedans. On a fini d'être méchant avec les autres. Ouais, on va pouvoir être complotiste maintenant. C'est bien ça, on aime bien être complotiste. Ça me va. Vas-y. Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on me retire le droit d'être malheureux. C'est ça qui m'énerve, en fait. Quoi ? C'est qu'on me retire le droit d'être mais un semard sous prétexte que ceci, bah, cela. Prends un CM. Et plante-toi avec. CM parce que ça me rend malheureux. Prends un CM et tu lui diras... Mais en fait, c'est ça que j'ai pas compris. Attends, quand même. Désolé, mais... J'ai pas compris. C'est qu'il a dit je prends un CM et je lui dis quoi tweeter. Et j'ai un autre compte où je reçus les mêmes trucs. Et des fois, je vais quand même voir ce que les gens ont dit sur mes tweets. Je comprends pas l'intérêt du gars en fait en question. En fait, c'est pour moi, c'est comme si tu disais
Bon, ma table, elle est pas droite. Je vais prendre un mec et je vais caler la table avec un gars. Tu vois. Genre. Pas très utile, non? Ouais, je vous jure, j'ai pas compris. Mais ça me fait rire par contre. L'idée, elle est sophistiquée en fait. Du coup, elle me plaît. Attends, faut que je coupe la musique. Hop. Allô? De nouvelles manifestations en France et dans le monde contre les bombardements israéliens à Rafah. Ils ont fait plus de 60 morts depuis dimanche. Emmanuel Macron a présenté ses condoléances au peuple palestinien. Reconnais l'État palestinien déjà. Ah bah. Et on verra après. Non, mais ce serait une faute morale en ce moment. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est Meir Habib qui a dit ça. Non, mais même, c'est pas le moment. C'est quand le moment? Mais je crois que Macron dit ça aussi, hein, en disant que c'est pas le moment de céder à l'émotion. Ah, l'émotion. On a le droit d'être ému que des milliers de gens se font massacrer, bombarder, incendier, machin. Genre, allez, gardez raison, les gens, quand même. On va pas prendre des décisions politiques. Un peuple qui veut s'autodéterminer à avoir un État, c'est un peu émotionnel comme demande, quoi. C'est pas le vu d'hier. Ah oui. C'est le vu d'hier de fou. On va mettre le bon vu alors. Mais c'est pas grave, ça nous a fait une intro. Voilà. Oui, bah chaque vue est badant, donc on les reconnaît, on les reconnaît plus. Non. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Allô? Lance-toi! Milan! Ah non, c'est pas Milan là sur la photo. La airline est trop propre. Je crois qu'il est allé en Turquie. Comment différencier Kim Jong-un de Milan, la airline? Ouais, les soirées aussi, hein. Ouais, les dates. Après, quand il était sur Panama, Skip, il faisait le Montreuil, hein. Il kiffait. Kim Jong-un. Ouais, il kiffait dans les sorties. Ah ouais. La culture et tout. Kim Jong-un à la Marbre. Culture occidentale. À la prochaine Zawanoy. Kim Jong-un à la station. Antoine Gardemi. Goya, Kim Jong-un. Allez hop. Je suis sûr, il y en a, il serait trop. Ah, j'adore. C'est trop bien. D'habitants de 8 provinces sud-coréennes aperçoivent dans le ciel de gros ballons blancs, 260 en tout. La plupart s'écrasent dans des champs ou sur les trottoirs, et à l'intérieur, des tracts de propagande nord-coréenne mêlés à des déchets et des excréments d'animaux. Oh. Des ballons poubelles ou des cadeaux de sincérité, résume cyniquement Pyongyang. La Corée du Nord revendique ses représailles à la suite d'une campagne de propagande menée par des activistes sud-coréens dans le pays, des intrusions datant du début du mois lorsque des ballons avaient été envoyés en direction des villages proches de la frontière nord-coréenne. Ces derniers contenaient de l'argent, de la nourriture et même des clés USB avec de la musique K-pop. Leur virus, tu te rends compte que leur virus culturel, c'est la K-pop. T'imagines, frère, t'es en Corée du Nord, t'as jamais accès à rien, et t'es une clé USB, mais t'as de tombe, la K-pop. Et il y a de la K-pop dedans. Je pense que c'est trop. On peut pas imaginer le. Ouais. Bah après, c'est ça qui. Alors que la dernière tape de Jeff Keefe, déjà, on discute, tu vois. Là, j'aurais trouvé ça incroyable. Ouais, mais toi, à ce moment-là, tu connais pas. Ouais, mais justement, imagine, t'as jamais entendu Chief Keef de ta vie. Mais imagine que là-bas, gros, doit y avoir. Tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui sont sortis de Corée du Nord et tout, qui disent que tu sais comment ça se passe des films, des trucs, tu vois, de la culture du reste du monde, tu vois. Je suis sûr, il y a un Raz précis qui a une clé USB qui est sur bizarre. Il va sur Soulseek de et Corée du Nord. Et qui arrive à choper du Chief Keef bizarre. Est-ce qu'il y a Soulseek en Corée du Nord? Vraie question. Est-ce que ça existe? Je pense que tu peux t'y connecter, mais il faut que tu passes, enfin que tu sois chaud, quoi. Et que tu te fasses pas choper. Parlez mal vous de la K-pop. Mais j'avoue, la K-pop, pour moi, c'est un peu éclaté. J'en ai une mauvaise image. Je concède, je le dis. Je vais arrêter de faire le suceur comme tous les gens qui sont là. Je connais pas bien, mais je respecte. Je trouve que c'est nul. Voilà, c'est nul. Voilà. Je l'ai dit, c'est bon. On prend un CM, frère. Là, je prends un là CM, t'as là. Intérêt à prendre un ah ouais, CM là, parce qu'elle est fan de K-pop. Ah ouais, là, je vais prendre un CM de fou. Hein. Je peux te dire que l'extrême droite sioniste à côté, ça va. Hein. Ah ouais. Après, je crois qu'ils sont propales, les fans de K-pop, un peu. Ouais, je crois qu'ils sont propales. Si, je crois. Non, mais il y a des trucs un peu conscients, bizarres. Je sais pas. Bah, de toute façon, c'est tellement industrie plante, ce truc-là. Trop vieux pour de la K-pop, peut-être. Peut-être que c'est nul aussi. Peut-être que c'est éclaté. L'une des deux possibilités. Vous écoutez les trucs que je trouve nuls, ouais, mais toi t'as des mauvais goûts aussi. Si t'es fan de K-pop. Ouais, non, mais après, aimez la K-pop si vous aimez la K-pop, y'a pas de problème. Non, pas moi, je suis pas d'accord. Mais alors, du coup, quand vous me cassez les pieds sur les vêtements là, à dire que c'est de droite, machin. Ah ouais, vous êtes fan de K-pop?
Alors... Vous êtes fan de K-pop et vous cassez les couilles sur les fringues. Ouah. Non, je pense que les fans de K-pop cassent pas les couilles sur les fringues. Non, j'ai décidé, c'est les mêmes frères. C'est l'inverse. J'ai décidé de... Ils ont que envie d'aller à Séoul pour acheter des fringues. Non, moi j'ai décidé, c'est les mêmes qui cassent les couilles. Un peuple errant à la recherche d'une terre promise, voilà ce que sont devenus les Palestiniens de Gaza après 8 mois de guerre d'Israël contre le Hamas. Malgré les condamnations internationales, les bombardements continuent sur le territoire, devenu un cimetière. Ici, dans le camp de Jabalia, dans le nord, les habitants reviennent sur les lieux du désastre. On a démonté les tentes pour chercher un endroit plus sûr. On nous a dit que c'était sécurisé ici, qu'ils n'allaient pas attaquer, mais ils ont quand même bombardé cette nuit. La paix dans... Horrible. Ce monde pour toutes les nations, voter pour une humanité souveraine. On va le voir, ça. Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Bordeaux, ces mairies ont décidé hier soir d'éteindre les lumières de leurs hôtels de ville en mémoire aux victimes civiles de Gaza. T'as vu que Lille, ils font des trucs bien. Hein. Ah ouais. C'est horrible, gros. Les gens sont. Vous allez devoir parler en bien de Lille. Non, pour moi, c'est comme, Tel Aviv et la LGBT. C'est pour faire semblant. Oh, mais là, gros, c'est... Lille, quand ils font les propages, c'est pour essayer de convaincre que leur ville, c'est pas l'axe du mal. Je veux bien te rejoindre dans la haine de Lille. Mais là, quand même... Lille, c'est un peu le Tel Aviv français. Wesh. Ils sont quand même beaucoup plus... C'est quand même une ville où il y a quand même beaucoup de gauchistes. Dis ça. L'argument qui n'a aucun sens. Il y a d'autres villes comme ça, hein, bien pire. Ça fait trop rire. De l'offensive au sud de la bande de Gaza. Près d'1 million de Palestiniens ont été déplacés vers le nord en 3 semaines, selon les Nations Unies. Et vous avez décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, pourquoi ? Parce que tout simplement, on sait qu'on va gagner, parce que en face de nous, nous avons des personnes qui reçoivent des sanctions pour des propos racistes dans l'Assemblée nationale, et moi qui, aujourd'hui, prône la paix, je me vois être exclu de l'Assemblée nationale. Oh, est-ce que t'as vu la vidéo où il met un coup de pression à un droitard ? Non. Envoyez-moi ça. En fait, c'est de loin, mais tu vois direct. Oh, les gens, trouvez la vidéo où il est à deux doigts de faire un tête-tête avec un droitard, là. Républicaines. Oh non, ça commence. Union populaire, pas soulèvement populaire. Vous faire soulever par Sébastien. Mais ça y est, en fait, tu vois, c'est là que la FIS ont quand même réussi un truc. C'est qu'avant, ils avaient 2-3 députés que les gens voulaient baiser. Maintenant, ils sont 70. On est d'accord ou pas? Ça veut dire qu'ils ont réussi un truc. Moi, je le vois à ça. Je le vois à quel point les gens sont en route maintenant sur à peu près n'importe qui à la FIS. Ça devient grave. Oui. Ça veut dire que ça y est, là. C'est ça ou pas? Vous en aimez plusieurs? Ah ouais, c'est ça. Attends. Regarde bien. Oh, c'est quoi, c'est... Allô? Voilà, genre, la qualité, mais la qualité, appuie sur le truc en bas, la flèche. Ah oui, je suis con. Oh, mais c'est une merde! Oh, donne-moi la souris. Hein. Non, oui, c'est ça. Non, mais attends! Faut que tu regardes. Okay. Lui, ouais. Avec le pantalon. Attendez, je te montre avec la souris aux gens. Voilà, lui, il va vouloir mettre là un coup de pression à lui. Et tu vois sa voix, il se liquifie physiquement et t'entends sa voix qui se met à trembler. Faut bien écouter. Regarde. Oh! Vous n'êtes pas le droit de me menacer! Là, on n'entend pas bien. Elle se gratte le dos. Elle est incroyable. C'est vraiment la DA droitard Loki. Oui, de fou. En fait, c'est chiant les droitards parce qu'on se disait ça tout à l'heure. On parlait d'El Ryan. Et on se disait en vrai, t'es El Ryan. Ce que tu fais, c'est que tu vas choper genre un gauchiste, une gauchiste de 17 ans. Tu fais le mec malin en mode j'ai tout compris sur le féminisme. Et on se disait ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait faire des micro-trottoirs où tu vas avoir des droitards. Et tu leur poses des questions à la con pour bien les ridiculiser aussi, parce que dans le genre petit cuck de 17 ans, fragile, ils en ont aussi, tu vois, ce qui est normal, hein, c'est pas l'adolescence, hein, en vrai. Mais du coup, t'es en mode, ils se foutent. Le problème, c'est qu'ils sont trop low-key. Tu vois, au moins à la gauche, ça se met les cheveux bleus, ça met des Doc Martens. Ouais, ça s'affiche, ouais, c'est vrai. Ça s'affiche un peu, quoi. Ça a son pins Free Palestine, là. Regarde, on l'a remet. Et essaye d'écouter ce qu'il dit, essaye d'écouter, j'ai mis à fond. Vous avez pas le droit de me menacer. Il lui dit quoi? Regarde, il lui dit, t'es qui toi, sale merde, regarde. Wow. Vous avez pas le droit de me menacer, monsieur. Vous avez pas... Et après, il regarde ses potes en mode... Incroyable, bref. Voilà, du plaisir. Après, ça, c'est la bourgeoisie aussi. Dès que tu lui parles un peu proche, ouais, alors, ça, vous menacez, je vais porter plainte. Ils ont trop la justice dans... Ah putain, c'est horrible. Oh. Pourquoi t'es mauvais? Non, moi je suis mauvais aussi car c'est le mauvais vu. Vas-y, le bon vu. Justice, paix, laïcité, c'est notre vie, notre... Attends, arrête, on se spoil, frère. Ah oui, arrête, on se spoil.
Ah oui, Donald Trump coupable. C'est la première fois qu'un ancien... Tous les chefs d'accusation, il les a tous pris. Je suis trop heureux. C'est incroyable, main pleine sur Balatro. C'est pur, mauvais baiser. Hein. Genre, j'étais là, ça, ah ça ouais. Ça me rend trop heureux. Hein. Après, il avait vraiment... Et du coup, l'histoire, c'est qu'il a payé une actrice X 150 000 euros pour pas qu'elle dise qu'ils ont couché ensemble. Avec des frais de campagne. C'est avec les... Ce qui est... Mais quel monde, mais gros, mais... Je me dis, mais c'est quoi, c'est quoi ton univers affectif et sexuel quand t'es Donald Trump, gros? C'est ta vie, elle est... C'est cursed. Hein. Ah putain, une merde, quoi. Ah ouais, c'est vraiment... C'est satanique, voilà. Voilà, j'ai décidé. Tiens, président. De toute façon, on va être anti-États-Unis, je sens dans ce live, c'est parti, là. Le président américain est condamné par la justice pénale. Il dénonce un procès truqué. Non à l'UE, qui n'a empêché ni la guerre des Balkans, ni celle en Ukraine, et qui, aujourd'hui, arme Israël... Merde, faut pas qu'on regarde. Je, heureusement que je suis bête, les gens. Je mets 20 secondes avant de comprendre, donc je vois rien, en fait. Dites-vous que je vois rien parce que je suis trop stupide. Donc, quelque part, je suis sauvé par ma stupidité. Et Raz aussi par la sienne en ce moment. Ce qu'il fait, ça me fait trop rire. Vous imaginez pas à quel point. Mais oui, ça, bah voilà, on va en parler un peu. Bon, je pense que vous avez tous vu... À quel... Enfin, vous avez tout le monde été en mode... Quoi ? Quoi ? On est d'accord qu'il y a eu un moment cassant dans l'inconscient collectif français, là. On a tous été en mode, quoi ? Genre, avec tout ce qui se passe en ce moment, t'es là en mode, ça y est, ça prend position et tout. Et c'est quoi la réponse directe ? Parce qu'il faut quand même peut-être que l'État français, là, se sent un peu mal d'avoir eu un drapeau palestinien dans son hémicycle. Donc peut-être qu'il faudrait une petite interview, quoi. Ouais, histoire de dire, non, mais vous inquiétez pas. Quelques gauchistes qu'on va mater, mais... C'est terrifiant. Meurice, ah oui, le tweet de Meurice est très drôle. Après, du coup, Meurice, tous les gens font des blagues prépuces et j'en peux plus déjà de cette méta. En fait, les blagues prépuces me fatiguent. Mais c'est vraiment, je suis là en mode, oh non. C'est... Ah ouais, prends un CM, frère, sérieux. Prends un CM qui est au Meurice. Non, il est très bon sur Twitter en ce moment. En fait, la blague prend un CM est exceptionnelle. Israélien Benjamin Netanyahou fait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le procureur de la Cour pénale internationale. Il a répondu aujourd'hui aux questions de Darius Rochebain. Quelle est sa vision de la guerre à Gaza ? Alors rien que ça aussi, moi désolé, voilà, je rentre dans le complot encore une fois, mais ils ont pris un gars qui a eu des accusations MeToo, genre pour mener l'interview. Alors vraiment, tout est sombre. Donc, du coup, t'es en mode, ils lui ont dit « suce la bite à Netanyahou et on te laissera tranquille », genre ? Non, mais j'ai l'impression que, sans être aussi caricatural que ça, même si je pense qu'au fond... Quand on regarde, en vrai, les gens, je trouve qu'il y a beaucoup parmi les éditorialistes d'extrême droite. Il y a quand même beaucoup de gens. Et c'est pas genre une affaire. Oui, oui, oui. C'est oui, des oui. affaires et de cul et d'argent. Et de, tu vois, Hanouna, Morandini, tu vois. Et c'est ces gens-là. En fait, c'est je vrai, me dis c'est à vrai, quel c'est point vrai, c'est vrai. Ce truc, du coup, de n'importe où ailleurs tu sauterais, ça les fait devenir des encore meilleurs toutous. Qu'ils étaient déjà. Je vous jure, les gens, dans la connivence médiatique, dans le côté chien de garde, il y a un truc qui m'angoisse profondément en ce moment autour de ça. Je me dis, oula ! Mais bon, complot. On va attendre okay. des chercheurs dans 10 ans. Ouais, voilà. Il va y avoir des dossiers. Justifie-t-il les milliers de morts civiles palestiniens ? Il y a notamment Rima Hassan qui appelle à une manifestation devant TF1. Il y a un lancement de boycott qui a été lancé. Ah, ils ont le seum ! Ayez le seum un peu ! Parce que lui, il va dire, on a fait un sondage, et 90% pensent que c'est pas bien Rima Hassan. Bah oui, mais en attendant, il y a des gens dans la rue, quoi. Ah. Les images en direct, très bien. Vous croyez qu'on bosse pas, nous ? Et il y a donc le député Thomas Porte qui a appelé aussi les salariés de TF1 à saboter la diffusion de l'interview. Voilà. La démocratie. Hein. Rima Hassan et Sébastien Delogu, donc toujours les mêmes. Voilà, insupportable. Mais... Oh, mais c'est une dinguerie. Insupportable ! Mais c'est n'importe quoi ! Mais comment tu peux avoir à ce point ? C'est genre de aucun recul, quoi. C'est... Mais gros, mais lui, ça y est, il est radicalisé, frère, avec ses sondages à 98% pour virer les immigrés de France, là, genre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Ah ouais. Et même s'il avait pas ces idées-là, il est prisonnier de son nouveau public, là, il est finito, là. Genre, oui, elle est loin, la méta TPMP, Gilets jaunes, où des fois, de temps en temps, vous pouvez avoir des trucs un peu populaires à la con, là, c'est fini, là. C'est vraiment... Droite, en vrai, là. C'est vraiment un populiste, au sens négatif du terme, Hanouna, tu vois. Ah bah, c'est vraiment ce... stats, hein. C'est ça, c'est ça.
Frank Underwood, ah ouais, j'avoue, le plan. Mais nous ne faisons pas de bombardement non ciblé à Gaza. On ne fait pas ce que faisaient les alliés à Dresde. On ne fait pas de tapis de bombes à Gaza. Je ne vais pas me comparer à ce qu'on a fait par le passé, mais nous ne faisons pas ce genre de choses. Lorsqu'on va... Donc on est d'accord que quand ils bombardent un camp de réfugiés avec des enfants, c'était vraiment choisi, quoi. Il a vraiment choisi. Non, mais il a dit dans la tier list des dictateurs et des génocidaires, je suis quand même rang E. C'est ça. Pour moi, j'entends pire. Ça. Il est en mode, il y a pire, oh, allez. Ouais, ça va, il y a d'autres qui ont fait pire, quoi. Allez. On est encore un peu humain. AFA, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie. Quel angle ? Wow. Rafa, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie. Ah ouais. Après. Ah d'accord. En termes de mort, peut-être. Ça va peut-être. Je sais même pas, frère. Ouais, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Je sais même pas. En fait, j'ai aucune idée de combien. Et attends, je sais pas si l'extrait il sera après, mais moi je trouve parmi. Parce qu'on va pas se mater l'interview en entier, les gens vont s'éviter cette souffrance. Mais cet extrait-là, gros. On voit bien que vous tuez beaucoup de combattants du Hamas, mais au prix de tellement de victimes. Civiles, innocentes. Alors, question, quoi. Alors, comment il va répondre, à ton avis ? Civils, chaque mort de civil est une tragédie. Chaque fois que je vois un enfant ou une femme ou un civil innocent mourir, pour nous, c'est une tragédie. Je crois autant que toi quand tu dis du bien des youtubeurs et des streamers. Mais après, non, c'est la même énergie. Ça se voit, il a un CM, lui. Ça se voit tout de suite. Ah oui, il a des CM, il y en a plusieurs. Ah ouais. Mais pour le Hamas, c'est une stratégie. Allez. Ils utilisent sciemment les civils comme des boucliers humains. Allez. Donc, alors, vous avez entendu, donc la stratégie, c'est quand même de partir du principe qu'Israël va bombarder, quoi, déjà. Moi, je trouve qu'il y a un moyen facile de sortir de la stratégie. Tu sais comment tu pourrais les avoir ? Tu bombardes pas. Oh hey, tu si tu bombardes dire... pas, ils peuvent pas l'utiliser. Ah ouais, tu voudrais dire que si... ils envoyaient pas des bombes sur des civils, et ben du coup, il y aurait pas des civils qui meurent. Non, mais peut-être il faut que je fasse son CM. Ouais, son CM, il faudrait contacter son CM pour lui suggérer l'idée. Youssef. Ah ouais, les posts Facebook légendaires, là. Nous avons envoyé des milliers de pamphlets, d'affiches. Ah, nous mais t'as vu. Passé des appels téléphoniques. Mais t'as vu, il y a des petits bénévoles sympas. Rends compte, ils ont recruté des gens et tout pour aller mettre des affiches et prévenir, faire du porte-à-porte, faire des petits appels, dire bonjour madame, nous allons bien. Je dis à mon CM de prévenir. Donc ne soyez pas dans cette zone où vous êtes que nous voulons bombarder parce que vous y êtes, bien sûr. Oui. Genre ça va, sympa. Nous faisons tout pour éloigner les civils des zones de conflit et le Hamas, eux, ils font en sorte que les civils restent dans ces zones en leur tirant dessus. Bah du coup, bombarde pas. C'est vraiment... Le Hamas qui tire sur la foule pour que les gens ne partent pas. Mais quel mensonge. Oh là là. Mais c'est comme tu sais, tous les trucs de Wissam. Mais si tu rentres dans sa logique, du coup, bah bombarde pas. Oui, si oui, ils veulent te faire alors du coup, le Hamas veut te faire passer pour un criminel de guerre en faisant en sorte que tu tues des gens. Bah les tue pas. Ah ouais. Genre vraiment, genre, c'est là que tu vois genre, le tissu, genre, ça tient sur rien. Tu sais, il n'y a même pas d'effort, en fait. Tu vois ? Mais ça passe, c'est pas contredit, c'est... Pour ça que là, on peut vraiment... Il y a toujours une part de propagande en politique. Mais là, c'est vraiment de la propagande de guerre, les gens, là. À un niveau... Et il y a des gens qui se satisfaisent de ça, en fait. Qui disent, ah bah oui, c'est bouclier humain, c'est sûr, le Gaza, il les force, et du coup, bah, ils sont bien obligés de bombarder, quoi. Genre, c'est qui se satisfassent. Satisfassent, ah oui, oh là là. Des gens qui se satisfassent bah de après, ça. Bah après, que les gens des se gens satisfassent qui... Satisfaites-vous. Ça fait du bien de se satisfaire. Les gens se satisfont de ça. Bah c'est pas, t'aimes pas te satisfaire, toi. Se satisfaisons. Se satisfaisse. Se satisfasse. Sympa de se satisfaire de temps en temps, ça détend. Surtout quand le monde est aussi moche. Faut se satisfaire un max. Ça va, j'ai un CM, donc... Ah ouais, t'as un bon CM pour te satisfaire, toi. Il a l'air bien, ton c'est CM. C'est mon cul manager. L'anglicisme désigne la vérification de l'exactitude des faits et chiffres avancés dans les médias fact-checking par un politicien. Je viens d'entendre votre comparaison avec le débarquement en Normandie. La grande différence, c'est que Gaza n'est pas votre terre. Vous allez... Ah bah oui, petite différence quand même, capitale. C'est un petit détail qu'il faudrait prendre en compte.
tous être en situation de cécité visuelle. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et si vous leur donnez un état, maintenant ce sera la plus belle récompense possible pour ces terroristes. Wow. Oh là là. Ah oui, il est en mode, ça veut dire qu'ils vont avoir gagné. S'ils ont l'état, ça veut dire qu'ils se sont pas battus pour rien, ça serait dommage. Ça voudrait dire qu'on peut-être même que des gens commenceraient à dire bah, ils ont résisté et tout. T'imagines, je pense que c'est ça en plus en vrai qu'il voit lui. Ouais. Que du coup, il va absolument éviter, c'est logique dans sa tête. Aujourd'hui, les trois quarts des Français seraient favorables à ce qu'on reconnaisse un état palestinien. Voilà. Les trois quarts? Ah bah ça, c'est de la stat. Hein. Ah. Alors, je croyais que c'était un sujet concerné avec l'électorat de banlieue là. Hein, nouvelle pensée critique. C'est genre le pauvre, il a fait exprès en plus. Hein, je sais que c'est ton avis. Ton avis de raciste là. Spoil! Spoil! Ouais. Je m'attendais pas. Je me suis dit, c'est. Fouf. Oh. Notre victoire. Il est taré, non, mais aujourd'hui. Ah, Elias, ferme ta gueule. Tout le monde nous parle de toi en disant que t'es fou. On a passé une heure à t'analyser psychologiquement. On a passé. Ah, les gens, ils sont parce que cette donnée va l'angoisser profondément. Du coup, il sait pas qui. On en a plus. Dit que t'étais mignon, mais que tu t'excusais trop, globalement. C'est ça. Donc, on dit, on était en train de travailler, on l'entendait parler tout seul. Il marmonnait. Et se répondre lui-même. Et on lui demandait, mais qu'est-ce que t'as dit? Il disait, non, désolé, pardon. Et après, il reparlait tout seul, il se répondait lui-même. Sauf qu'on voulait l'écouter, nous. Ouais, on voulait écouter ce qu'il disait, mais il était juste tout de suite, tout seul. Il s'excusait de ce qu'il venait de dire, qu'il avait marmonné, qu'on n'avait pas compris. Ah ouais. Wow. Les gens sont fascinés. Hein. Mais bref, ouais. C'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. C'est la victoire de la France. Wouh! Wouah. C'est il est vraiment arrivé avec tous les dog whistles d'extrême droite. Pas ma France, hein. C'est là, non, mais c'est là que tu vois où est-ce qu'ils cherchent ses alliés aussi. C'est que c'est vraiment la rhétorique de l'extrême droite et c'est eux qui draguent. Ah, vraiment. Et il est d'extrême droite, de toute façon. Oui, oui, bien sûr, non, mais... Voilà, quoi. Il sait qui sont ses alliés, quoi. Après, et là, les gens, vous vous rendez compte, quand même, une heure de grande écoute, TF1, ça, avec ce qui se passe dans le pays en ce moment, le climat... Là, on a atteint un tiers, là, où... T'sais, on est vraiment dans le mood CIA. Moi, je trouve qu'on est dans un mood CIA. La réalité est CIA. T'es vraiment en mode, oui, d'accord, ok, l'Occident, l'impérialisme occidental, dans ce qu'il a de plus caricatural, tu fais même pas, tu peux même pas faire semblant, donc vas-y, on se cache plus. Tu vois, c'est en détente. Hein. Ouais, ça commence à être. Bah, ça commence à. Ouais, ça commence à. Des fontaines de lave. Haute de 70 mètres. Un mur de feu qui surgit d'une faille de plus de 3 km de long. Ah ouais. Depuis 24 heures, près de 2000 mètres cubes de magma par seconde sortent de terre. Ça, dans les jeux vidéo, souvent, c'est que tu n'as pas encore le truc pour passer. Les plateaux qui sont destinés à Raphaël Gluck. T'as pas l'armure lave. Mais c'est vrai. T'as souvent un endroit comme ça. Oui, voilà, exactement. Dans le monde des Gorons. Voilà, c'est ça, exactement. Elles avaient pris une potion de feu dans Breath of the Wild, car je n'ai pas, n'avais pas assez de rubis. C'est compliqué de trouver des rubis dans Breath of the Wild, vous ne trouvez pas. Et le problème en plus avec cette économie, c'est qu'une fois qu'on en trouve, et ben on en a beaucoup d'un coup. Donc au final, le système économique de ce jeu n'est vraiment pas bien pensé. Je vais faire une vidéo essai de 45 minutes avec cette voix, et je vais la publier. Tout le monde dira ouais, bravo, c'est incroyable. Tu prendras un CM quand tu auras trop de succès. Ouais, que j'ai ah, c'est dur, on m'a dragué en convention. Dany qui se moque alors qu'il a toutes les datas. Oui, mais c'est son but, les gens. Mais le justement. Plaisir de Dany, c'est d'avoir les data geeks pour pas vous, pour être anti-vous après. Pour pouvoir se moquer. Man pour le vous l'avez, cette tech n'a jamais été dite, je crois. Donc, je vais créer ma chaîne. Je vais l'appeler... Bien sûr que si. T'as vu Review. Tu vois. Tu vois Review. Tu vois ou pas. Tu vois. Les socialistes et Marie Toussaint pour les écologistes. Ils ont refusé de venir débattre, mais ils sont les bienvenus. Ils peuvent venir à tout instant. Ok. Se réduit. Et nous nous sommes donnés pour mission de protéger. Non, spoil, spoil, oh, merde, spoil, merde, merde, putain. Attends, on a raté deux extraits là, je crois. Non. Oui, s'il vous plaît, Dominique, j'ai écouté tout le monde parler de Madame Maréchal. Alors, désolée, oui. C'est elle qui a la parole. Ah bah non, je suis désolée, Madame Maréchal, tout le monde l'a vu. Elle a beaucoup parlé au début de l'émission, ça n'a pas été pris en compte.
Ah ouais, c'est la guerre entre les deux. De toute façon, ils ont mis 12 fois leur clip de campagne. Vous avez vu ça d'ailleurs ? Oui, 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 j'avais genre, raison. On était complotistes. Et vous étiez là, non, vous forcez, dosez un peu. Vous forcez, ça marche pas comme oui, ça. C'est normal. Il y avait tout le monde en mode CIA à ce moment-là. Tout le monde a été convaincu. Regardez, France Télé a-t-elle zappé des clips de liste au profit de Bardella et ailleurs ? L'Arcom a été saisi. Et on l'a découvert en direct, c'est Dany Eras qui a découvert ce scoop. Eh oui, on est en mode, c'est bizarre quand même. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est l'exact clip de 6 minutes oui. avec littéralement, uniquement le clip interminable du Rassemblement National et celui de En Marche, fois. Enfin de Ensemble ou je sais pas voilà, quel connerie encore. On s'en branle là. Macron quoi. On s'en branle, ouais, voilà, je pensais, on s'en branle. Voilà. Et comme par hasard, deux fois impossible d'aller sur tous les sites. Ah ouais. C'est bizarre un peu, France Télé à TF1, France Télé, ça fait y beaucoup avait que de trucs où il y a écrit France. Six fois le même lien, toujours le clip Le Pen-Macron, là, bah ouais, c'est bien, ça marche bien comme ça. C'est le chat qui a découvert, non, c'est faux ! On nous met un petit Mélenchon, là, et il nous coupe des têtes à Radio France, à France Télé et tout. Là. Ah ouais. Il faut que ça change un peu, non ? Ouais. C'est bizarre un peu, je trouve. Allons, madame. Donc vous comptez. Soyez raisonnable, madame Bélier. Vous avez autant de chances de retrouver ici un ours polaire qu'un député européen. Ça a changé l'host. Comme nous le savons tous, les partis politiques... Non ! Spoil ! Oh putain, gros, j'ai mal aux oreilles ! Pénalisation de la politique non. agricole. Non, en fait... C'est, non, mais laissez-moi Non s'il te plaît. Mais allez, mais... Non. C'était le programme d'il y a 5 ans, mais en fait, Jordan Bardella... J'ai regardé le programme. On a tendance à oublier, c'est une véritable girouette. Si on le branchait sur un générateur, on aurait de quoi éclairer tout le programme. Ok, très bien. Oh, il a tenté sa vanne, personne ne le suit. Oh, le deliver pas clair, hein. Oh. Donc en fait, c'est une girouette, donc il change d'avis. Donc en fait, si on le branchait sur un générateur, on pourrait éclairer tout le plateau. J'ai pas raison, la team. Ah, oh, c'est tellement... Merci, Léon. Madame Bélier répond. Madame Bélier, essaye de répondre. Il reste un peu de temps à Marion Maréchal. On nous dit que c'est un duel en... Non ! Oh putain, le NPA, c'est très NPA. On les met en E direct, voilà. Et d'ailleurs, je voudrais juste préciser que j'ai dit les perdants. D'ailleurs, envoyez la tier list, on l'a plus. En toujours tort, je me suis trompée, c'est bien. Les absents ont toujours tort. Voilà, je voulais rectifier. Ouais. Ok. Ouais, bon. Ouais. Bon, je crois qu'on va passer. Oh oui, ça a l'air bien quand même. Oui. Ça, on en a parlé. De toute façon, on n'est pas dedans. Oui. Ça on s'en branle, ça c'est bon, ça on l'a vu. Ah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout ça. Ça c'est bien ça. Ça on a vu, ça on a vu. Mais ça c'est très bien ça. Ah toi c'est constipation là, c'est pas frustration toi là. Oh je suis heureux les gens, on a tokenisé Raz, regardez. Lors de l'émission de Zawa Prod avec Jean-Luc Mélenchon. Attends, il n'y a pas le vrai article ? Si, mais t'inquiète. On va pas lire le trade et l'article ? Non, mais bah, si on lit le trade, on peut aller dans le truc vite fait, mais je lis le trade pour que ça aille vite. Ah oui, on lit que le trade alors ? Oui, mais t'inquiète. Oh non, c'est au secours. Au secours ? Dans un débat écrase sur l'institution scolaire et le rôle des profs. Ah bon, c'était un débat sur l'institution scolaire ce moment ? Vous l'avez vécu comme ça, vous ? On a fait. Alors, moi, Jean-Luc Mélenchon, nous voulons débattre de l'institution scolaire avec vous. Un dialogue très révélateur de l'absence de réelle pensée alternative de gauche sur l'école en France. Ça, moi, je suis low-key d'accord avec ça. Ouais. Mais pas à ce moment-là. La conversation avait démarré de manière scolaire, avec des considérations philo sur Camus. Le sens de l'engagement existentialiste, du coup, c'était vraiment bien. Avant de dériver lentement sur les parcours universitaires. En fait, c'est le moment où ça a arrêté d'être scolaire. C'est le moment où il n'a pas aimé. C'est un moment où vous êtes pris la tête en mode rigolo, quoi. Oui, c'est ça, genre. C'est bizarre, du coup, parce qu'il a aimé quand on a fait les fans de Camus, dissertation de philo sur 20. Oui, en fait, il a aimé quand vous faisiez les profs, mais il a pas aimé le moment... Ouais. Non, mais après, en plus, en soi, le fond du propos, t'es un peu d'accord, mais ce que je trouve précis... Après, si c'est pour faire des vues, c'est bien. Parce que c'est plus, je pense, t'as plus envie de cliquer quand on voit ces deux têtes de cons. Ah oui, sur un truc sur la gauche radicale et l'école, tu vois. Non, mais en plus, là où je trouve où l'article est vite fait mishot, même s'il est en partie vrai, c'est que je pense que Mélenchon, singulièrement, lui, est pas à la pointe de la critique de l'institution de l'éducation. C'est un prof.
C'est il un sait prof. Qu'il doit convaincre mais les profs. En vrai, à la fille, il y en a plein qui réfléchissent un peu à ça quand même, tu vois. Oui. Et en plus, là, genre, Mélenchon, surtout que Mélenchon, il avait vu que j'étais un peu en mode rigolo, et c'est pour ça qu'il a rigolé en mais mode franquiste. Direct. Et de toute façon, tu fais semblant, tu vas pas en être fier. Enfin, c'est pas genre, t'es anti-intellectuel, c'est ça. Et quand je lui ai dit, moi, quand j'ai, et après, il y a un moment, après, je lui dis, je sais plus comment je lui dis, mais un peu en mode. Non, mais si, c'est important pour moi, la critique de l'école, j'ai mal vécu, c'est un moyen de se réapproprier ça. Machin, il était en mode, ah oui, je comprends, etc. Genre, je sais pas, c'était... En fait, c'était pas si non-dit et complexé que ça, quoi. Alors que je trouve que l'article, on dirait vraiment qu'il y a une sorte de non-dit sur l'école, sur le plateau, vraiment malaise, un peu un moment de révélation du poteau rose, de... du truc, etc. quoi. Alors que je pense que déjà, ce qui est vrai dans l'article, c'est que Mélenchon est banalement... un peu pro-prof, de manière un peu, voilà. Mais en vrai, il a compris ce que je voulais dire aussi, quoi, dans la discussion. Bah, l'échange, il est gaulerie pour ça. Moi, je trouve que c'est le côté prof où il nous a un peu tapé dessus. Un peu rigolo. Non, mais après, se servir de ça pour parler de ce sujet sérieux, par contre, bon clickbait. J'apprécie le clickbait. Grâce découvre qu'il n'y a pas que sur YouTube qu'il y a des putains à clic. Ah ouais, tu défends frustration, Iliès. Ah, mais Iliès qui défend les journalistes, maintenant. Ah ouais, ah t'es ouais. Pour les journalistes, toi. Après, ouais, ah ouais. Toi qui me check pas. Moi, de toute façon... Tu me serres pas la main comme si j'étais son ami. Je suis pas son pote. Oh moi, les journalistes, c'est bon. Un peu gêné, un peu prouveur. Moi, je vais code tweeter à Bouaf. Parce qu'il dénonce les fake news, mais moi, je connais. Il en a fait à Tolbiac. J'ai envie de le tweeter, mais c'est un peu se marre. Mais bref, ouais. Ah, comment j'ai reveal. Bah, toi qui as dit ça dans la couve. On est un peu tous les deux d'accord. Tu vas pas en être fier en plus, mais moi je suis heureux parce qu'on a un article où Raz a été tokenisé. C'est bien. Et ça fait le du cancre. Bien. Non mais en vrai l'article, il s'est servi du dièse pour parler mais un oui, peu de la critique de l'école. Il y a des trucs de basés oui. dans l'article, tu vois. C'est genre. Je vous l'envoie l'article si vous voulez le lire, on va pas le lire. C'est ici. Ça, c'est ça. Non mais c'est très bien. Mais c'est rigolo en vrai. Après un peu frustré quoi, d'un article de prof chiant à lire pour dire que les profs sont chiants quoi. Globalement, j'ai tout trouvé chiant, quoi. Bah oui, surtout au final, c'était bien quand ça parlait de philo et de Camus. Et le moment où ils ont rigolé sur leur tatouage. Tu sais, c'est le même avis que les Gaulmont, là, sur Twitter, là, sur TikTok. Mais surtout, que, c'était... Mais surtout bah, oui. Que c'est trop marrant quand le vieux, il est un peu comme ça. En mode bah, un peu justement, jugeant. En fait, la manière de bien jouer le truc, il va pas faire le mec, c'est genre anti ça. C'est, il incarne ça. Donc, ouais. Bien sûr qu'il fait le prof. C'est ça qui est drôle dans la séquence, c'est qu'il le surjoue, quoi. Moi, je trouve que c'est une séquence rigolote, en vrai. Bah oui. Mais après, oui, voilà, on est toujours obligé de le défendre. On a un problème. Hein. Oui. On dirait TF1. Après, je vais pas défendre Frustration Magazine, donc yeah. Frère, je me respecte. Bon, allez. Moi, je propose qu'on y aille dans le bonheur direct. Ah oui. On a fait le tour, de façon. Ah, ça y est, ça juste... y est. Ah oui, les derniers détails. Attends, je dis juste les derniers détails. C'est du coup demain, 14h, rassemblement Paname. Et je pense qu'il y en a partout ailleurs. Les cagnottes, vous les trouvez sur Twitter, les gens. Il y en a partout, si vous voulez les soutenir. Voilà. Et après, bah voilà, je crois qu'on a refait le... T'en as marre ? Non, pardon. Allez, on est là, regardez ce beau gosse, on rappelle Sohan. Enfin, incroyable, qui nous a merci. Fait quoi ? Un montage sur YouTube de tous les clips qu'on n'a pas vus. Comme ça, nous, on est heureux. Et il y a la suite, là. Le chat est heureux. Oh, trop bien. Incroyable. Oh là là, oh. Tout est timecodisé. Okay. Attends, il faut qu'on ouvre la tier list, renvoyez le lien. Tier Maker. Oh. Attends. Le lien tier maker les gens là-bas qu'on a en fait on est dans la merde. On a oublié. J'ai oublié le lien. Oh, attends, j'avais fait un screen de notre truc donc j'ai notre élection. Ah merci. Ah attendez, je la refais. Non. Si mais je la refais, j'ai le screen. T'as le screen ? Oui, ça j'y ai pensé, t'inquiète. Okay, alors, okay, Adoro okay. Bello, là on avait mis Nazi. Nazi. Nazi, ouais. Là il y a les et, nazis. Et je t'avais envoyé par MP un screen. Car je suis... Voilà. Tu vois que je suis quelqu'un de bien quand même dans la vie. Basé. Alors, attends, je vais mettre ici. Pas sur le chat, mais comme non, ça, pas j'y, sur vois, le chat. J'y vois quelque chose. Occupé. Non. Jamais je les occuperai, frère. C'est hors de question. Hop. Vous avez mis l'Alan en S. Non, on n'a pas mis l'Alan en S. Alors, nazi, j'en vois un déjà, là. Ça nazi. Commence bien. Un autre nazi, un nazi. Le dernier nazi, là, il est où le nazi nation-européen, là. Oui, attends, oui. Lui, je crois, on l'a mis, non ? On l'a pas mis, lui ? Non. Lui, on l'a mis. Oui, on lui, c'est un... Ah oui, lui, c'est un classique. Lui. Ah oui, ah oui lui, PRG. Gros nazi. Gros nazi. Très gros nazi.
Ensuite, il y avait quoi d'autre ? Il y avait les abeilles qui étaient un banger. Ah ouais, les abeilles, les abeilles. Les abeilles, c'est sans pépé et c'est ça, ouais, l'espèce de truc là. Non, c'est pas S, les abeilles. Ah non, c'est, si, si, les c'est. Les abeilles, c'est ça. C'est ça, je me suis trompé. Les abeilles, c'était. Le sans pépé, pépé, là, c'était je sais plus quoi du coup, mais c'était bien. Ouais. C'était un truc de gauchiste bizarre. Oui, on était heureux. Même, ils ont même pas de logo dans la tier list tellement. Oui, c'est ça, j'étais heureux, mais j'ai oublié. Ensuite, il y a ça, le PCF, on l'a mis en B parce qu'on a aimé le frigo de Fabien Roussel. Ouais. Pour information. Le best-of est sur YouTube, si vous ne l'avez pas vu, les gens, vous irez regarder direct après ce live. Luxman, lutte ouvrière. Hop. C'est Luxman. Parce que c'était un peu Osef Corps. Luxman, il est où ? Pas d'effort. Père, on n'a pas fait. Là. Ça, on a fait. On a dit que c'était catastrophique. Là. Ah ouais, le pote de PDH. Ah ouais, le plus grand allié de le PDH. Le plus grand allié de PDH. Hein. Wow. C'est grave. Ah. Hein. Ça, ouais, et attends, il en reste encore deux. Il y a, il est où le moche? Ah, mais ils sont tous moches, c'est pour ça que j'ai du mal. Oui, ils sont indifférenciables, ils se ressemblent tous. Plus moche, là. Mais en fait, ils sont tous moches. Oui, ça, c'est Macron. C'est un ça. Problème. Luxman, il est où? Luxman, et il nous reste la folle du bus là, la avec sa tête là. Elle, la folle du bus là. Voilà, on en était là alors. Bon, non, il manque un truc en haut. Il manque le fou du bus barbu, avant-dernier. Ah oui, tout voilà. En haut, estière. Oui, c'était le meilleur clip. Voilà, non, pour pas ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir. Non, avec les abeilles, j'ai dit. Voilà. C'est les abeilles. Et il y a le best-of sur YouTube. Voilà, vous irez voir, de toute façon. Voilà. On y est, on est prêt. Désolé, on a un peu galéré à setup parce qu'avec les travaux, là, les gens, c'est le bordel. Mais ça y est, on y est, la on partie est 2. Ah, je suis trop heureux. De ce poulet. Oh là là, les clips de campagne, la suite. Let's go. Ah ouais, putain, il fait chaud ici, par contre, gros, on meurt, hein. Va merci falloir qu'on trouve beaucoup. Le climat, c'est un enfer. Il y a des, tu sais qu'on a genre 5 ventilateurs. On n'a pas un ouvert. Des lampadaires, on des télé. Mais moi, je refuse d'ouvrir, moi. Je refuse. Non, mais on va demander à des gens. Ouais. Non, mais je veux bien. Il faut que les gens ils m'aident. À chaque fois, je suis en mode, tu m'aides à le faire. Ils sont en mode, oh non, j'ai ça à faire. Ouais. Moi, je suis motivé, Ilyes. Non, regarde, ouais, y a, moi, y a je veux bien. Là, de disponible. Là. Je veux juste voir ça avec ça. Non, non, mais joue, t'inquiète. T'inquiète, Milan, passe à tout seul, premier degré, Milan, t'as ouf. T'es en audio description. En tout cas, Ilyes, gros, par exemple, Ilyes qui est tout le temps, je veux plus passer au bureau, je suis déter, j'ai envie de faire des trucs. Non, mais il vient une fois tous les deux mois, frère. Genre, il vient et il se plaint de son PC qui marche pas, il fait rien. Ça, comme Wissam, un peu. Gros, c'est la même, frère. Je me demande, c'est quoi leur point commun? Je sais pas. Waouh. C'est la taille. Ah bah non. La calvitie. Ah non. Merde. Dommage. Moi j'aime bien leur truc de drapeau là parce que vu que nous notre chat il est étiré, le drapeau il pue la merde. Attendez, je vais vous faire un screen. Ah oui, vous mettez des drapeaux palestiniens. Tout à l'heure, mais vous essayez de faire un truc stylé, mais je vais vous montrer notre POV. Pof, tu es Dany Eraz et ton chat est insupportable. Regardez, voilà, notre chat. Ah, bah il est bien, votre est bien drapeau, drapeau palestinien. Merde, hein. Ah, il est beau, hein. Il ressemble à rien, là. Ah ouais. Ah, là, il est. Il est classe. Hein. Sympa, hein. Vraiment, il est sympa, c'est cool. Hein. Bon, ça allez, vas-y, c'est parti. La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe. Ouh là là. Putain, mais gros, c'est pas un nom de parti, quoi, gros. On dirait un même de phrase. Gauche. Oui, de fou. Ça, c'est les Républicains. Ah oui, ah oui, ah oui, je le reconnais, ces gens Républicains. C'est le mec qui allait voir Bayard en disant « Oui, le 7 octobre, vous n'avez pas condamné le Hamas. Vous êtes pro-Hamas. » Oui, salut. Non, mais pour moi, il a cette vibe, ce gars. Vous trouvez pas une vibe? Ah, une vibe, ouais. Salut. Ouais. Ça dit quoi, les gars? Mais pour moi, ça, c'est une vibe baba cool que tu fais. Non, mais la version actionnaire. Ça dit quoi? La version Justin, une petite action. On baisse Babylone aujourd'hui, les gars. Ça va, ça a été coté. J'ai ramené mes bâtons du diable. Si tu veux, j'ai mes bolas. Ça te fait. x3 en 3 ans. Ah, toi, t'es en mode start-up. Non, tu vois, ouais, accélère. Ah, je l'ai. Genre, j'ai voulu reculer en arrière. Et Pierrick oui. M'avait surtout dit n'investis pas dessus. Mais ça, pourtant, bon, j'ai investi quand même. Bah ouais. Effectivement, il y a le gars là, tu sais, le tire-cab d'Emmanuel Macron. Bah, en fait, ce gars là, je suis allé manger au resto avec lui. Je pense que c'est ça un peu, non? C'est vrai, c'est vrai. Bon, finalement, ça se ressemble. Hein. C'est vrai. La France et l'Europe traversent une crise profonde, mais il n'y a aucune raison de se résigner.
Nous ne voulons plus subir l'inflation et l'appauvrissement de nos pays, la crise migratoire, la montée de l'insécurité. Ah bah tiens, c'est un clip d'extrême droite ou de droite ? Le dérèglement climatique, le retour de la... D'ailleurs, là, il y a un drama chez les Républicains. Ils ont fait un tweet en mode... parce que tu sais, il y a eu un tweet qui a été fait en mode « La France rendait l'argent à l'Algérie, un peu les coups de la colonisation contre l'Algérie ». Il y a eu un truc un peu qui a été fait. Et l'air, ils ont fait un truc en mode « Eh ben non, c'est l'Algérie qui va payer les coûts de l'immigration, OQTF, les meurtres, etc. » Et même des gens au LR, ils sont en mode cringe, un peu genre Xavier Bertrand. Il a tweeté ça. Après, Xavier Bertrand, il est dans des strates clientélistes bizarres. Donc bon, mais oui. Ouais. Bon, très bizarre. C'est la zémorisation. Ouais, de fou. Ça fait depuis Sarkozy qui copie l'extrême droite, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fatalité. Nous avons mené chaque jour le combat au Parlement européen pour sortir de l'excès des normes, des charges et des contraintes, pour soutenir nos agriculteurs. Toujours. Pour reconstruire notre industrie. Les seuls qui votent, c'est les seuls qui sont cités dans les clips de campagne. C'est quoi ce casquette bizarre, là ? Je sais pas, mais je pourrais voir un mec bizarre porter ça. Sous Balenciaga, un peu. Ouais, il y a bien un poteau, Zikos, qui va mettre ça avec des lunettes de vitesse. Hein. Ouais. Pour défendre le nucléaire et faire baisser les prix de l'énergie, maîtriser nos frontières, lutter contre l'islamisme, réaffirmer notre civilisation. Oh, il a aucune conviction. Après, c'est pas le pire clip qu'on ait vu non plus, hein. Je suis désolé non, de le dire. Non, mais il est classique. C'est comme trop classique, c'est ça. Oui, moi, j'ai peur que la fille, ça ressemble à ça. Il y a un iPhone 15. Il y a un monde où la fille, ça ressemble à ce truc. Hein. Pro Max. C'est bon, moi, je suis convaincu. Pour lui. Seul à pouvoir reprendre la main, vous redonner le pouvoir. En envoyant le plus d'élus français au sein de notre famille, la droite européenne, qui devient la première force politique en Europe, vous pouvez obtenir le changement dont nous avons tellement besoin. Je me suis engagé comme professeur. Et avec moi, Céline Imma. C'est un prof ! Waouh ! Les profs ! Les profs ! Il y avait un article pour vous défendre un peu, et là, ça y est, c'est fini. Prof de philo! Bah pourquoi tu me regardes, moi je suis pas prof de philo, frère. Bah qu'est-ce qu'il a? Mais c'est des... Tu sais que les profs de philo, une fois sur deux, c'est des FDP. Hein. Comme tous les profs, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Il y a des métiers où parfois il y a un prof de gauche de temps en temps qui pense plus à fumer entre les cours qu'à réellement faire cours, après, qui est un toi, peu sympa. Gros, je suis en... Gros, je... Regarde. Gros, je sais. Regarde, je suis là, regarde, je me laisse aller. Oh, ah non, en fait. Le travail, tes appuis. Non, non, attends, mais j'ai un problème. Oh, vas-y, vas-y, on dévoile le meuble de Zawa Hebdo. On a fait une collision de meubles. Le meuble de Zawa Hebdo, les gens, il est là. On monte pas plus. Voilà. On a trois énormes meubles pour faire une émission. On a 600 caméras autour. J'ai envie de montrer, gros, tellement. C'est... Les gens, vous savez pas dans quoi on stream en fait. J'ai envie de montrer. On montre tout, allez. Oh le sang, oh, j'adore. Oh les liqueurs. Oh les liqueurs fous. Regardez le Zawalik. Regardez, on est en tout. Regardez ça, il y a des caméras là, avec des écrans de retour. Il y a des trucs sur des structures, il y a des câbles sur des câbles. Et regardez ce qu'on a en face de nous, des bureaux énormes. Couverts de scotch. Couverts de scotch. Tout est en mode travaux. C'est horrible! Oh! Et on t'a pas mis en plein écran. Ah ouais, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Oh non! Bah, c'est vrai qu'il a galéré. Milan! T'inquiète, il a pas réussi, c'est moi qui ai réussi. Oh, c'est du. Ah, il a. Ah, le bâtard! Il nous a mis les couleurs! Quel génie! Oh, l'écran, il est incroyable! Il est encore plus incliné, gros, c'est le seum du sens, l'écran. Vas-y, c'est bon. Ouais, ça, il faut un Perrier là, frère. C'est horrible, je crains. Les gens, vous... L'image est débulée. On n'a rien vu. Oh, quel bonheur! Hop! Ah, pourquoi il n'y a jamais la mise au point? Pourquoi on est des fils de pute comme ça là? Pourquoi notre vie c'est de la merde? Je vais prendre un CM. C'est décidé, je vais prendre un CM. On n'a rien vu, c'est nul. Non, mais c'est bien, c'est nul. C'était bien nul, c'était bien décevant. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est bon, j'ai mon truc pour brancher ma clope. C'est tout ça pour ça. Ah, image de gauche, ouais, je sais pas pourquoi. Bon, ça dit quoi sinon, les gens, à part ça, la vie est belle, on va regarder les clips. T'as mangé quoi à midi?
À midi, j'ai rien mangé. Et ce soir, j'ai mangé des sushis là avec un bout de saumon par-dessus. Des California Royal. Avis Julius. Avis Julius. En fait, j'ai l'impression que SCH ira bien, mais les prods sont chiantes à mourir et chaque interlude me donne envie de me suicider. Du coup, c'est ennuyeux et je décroche instantanément. Et pourtant, il a l'air de bien rapper dessus un peu, hein, genre. Genre, au niveau perf rap, ça a l'air cool, tu vois. Mais voilà, quoi. Quelques instrus incroyables. Ouais, je sais pas. J'ai pas été... voilà, quoi. J'ai pas été convaincu. Il te branlait quoi chez vous, le gars de Metatech? Je sais pas ce que c'est, Metatech. LCH, c'est un clone. Ouais, je sais pas. Hein. Il est trop fort, mais prod pas à son niveau. Ouais, et puis la DA m'ennuie, en fait, genre... Piano, violon sur de la trappe un peu convenue, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est bon, hein. C'est insupportable. Hein. Le t-shirt dans ta story. Ah bah, c'est Max de Trust the Process qui fait nos visuels avec nous. Et le t-shirt qu'il a, c'est des potes à lui qui les font. Voilà. C'est tout ce que je sais. Voilà. Ah, bon, sinon... Raz, il m'a dit qu'il adorait SCH ce matin. Mais frère, mais lis les messages. Il adore la VF. Je pense que c'est les moments interludes en VF. Ah ouais, les interludes, c'est ce que je préfère de fou. Tu sais que premier... Non, mais attends, tu sais que premier Doug, sans les interludes, je pense que rien, j'aurais... T'es trop proche. Tu... Le fais ta mère. Regarde-moi comme je suis un vrai ami. Merci. Mais en tout cas, premier degré. Merci. Le gars a deux états émotionnels. Hein. Premier degré, s'il n'y avait pas les interludes, j'aurais plus écouté l'album, je pense. Vraiment. Ça m'aurait moins vite cassé les couilles. Là, la deuxième interlude, j'ai drop. J'en pouvais plus. Le Z a l'air pas trop mal aussi. J'ai pas trop écouté. J'ai juste entendu un morceau. Le morceau avec Nekfeu, là. Pas trop mal. Il y a un feat avec Nekfeu ? Il est pas mal. Il chantonne Nekfeu. Mais attends, Nekfeu, c'est un feat qu'ils ont enregistré il y a 4 ans ou Nekfeu, il a accepté de faire un feat ? Je sais pas, je comprends rien, ce gars. Lui aussi, il a besoin d'un CM, je crois. Ouais, c'est sûr qu'il a un CM, Nekfeu. Hein. Son CM, c'est je vais plus sur le réseau. Christophe Gomard, ancien patron des forces spéciales. Ça date, ouais, c'est ça, ça date. Il représente, ouais, toutes les forces de la France. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons une Europe de la liberté et non des contraintes et des charges. Oui, une bon, Europe de la on s'emmerde, la droite, quoi. Retrouvée, non du décrochage économique. Une Europe qui assume ses frontières, qui transmette notre nature par une écologie des résultats. Oh, je la bouffe, la petite chèvre, là. Et qui transmet vraiment la copie de soit Macron, soit Bardella, quoi. En genre, fait, les c'est ça. De droite non, mais moyen. Il y a un dog whistle macroniste, un dog whistle d'extrême droite une fois sur deux. Ouais, et ils naviguent entre les deux positions. Du coup, ils sont nuls à chier, ils sont finito. De fou, de fou. Mais ils ont quand même assez d'électeurs encore, ces bâtards. Bah, pas tant que ça, là. Je crois que gros, je crois qu'ils sont dans la terreur de pas passer les 5%. Oh, let's go, qui passe pas. Ils sont un peu comme LV, ils sont dans cette sauce un peu. Nous sommes les seuls à pouvoir travailler pour obtenir le changement de cap en Europe dont la France a tellement besoin. Oh oui! Pour retrouver la maîtrise de son destin. Oh, c'est pas avec toi! Non, c'est C en vrai, c'est mérite. C'est maintenant. Bah, c'est comme les autres. C'est du normissé, inintéressant, on s'ennuyeux. C'est mal fait exactement, ouais, comme Bardella. Mal fait et nul, ennuyeux, c'est ça, c'est C-Corps. Alors. Trop scolaire. Gros, il était pas mal, hein? Il avait Goudry. Attends, il est où avec sa tête de quoi? Il est là. Oh, la tête. À tête de con. Oh, regarde-les, ils vont bien ensemble. Ouais. L'alliance. Oh, l'alliance. Oh, t'as raison, le modem et lui, ils ont le même fond, frère, regarde. Oui, oui, mais c'est pareil. Wow. C'est les mêmes. Glucksmann avec sa tête d'ahuri. Glucksmann, il a vraiment une tête d'ahuri de fou, c'est grave. Chaque fois que je vois Rima, ça me rend un peu heureux. Ah ouais. Vous arrivez pas à faire le drapeau, les gens, désolé, hein. Glucksmann. Oula, 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 anti-vax, 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 100% c'est de l'anti-vax, j'en suis sûr. Attention. Oh, wow, 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 wow. Ah, voilà, de l'opening shot, c'est ça que j'attendais. Ah ouais, là on a un niveau là, de pom, plaisir. Tu es Link dans The Legend of Zelda 1. Tu rentres dans la première grotte. Ah si. Ah, tout le monde a cette rêve sauf toi là. Là t'as un fils de pute. Link, tout le monde a la rêve. To the past. Est-ce que c'est là où tu glisses avec l'épée? Tu fais. Non, c'est. Non, c'est. Oui, non, mais ça, c'est à Link to the Past. Je te parle du premier The Legend of Zelda.
Le tout premier sur NES. J'ai jamais premier. Joué à cette merde. Quand tu rentres dans la grotte et qu'il dit ah, ah oui, chalala. C'est ça. Ça c'est les lignes CDI. Et tu confonds. Bon, vas-y, bref. C'est bon, ceux qui ont la ref, allez. Ok. En tout cas, cette épée. Ce mec est anti-vax et il est en train de pourrir sur place. Regarde, il est en train de crever, gros, le gars. C'est... Mais lui, il me donne une quête dans un jeu vidéo, normalement. Ah ouais, tu mais vois. La quête, je veux pas la faire, quoi. Oui, t'as en... oh, encore random. Ah ouais, PNG, The Witcher. Mal fait. Ah ouais. Avec nous, dans toute notre diversité. Diversité hein de toutes nos couleurs. Hein nous gagnerons encore, comme nous l'avons fait en 1998. Attends. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon. Mayotte. Ah bah, ainsi que la Canard. C'est qui ces gens? Ça a l'air basé bizarre. C'est des antiracistes et on a été horribles. France, c'est qui? Nous-mêmes, nous gagnerons quand nous savons le faire. Nous, pour une humanité souveraine. Une liste qui nous ressemble. Attendez, une attendez, qui... c'est qui? On a été méchants avec des gentils ou pas? Non, mais c'est là, mais c'est l'humour des clips de campagne. Non mais attends parce que c'est pas parce que c'est les Outre-mer qui sont pas après anti-vax. Moi j'ai été gentil, j'ai dit The Legend of Zelda, c'est stylé, c'est toi qui as été méchant. Ah anti-vax. Moi je vois humanité souveraine, pour moi dans ma tête, tu sais ce que c'était le je ne contracte pas. Je te jure que j'ai cru que oui, c'était je m'attendais ça. Bah le titre c'est aussi citoyen souverain. Bah moi, oui, souverain, c'est pas que j'aime pas la souveraineté. Pour c'est moi c'était vraiment ça. Quand il y a écrit souverain, voilà, je me méfie. T'as dit c'est squalala pour une Europe squalala. Oh non! Squalala! Wow. Raz, il voit des antivax partout. Après, c'est vrai que je suis traumatisé, les gens. Depuis que je me suis rendu compte que la moitié de mon entourage est antivax, je suis traumatisé. Gros, on est entouré d'antivax. Oui, ouais. Les gens, vraiment, c'est je dingue. Vous jure que c'est un vrai bail et on les découvre, ils sortent du bois au fur et à mesure. Ça va là quand même. Ah, tu peux pas caler les enfants. Non, les enfants avec les masques, les enfants vaccinés, c'est pas bien. Qui nous rassemble, une liste qui nous apprend à mieux vivre ensemble, la paix dans ce monde pour toutes les nations. Voter pour une humanité. Leur nom souveraine. Est éclaté, ça y est, je le dis. Non, mais ça donne pas envie. Non, hein. Mais désolé. Encore un bulletin que j'ai devoir imprimer, donc je le ferai jamais. Hein. Il y a un nouveau Covid, personne n'en parle. Oui, c'était ça la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Une nouvelle épidémie secrète et cachée. Et Wissam, t'es malade, par vite les fait. Puissants. En mode... Ça peut être vrai, je suis convaincu. De fou. Mais en tout cas, je suis désolé, humanité souveraine, le nom est éclaté. Ah ouais. Pour moi, vous ne contractez pas. Oh putain, ça va être qui là dans la liste là? Ah bah il est là. Oh ouais. Squala. En vrai la DA. Non D on a... frère. Non D, non D. On n'avait même pas compris de quoi ça parlait. Oui c'est ça. Leur donc, DA pas va D. pas avec leurs idées. C'est avec eux. Non. Ouais, après c'était après trop... moi. Ah c'est par fétichisme que tu vas mettre tout à l'heure. C'est quand même les dames top. Bah c'est les dames top. Non mais je suis antiraciste. C'est pas ils donnent pas. J'ai dit Kanaki. Ils donnent pas envie mais c'est moins pire que les autres. On comprenait même pas une idée. Gros t'as compris une idée à eux? Bah, j'ai entendu Kanaki, je me suis dit, bon, au moins, ils disent Kanaki, quoi. Ouais. Ça allait, bah ouais. Donc, il y a au moins une idée, quoi. Il y a une idée que je comprends. Mais bon, après, ouais, voilà ça vaut pas ce qui est quand même au-dessus, là. Bon, vas-y, ça va en D1, hein, désolé. Hein. On a rien compris, frère. Désolé, on voit pas. Désolé, mais par surtout contre, je le mets en haut. Degré, c'est le premier du D1. Hein. On voit pas leurs idées dans le truc. C'est ça le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'ils veulent. Bah ouais, après, ils ont eu 10 secondes, contrairement aux 250 fois où ils ont passé. Oui, le RN, c'est vrai. Le prochain. Oh là là. Nous, le peuple. Le peuple. Attends, Bélec. Attends. Oh. C'est toi, ça? Non, attends. Ça, c'est du populisme à la race, ça. Attends de voir qui c'est d'abord. Mes play. Ouais, je sens, on va voir un dieu d'honneur. Attends arrivé, le peuple pour le choix. C'est la liste qui ira loin. Avec Jean. Déjà, le peuple. Il y a le bip, tu vois. Et après, il y a la révélation de l'artiste. Là, moi, j'ai besoin de pull-up. Là, on se remet. Allez, on s'en jaille. Ah, je suis trop heureux. Le peuple pour le choix, c'est la liste qui ira loin. Avec Georges Renard, Kosmanovic, on va se battre pour imposer le RIC. Pour la paix, la réindustrialisation, pour la fin des lobbies, de la corruption, pour les frontières, la vraie écologie, pour la justice sociale et la patrie. Ouais. Non à Bruxelles, oui à la France, pour tout reconstruire. Ouais, non à Bruxelles, on pèse Bruxelles.
jusqu'à Strasbourg, nous aussi on ira. Ah non, on va pas à Strasbourg, par contre. Contre les islamistes. Attends, 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 quoi? Quoi? Attendez, ça a bugué là. Wow. Attends. Même les racistes, ils osaient pas dire ça comme ça là. Oula, oula, oula. Oula. Adeline Guibert. Ah, ok. Okay. L'ancien parachutiste a de... D'accord, il est t'es parachutiste. Oh, le député. Ok. Philippe Grégoire. Ah, c'est lui. Nous, le peuple des Français de partout. Nous, le peuple des citoyens comme vous. Des enseignants, des cadres, des pros. Et même un prince de banque et corvaux. Comprends la critique de Padurine et de position revue sur le mot peuple là, d'un coup. Non, c'est nous le peuple. C'est pas eux le peuple. Ouais, à la France. Ouais, saisis ta chance. On vous baise Bruxelles. Paris baise Bruxelles tous les jours. Nous le peuple. Ouais, bon. C'est pas mal, il y a une tentative. C'est incroyable, Estier, frère. Paix. Ah, le justice, paix, paix. Le 9 juin, vous pouvez imprimer votre propre bulletin sur le site nouslepeuple.fr. Ne vous faites pas voler votre voix. Nous le peuple. Oh, wow, le peuple. Wow. Frère, je suis désolé. Bah, par contre, c'est un des la meilleurs qu'on a vu. La chanson Sousia, c'était l'un des plus grands bangers. C'était Muris Bomba. Ça pourrait, mais... Non, bah oui, pour aller en Asie, mais frère, c'est... En A ou en S? S. Direct S. C'était le meilleur de tous. Ah ouais, là, les gens, là, désolé, mais là, ça innove. Là, il y a de la proposition artistique, esthétique. Le problème, c'est que c'est des racistes, c'est ça qui m'énerve. Il y a un beat. Ouais, mais c'est le problème de la catégorie nazie, mais en même temps, on est un peu obligé de la catégorie nazie, là. Si on fait nazie, on fait SS en haut. Comme ça, il y a les nazis bien et les nazis pas bien. C'est la pire. C'est bizarre, attends, ce que j'ai dit là. Attends, surtout pas. Non, puis surtout, on va vouloir remettre encore, tu sais quoi, ouais, en SS. Non, là, non, pas envie. C'est très. Non. Dérapage, petite erreur de com. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec l'idée. Hein. Non, petite erreur de com. On va prendre un CM pour régler ça, je pense. Ça risque de mal se passer. Il nous faudrait un CM, en fait. Mais... Ouais, il nous faut un CM. Mais c'est pour s'occuper de redire ce qu'on dit en live, mais sur Twitter, on peut créer un autre compte. Oh putain! Oh, genre, tu tweets, en plus, les gens vont prendre premier degré, chaque chose. Ah ouais, ce sera incroyable. Juste, vas-y, la thèse, tweet un truc en mode: ouais, c'est sûr le truc là, à la TF1, c'est complotiste, j'en suis persuadé. Ouais, ouais. Juste ça et on voit déjà ce qui se passe. Pardon, désolé. Frère, attends, on va vraiment le mettre en S, Kuzmanovic? Ça me fait mal, c'est vraiment un raciste, frère. C'est... En fait... Bah on fait la catégorie SS, alors, c'est parti. Bah, en vrai... On met la lane avec. Au final, moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Écoute, les nazis, il y a le bon nazi et il y a le mauvais clip de nazi. Non, ça va, vous? On la met non, pas sur gros, Twitter, le la problème, tier list déjà. Le problème, c'est que la tier list hors contexte, personne va la comprendre, frère. Bah, tu vois en SS de racistes et tu vois en Asie des racistes. Ouais, mais est-ce que les gens vont comprendre que SS, c'est pour SS et pas pour double S? Tu vois, se dire genre, ouais, vraiment trop bien, c'est trop bien, j'adore Kuzmanovic et Francis Lalanne. Oui, voilà, voilà, voilà. Là, c'est bien, là, c'est bien, là, ça me va, là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parfait, là, c'est parfait. Ok, c'est carré, c'est carré. Mais là, c'est bien, là. Non, c'est bon, là, on comprend ce qu'on veut faire, là. On comprend ce qu'on essaye de dire, je pense, là. C'est ça qui est dur dans l'art, c'est de se faire comprendre. Oui, putain, j'en fou. Peux plus. Ah, j'en peux plus. On garde que Rima et je te mets là. Voilà, c'est bon. Hein. Ouais, on n'a pas de contenu pour ce soir, en fait, ça me rend heureux, en fait. Bah, on a ça, là. Non, mais en tout cas, oui. Allez, la chanson était faire. Incroyable, je suis désolé, il faut le dire. Parti pirate. Oula, c'est mes amis, ça. Bonjour.
Oh, ils se sont fait hacker. Après, là, je vois. Votre télé a été piratée. Première chose que je vois, là, je me dis, je suis dans un mauvais trailer d'un mauvais Ubisoft encore. Ouais, de fou. Et surtout, il y a Watch Dogs 4. On est d'accord qu'il l'esthétique est. L'esthétique est à chier. On est d'accord qu'il est sous-ex, le gars, là. Nous interrompons votre programme. Ah non. Non, il y a eu un petit. Parce que tu vois, c'est les robots, tu vois. C'est gros, le numérique. Attends, ça a fait. Il a vraiment fait crari, pirater la télé, regarde. Non. C'est les marioles IRL. Ah. Oh, il y a un bug à la télé. Oh. Bonjour, nous interrompons votre programme. Il a interrompu ma télé. Moi, c'est le bzzz de la lumière pour dire, t'as vu, c'est technique quand même. Nous interrompons votre programme. Pour vous parler du parti pirate. Notre devise, liberté, démocratie, partage. Échangeons librement les connaissances le et la culture. Résistons à la... J'irai la différence entre un montage de l'État et de mon ami Joe. Je suis d'accord. Au début, je m'attendais à... Oui, déjà. Je m'attendais à un truc un peu geek nul. Et en fait, ils ont drop direct. Ils ont juste fait l'intro. En mode, pirate, la lumière s'allume. Et après, c'est un clip normal. Tu comprends un truc, toi, à l'image là ? Je comprends rien, frère. Surveillance et à la censure. Ubisoft, il y a des logos de quête. Ah tu les comprends pas. C'est une pub pour un laser game, oui. Programme complet. Ah, c'est le LGBT, basé. On va voter pour basé, rang S. Il y a un drapeau LGBT. Après, basé, parti pirate. Oui, basé. Nos libertés se réduisent. C'est Watch Dogs 6 de mes couilles. Gros, va y avoir un mec qui tape très vite sur un clavier à un moment. Je suis hacker. Il y a Jean-Baptiste Chaud qui va me dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Je vais être déçu encore. Je suis hacker. Je tape très vite sur un clavier. Il y a des trucs écrits envers mon écran. Quoi ? C'est le Watch Dogs à Londres, là. Jean-Baptiste Chaud. Ah oui, il est éclaté. C'est le plus grand jeu de tous les temps. Moi, je me suis dit, ah bah cool, trop bien. Trop bien, Watch Dogs. Ils en ont enfin réussi un. Putain, je me suis fait baiser. Trop nul. Alors qu'il y a des Watch Dogs bien. Faut pas croire les influenceurs. Ah ouais. Et nous nous sommes donnés pour mission de protéger les droits fondamentaux. C'est le respect de nos libertés qui fait de notre société une société démocratique. Le Parti Pirate a déjà des députés, des eurodéputés, des ministres dans plusieurs pays d'Europe. En France, nous sommes une dizaine d'élus. Caroline Zorn, on dirait un nom du cinquième élément un peu. Ça va devenir Capitaine Zorn dans la grande bataille. Ah ouais, Captain Zorn. Hein. Strasbourg, Marseille, Besançon et dans nos régions. Nous défendons une démocratie radicale, la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption. Et ces principes, nous les appliquons aussi à nous-mêmes. Toute la vie de notre parti, ses débats, ses travaux sont entièrement accessibles au public. Aujourd'hui, le parti pirate français veut entrer au Parlement. T'as vu, derrière, ils ont un peu mis crari une caisse de ravitaillement de Call of, tu sais, un peu viteuf. Mais je te dis, c'est la DA d'un truc Watch Dogs. Genre pareil, oui, de fou, avec les néons dans les trucs, en mode, oui, c'est notre hangar de piratage. Après, tu sens qu'il y a au moins quelqu'un qui s'est utilisé un PC chez eux, parce que regarde, ils ont mis un effet de halo, le fond vert est à peu près... Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas énorme. Ils ont un Milan qui a fait le bail. Milan de ça, frère. Européens. Nous allons défendre nos libertés, travailler à rebâtir une démocratie directe dans l'Union. Nous voulons une politique fondée sur l'écologie rationnelle, le respect des personnes et de leurs choix, la culture du partage et de l'innovation. En fait, il y a un truc, mais pour moi, fallait aller à fond dans le truc jeu vidéo. Ils ont fait des trucs cool à l'époque, nous on avait défendu la députée Reda là. Mais non, mais si, gros, il y a des trucs. Il pourrait se passer des choses cool au niveau du droit d'auteur, des droits d'internet. Après, ça, c'est ton côté libertin. J'utilise Ubuntu. Mais frère, mais toi, tu veux Internet ? Tu veux qu'il y ait juste Facebook, Twitter, TikTok ? Firefox me propose 7000 euros. C'est trop, c'est pas assez libre. C'est les seuls sites sur lesquels tu vas, frère. Cochon. Ah non, ça, non. 9 juin. T'as dit port, frère. Partagez notre vision. Votez pirate. Nous n'avons pas la possibilité de payer pour avoir des bulletins dans tous les bureaux de vote de France. Oh, les losers à chaque fois! Oh, l'imprimante 3D. Alors, on vous demande de télécharger sur bulletinpirate.org votre bulletin, de l'imprimer. Je vais l'imprimer en 3D. Et de vous en munir au moment de voter dans votre bureau de vote. Tu as vu, j'ai fait la mascotte. J'ai fait la mascotte de Linux en 3D avec mon imprimante 3D que j'ai achetée. Je suis libriste. Et ce n'est pas C'est un manchot! Attends, mais gros, on est d'accord qu'ils avaient une imprimante, qu'ils auraient pu filmer un papier qui s'imprime plutôt que se faire chier à le faire en 3D de manière moche, non? Oui. Et ils ont pas dit 80 grammes comme l'autre là. C'est que tout le monde moi, je suis heureux. Je me dis, c'est bien ça. Ah, ils ont mis un QR code, frère. Ah ouais. Ouais, bon, bah. Ouais, bon. Passe, non, ça va un peu plus d'idées. Non, quand même, ça, c'est du B, frère. Hein. Ça va avec Roussel. Non, moi, non, c'était beaucoup plus imaginatif. Roussel, c'était mieux? Ouais, PRG aussi, est-ce t'as raison. Est-ce que ça mérite ? Pour moi, c'est entre C et B, en fait. Ça veut dire que peut-être je trouve que mieux ça, que les c'est C. Peut-être que c'est A aussi, au final. Hein. Ouais, peut-être que ça, c'est... Non, je suis d'accord, en fait.
Ça, c'est le nomenclature B, C, E, et les deux autres, tu les mets en A. Oui, 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 tous ça, les plus jours. Que c'est, on s'en fout. Oui, oui, non, là, je suis très d'accord. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On c'est est bien. D'accord. C'est très bien, c'est très bien. Parce que ça, c'était quand même pas mal. Hein. Oui, oui, c'était bien. Quand c'était on voit bien. Le niveau des clips, on commence oui, à en fou, avoir vu. On vous a dit, un jury, c'est aussi à force de voir ce que les autres réalisateurs, les autres metteurs en scène ont proposé. Ouais. C'est là qu'on peut commencer à, voilà, à jauger aussi par rapport aux autres. C'est ça. Le clip PCF, puer sa mère, vous êtes fous. Il y a Roussel filmé. Roussel, en mode YouTubeur. Oui, qui ouvre son frigo, ah, filmé qui à partir du frigo. Non, les gens, c'était trop juste, banger. Il aurait pu être estière, mais malheureusement... Ils auraient fait tout dans le frigo, c'était estière instant. J'ai juré que c'était estière instant. Alliance rurale. Oula. Oula. Mais chers de Dead Cells, ça. Oh, c'est ah, là oui. Oh le rap s'est perdu. Attends. Oh, le son des cavernes. Il a fait le son du il enregistre de sa grotte. Moi, je suis ultra heureux. Elle ne nous protège plus. Contre rien. Écrasé par une mondialisation déshumanisée, par une financiarisation implacable, nos villages et nos territoires se meurent. La ah oui, il y en a à faire là-bas, oui, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, moi, je meurs dans les villages français. Hein. Où oh, sont... wow, les écoles du passé, ah, gros, frère. Oh l'enfer. Tain, j'avais oublié qu'à la campagne, vous étiez encore comme ça. Vous savez que nous, à Paris, tout est sous MacBook. Ouais, les élèves, vous savez les qu'ils élèves ont... sont sous y a... iPad Pro. Y a des... Vous savez qu'il y a des ordinateurs à l'école à Paris. On a Internet. En province. Et est-ce que vous êtes encore avec le porte-plume et tout et l'encre ? Oh, monsieur, j'ai mon bavoir. Gros, ils se sont tapés sur les doigts bavard, avec la règle. Mon bavoir. Oui, de fou. Hein. Vous vous faites molester. Hein. Je dois changer mon pot de chambre. À la française. L'Europe. Et ces normes détruisent tout. Après, c'est du Shutterstock, frère. Moi, ça me convainc pas. Oui, oui. C'est trop Shutterstock, désolé. Nos modes de vie. Nos modes de vie. Oh, le frometon brossé, là. Voilà, ça y est, là, t'as eu. Et même, un peu joie intérieure. Oh. Oula. Oh. Oula, il va toucher le cul d'une meuf à tout moment. Attention. Attention. Non, mais je pense, là, il faut pas que tu ramènes ta belle-fille, là. Lui, il doit être dur à sonoriser. Pour donner la résistance. Elle la portera aussi à Bruxelles. Il a cumulé combien de mandats bien payés, lui, quand même, avec son arnaque, là. Ça fait 50 ans qu'il est élu. À toucher des culs et à boire du pinard, là. Ah ouais. C'est un malin, hein. Pour que renaisse, enfin, ce formidable sentiment. J'arrive pas à l'écouter, par contre. Oh, la poule, là. Et avec elle, la voix est pas bien reprise mixée. En main de notre destin. Ouais. Oula, attention. Oula, là. Oula, oula. Trop jeune oula, et trop oula, dans ses bras. Oui, ou... attention. C'est formidable. Oh, le moulin. Ce plan là est un peu stylé. Ouais, mais. Par contre, c'est l'effet. C'est trop Shutterstock, frère. L'effet de lumière. Oui, puis. Le... Moi, désolé. En fait, j'aurais pu défendre la salle. Pour moi, c'est C. Mais... Oh, C ! Bah, ça va avec les autres, gros. C'est pas... Pour toi, c'est D ? Non, pour gros, moi, D, c'est rappelle-toi. D, regarde D, ce qu'il y a en D. D, c'est D, frère. Ah je ouais. Je jure que c'est D, ça. Moi, on comprend l'idée. Fais voter le chat. On comprend l'idée. C'est son scam. Fais voter le chat. Oh, putain. Bah, celui-là, je... C'est D. Voilà, allez, oui. Hein. Allez, vous votez, c'est rapide. C'est ou D, les gens ? C ou D, vous votez, que seuls les votes en haut sont pris en compte. Oui. Ils veulent C. Oh, mais gros, c'est des suceurs de la salle, mais vous êtes malaisant. Oh, wow, non, on dirait vous Pierre Carl, là, vous avez fait la un salle film comme dessus, ça. Là. Ah ouais, c'est vrai qu'il a fait un film dessus. Pour les défendre. C'est fini les médias, on peut rien faire. Et il va faire un film sur. Ah ouais, sur Jean Lassalle. Qui... Ah oui, un fermier à l'Elysée. Ah, trop marrant. Ah ouais. Vas-y. Bon, bah, c'est C, bien, hein, vous avez c'est décidé. C'est vas-y, vas-y. Bah, après, gros, ça se resserre, regarde. Oui, oui, c'est vrai. Vas-y, on verra après. On verra, on refera un dernier check. Oula. Nous sommes tous concernés par l'évolution de notre... C'était pourquoi elle a débarqué comme as? C'était goofy de fou. Le plan où elle est pas là au début. Ils ont, tu sais, je vois trop le... Attends, on va faire un plan. Tu vois. Très un petit travelling avant et... Nous sommes tous concernés par l'évolution de notre... Ah, c'était France. Goofy de fou. Comme nous le savons tous, les partis politiques... ne servent pas nos intérêts. Je suis Aura et je suis salarié. Ça tombe bien, nous ne sommes pas des politiciens. Antivax. Je suis Jean-Marc. Docteur vétérinaire. Oh, docteur vétérinaire. Comme vous et nos colistiers, nous sommes des électeurs connectés à la vie réelle.
Nous nous sommes engagés. Après, vétérinaire. Moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est que ça veut dire qu'ils étaient tous les uns derrière les autres et ils se sont mis à courir un petit peu en mode oh, je dois sortir de l'image. Combien ils ont dû la refaire, la prise? Ah ouais. Moi, je veux le best-of humour de ça. Et ça, c'est des anti-vax, les gens, on est d'accord. Ria Blanche Elda, mais qu'est-ce que. Quoi? Ria Blanche Elda. Attends, je veux voir ce qu'ils ont. Waouh, franchement. Ah, là, je l'ai pas, les gens. Hein. Franchement. Juste la revoir courir pour sortir de l'écran. Les politiques ne servent pas nos intérêts. Regarde. Je suis Aura et je suis salarié. Bien, nous ne sommes pas des politiciens. Je suis Jean-Marc, docteur. Je suis Goron. Hop. Comme vous et nos colistiers, nous sommes des électeurs connectés à la vie réelle. Nous nous sommes engagés Géroudeau. Sans parti politique ni association de financement. Et nous sommes déterminés à régler nos problèmes grâce à l'intelligence collective. Je suis Yves et entrepreneur. Ouais, mais c'est pas le peuple, un vétérinaire, un entrepreneur. Ouais, une prof. Je sais pas si elle était prof. Ouais, mais c'est Zora, gros. Ouais, le logo. Tiens, on n'a pas leurs idées. Mais pareil, mais désolé. Nous avons choisi de faire une campagne sans argent, ils ont dit. On est d'accord. Ils n'ont pas choisi de la faire sans argent, la campagne. Ils n'ont juste pas d'argent. Hein. Ils n'ont pas pu faire de campagne. Voilà, personne ne veut donner de fric à ces gens. Nous n'avons pas pu faire de campagne. Mais on est d'accord qu'on ne sait toujours pas leurs idées à eux non plus. Oh, le comics sans MS, j'avais pas vu. Ah ouais. Ah ouais. Pour une autre, je vote. Faire une campagne sans argent, au lieu d'utiliser plus de 10 millions d'euros comme le font les partis politiques. Ah ouais, c'est. Elle va recourir ou pas? Attends. Nous préférons utiliser cet argent pour financer nos services publics auxquels nous sommes tant attachés. Il faut être élu pour ils ça. Ils sont pro-service public déjà. Il faut être élu par contre, du coup, c'est con. Ouais, ouais. Dès à présent. Oui, elle a couru. Sur notre site, notre projet. Lisez notre charte d'engagement. Elle est un véritable pacte de confiance avec les électeurs. Grâce à la commission éthique à laquelle vous pourrez participer, devenez acteur de notre projet. Vous êtes chacun spécialiste. Le fait qu'il ait mis le stéthoscope là. Regarde avec les petits chiens. Docteur Fortané avec. Ah oui, c'est son esthétique. Il a quand même fait sa pub dans le clip de campagne. Les élections ne sont-elles pas le meilleur moyen de changer les choses? Hop. Oh, comment il court. Oh, j'adore, c'est exceptionnel. Pour cela, libérons notre créativité. Moi, j'aime bien ça. Et pour moi, c'est basé. C'est au-dessus de ces séquences, frère. Plus grand nombre, c'est notre B, projet. Franchement, gros, c'est du Kubrick. Et collons nos affiches. Nous, on aurait du mal à faire ça. On serait Pichet incapable de faire sur ça le panneau aussi bien. Oh, c'est bon, c'est du génie. Chez nous, là. Désolé, c'est de du nos génie. Communes. Et enfin, imprimons nos bulletins de vote. Oh la calvasse. Pour les distribuer à nos entourages. Notre avenir et celui de nos enfants ne dépendra que de notre action. Moi, j'aime bien, elle est à fond dedans. Ouais, elle y croit. Et lui, avec son truc, ça, autour de son cou, là, qu'est-ce qu'il a l'air con. Nous tous, le 9 juin 2024, votons et faisons voter. Stylé le plan final. Pour une autre Europe. Pour une... Je t'en supplie. Pas dit... Ils ont voulu le dire ensemble, ils ont pas réussi à le dire ensemble, écoutez. Je t'en supplie, va voir le site après. Juin 2024, votons et faisons voter. Pour une autre Europe. Je t'en supplie, va voir le site. Envoyez le lien du site. Trouvez-nous le site, je veux voir. Je suis sûr qu'ils sont anti-vax. J'en suis persuadé. C'est vrai, on n'a jamais leurs idées. On trouve pas les. Je sais qu'il y a des anti-vax. T'as 15 partis qui arrivent en disant on veut pas faire la même Europe. C'est ça le nom du parti? Ah oui. Et à chaque fois, ils sont là. Oui, vous savez que les politiciens sont corrompus. Je suis vétérinaire et chef d'entreprise. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je m'attendais à pire au niveau du site. De propositions phares, moraliser. Comment améliorer le pouvoir d'achat. Pour et la comment... délinquance attends, sans caméra. Pourquoi ils écrivent pour et comment maltraitance, moraliser. Maltraitance. Oula. Oula. L'immigration illégale avec humanisme. Oh, oh. Alors notre collectif oh, le tableau. Notre Europe a été sollicité sur le premier. Et puis eh ben, nous avons les immigrants, donc vous avez les légaux et puis ceux qui viennent illégalement. Alors, attendez. Attendez, les Tim Cook. Ils ne respectent pas nos lois d'entrée sur notre territoire, donc normalement, ils ne devraient prétendre à aucun droit. Et, mais comme nous sommes quand même un pays humaniste, nous allons proposer des solutions dans ce sens. Voilà, mais en aucun moment, il faut oublier ce préambule. Quelqu'un qui ne respecte pas des devoirs n'a théoriquement aucun droit. Alors, que proposent les partis politiques médiatisés? Normalement, ils ont bien travaillé sur le sujet, mais il n'empêche que nous avons toujours les problèmes. Et puis, bah, si on ferme les frontières, c'est bien beau, il n'y aura plus de personne qui passera, mais les matières premières qui viennent chez nous, notamment... Ok, ouais. Ouais, bon, ok, il sait pas quoi les dire. Les voeurs... Quoi. C'est tout. Bon. Il me compare en musique, sans armes, ni haine, ni violence, et boire et aux urnes citoyens. Attends, c'est des musiques, ça? Ah oh. Oh, oui. Oh. 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 Oh, oh, le... oh. Oh, attendez. Oh, le banger. Chut. Taisez-vous. Chut.
Je reconnais, c'est du Gaspard Noé. Stylé l'opening shot. Ah, c'est Fuck le 17. Ah non, pardon. Ah! Fuck le 17! Mort au port! Au revoir, de ce côté, merci, c'est à vous. N'empêche, ça donne plus d'envie que la campagne. Hein. Ouais. Oh! Oh! Bouloulou! Il a mélangé de trop de trucs! J'aime bien l'énergie. Il est off-beat de fou, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est ce que j'adore, moi. Incroyable. Il faut faire... Moi, je sais comment et la rendre bien. Vous attendez PNL alors que ça existe. Les gens, en fait, une version speed plus douce de ça, c'est un banger instant super pop. Faut le mixer, ça. Je fais un bisou, mais pas Rico. Oh! Moi, je kiffe, hein. Mais je crois qu'ils ont essayé de faire un peu du PNL, quand ouais, rien. C'est ça que je kiffe. C'est ça que je kiffe. Des grosses tractions, des grosses pompes. Quoi? Non, ils sont stylés. Non, c'est pas mal. Ils sont stylés. C'est validé. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas... Attends, il y a un autre clip. Mais je veux l'autre. Et les gens, c'était vraiment bien. Pour moi, ça les fait monter, la session, ils sont en berne. Ouais, ouais, ouais. Oula! Oh, le boomer! C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier l'importance de voter. La saturation! C'est vrai qu'aujourd'hui, on a oublié l'importance de voter! Incroyable! On va commencer par prendre les gens aujourd'hui! Et pour s'en rendre compte, il faut... Oh, parler... ouah, le montage boomer Facebook, j'adore! Vision globale de la situation. Voilà, vision, ouvrez vos consciences! Parce qu'il y a trois raisons majeures à cela. Il y a les politiciens, ceux qui ne doutent jamais de rien. Ils sont retouchés par la grâce et donnent ainsi toute cette place. Qui savent se tromper. Mais ils sont forts en fait. Sans pour autant jamais le dire. Moi je kiffe. Car personnel est leur avenir. Ouais, tout sature, ça me rend heureux de fou. C'est... Imagine, tu fais mix, tu mixes ça bien, c'est incroyable. C'est radical. C'est radical. Il y a le c'est radical. Le montage est fait exprès. Le montage est chaud. Le montage est tellement chaud. Ils ont oublié leur sens civique. Oh la top line. Citoyen. Allez aux urnes. Citoyenne. Allez aux urnes. Citoyen. Oh. Ceux qui sont inconditionnels, pour leur meneur sont prêts à tout, comme s'il était leur gourou. Incroyable. Bon, après, on rappelle que les propositions, c'est... Oui, il faut qu'il y ait la loi pour les... Oui. Mais soyons un peu humanistes. Bon, ils n'ont pas l'air de trop savoir ce qu'ils font, c'est mais il y a de l'énergie. Non, franchement, je valide de fou. Bah, franchement, pour moi... Estière, frère. Non, mais pas... Oui, mais c'est pas le clip qui est estière. Ouais, mais... C'est le reste. Clips, on met les clips dans la campagne, pour moi. C'est eux ou pas? Attends, c'est pour notre Europe, c'est ça? C'est lui, non? C'est cette tête. Attends. Il n'y a pas un décideur? Non, écologiste. Ah, ils y sont pas. C'est pour une autre. Mais si, ils y sont, à chaque fois, on les a trouvés. Non, là, ils y sont pas, frère. Ah, si, ils sont là-bas en bas, à gauche. Lui. Ah, lui. C'est ça. Le fou du bus. Eh, au franchement, moins, B. Non, A, je suis d'accord. A, tous les jours, A, frère. Franchement, incroyable. Bah, attends, il est quand même bien le clip avec ils arrivent un par un. De fou, c'est un banger, tout est bien. Non, non, non. C'est les goûts. Après, le S, on a mis les abeilles quand même. Hein. Oui, on pourrait le mettre en S. Ouais, c'est S. Allez, c'est S, ils nous ont trop régalé. Ah, ils nous ont CS. Et moi, j'ai imprimé mon vote. Je vais voter ça, frère. Hein. Non, bah non. De toute façon, tu n'as rien voté. Voilà, c'est vrai, vous savez que je n'ai pas voté les gens cette année. Bah oui. Oh, ils vont me péter un coup. Non, mais les gens, ne vous inquiétez pas. Ça devrait pas mal se passer car je vais faire ma procuration à Raz. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai pas choisi le gars le plus sûr là.
Mais Cassandre, il en a 2000 des procurations. Non, mais tu vas te lever là. Non, mais c'est bon, je vote dans ma ville. Frère. Dites-vous, les gens, ils votent vraiment à 5 minutes de chez lui. Là, oui, c'est là, bon. C'est bon, tranquille. T'inquiète. On va perdre 2 voix. Non, mais après, à 2 Non, Daniel, c'est après... bon. Je vais voter, je vous dis. Ça va. Ouais, les gens, j'ai décidé de partir en vacances pour les élections. Mais je reviendrai le soir. Oui. Pour les résultats. En direct, bien sûr. Pour voter pour Dany, il faut aller dans son bureau de vote. Bah, c'est pas loin. Bah, t'es vraiment pas loin. Oh non. Je crois pas. C'est faux. C'est mort. Après, c'est vrai ou pas ? Ça ferme à quelle heure ? Parce que moi, j'arrive à. C'est vrai ou pas ? Si ça ferme à 20h, je peux aller voter en balle. Petite pipe en balle. C'est vrai, c'est faux. Si c'est vrai, réfléchis. Quoi ? Bah, Cassandre. Cassandre, c'est vrai ou c'est faux ? Cassandre, du coup, ça va être à toi que je vais la donner. Bah, lui, il ira jamais, lui. C'est vrai ? Bah oui. Après, en Vélib, t'en as pour 5 minutes. Non, mais tu vas... Non, mais tant pis, Cassandre, vous aurez une voix en moins. Non, mais je vais le faire, c'est bon. C'est trop le seum. Je vais essayer de réfléchir à quelqu'un d'autre, t'inquiète. C'est vrai. Non, wow. Mais c'est moi le plus proche, frère, c'est logique. Après, ça, est-ce que ça ferme à 20h ou ça ferme à 19h ? Parce qu'à la limite, je peux voter. Ils vont dire, c'est quoi ton bureau de vote ? Tu vas te... Ah oui, c'est vrai, je suis con. C'est quoi ton bureau de vote ? Donne-nous ton adresse. 20h. En banlieue parisienne, c'est 20h ou pas ? 19 en banlieue. Ta mère! Mais que ça nous baise! C'est horrible! Je reviens à Paris à 18h30. J'arrive chez moi, c'est bon. Déplacez-vous, je suis à Londres à ce moment-là! Ça va être un peu dur. Je vais prendre l'Eurostar, mais tard quoi. J'ai déjà mon billet. Eurostar? Change ton billet. Mais non, mais niquez vos mères! Oui, ça va. Non, mais je vais y aller. C'est bon, c'est pas loin. Grâce, prends un taxi, en vrai. Non, je vais même pas y aller en taxi. Ça va. Non, mais vas-y, c'est bon, je vais le faire. Non, mais on va voir, on va y réfléchir. Je m'appelle Salma Labib. Je suis conductrice de bus. Je m'appelle Gaël Quirante, licencié pour fait de grève, postier... Alors, c'est lequel NPA, celui-là ? Ah oui, est-ce que c'est le NPA LGBTphobe et raciste ? Ou c'est le NPA normal ? C'est lequel ? Le NPAB. C'est le NPA. C'est le mauvais NPA. C'est le faux NPA. C'est le B. Pas le NPA Poutou. NPA, c'est... Attendez, le Attends, B ou le C ? Gros, il y en a qui disent que c'est celui de Poutou et il y en a qui disent que c'est pas celui de Poutou. Non, il y en a plein qui disent que c'est pas Poutou. Donc ça a l'air d'être celui de Poutou. C'est pas Poutou. NPA révolutionnaire. C'est celui qu'on aime pas. C'est incompréhensible. On comprend rien. Moi, j'aime Poutou. Poutou, c'est NPA anticapitaliste et eux, c'est NPA révolutionnaire. Vraiment, gros, on dirait la gamme de Nintendo, là. On comprend DS, rien, 3DS, ah ouais, 2DS, DSi. On comprend pas. De toute façon, je vais pas voter pour eux. Pourquoi je fais ça que m'intéresse. Des métaphores Nintendo. Elle passe, en plus. T'es pas trop oh, énervé. Putain, putain, pas trop énervé. Bon, attendez. Bon, on regarde leur clip. Ouais. Je suis conductrice de bus. Oui, bah, c'est un tract, quoi. Oui, voilà. Comme ouais. d'hab, quoi. Oui. Gaël Quirante, licenciée pour fait de grève, postier et syndicaliste. Ouvrier, soignante, caissière. Cheminot, technicien, prof, c'est nous qui travaillons. Pourquoi c'est pas nous ? Oui, les profs qui travaillent, le capitalisme dire vite, est un braquage à l'arme lourde. Les patrons ne produisent rien mais décident de tout pour leur profit. L'humanité à sa perte. Parle mieux du patronat ! Guerre, inégalité. Les petits patrons de gauche ! Oppression, destruction de la planète. Frontières qui tuent, massacre à Gaza. Ce système est une impasse. Nos vies et la planète valent plus que leurs profits. On nous dit que c'est un duel entre Macron et Le Pen, mais en fait c'est un duo. Le poison raciste et nationaliste de Le Pen, Macron en a fait sa politique. Et tous les deux sont au service des plus... Non, parce qu'il y en a un qui essaye de parer avec les bras, et l'autre qui est très... Tac. Oui, c'est vrai. Donc c'est assez marrant, les styles. Grande fortune patronale. Souvent le cas, vous remarquerez. Hein. Ça a trop duré. Nous avons la rage et la colère. Ah bah voilà, là, il est vraiment dans le thème. Et surtout les moyens d'en finir avec ce système capitaliste. Car notre force collective est immense.
Tout ce que le monde du travail et la jeunesse a arraché, c'est par ses luttes, ses grèves et ses occupations. En Europe et partout dans le monde, l'avenir est à nos révoltes, à nos révolutions, de travailleurs, de pauvres, par-delà nos origines. Bah après, c'est le mood manif. Mais pour un clip de campagne, parce qu'évidemment... Non, mais en fait, je trouve que c'est un clip à peu près... Genre, il correspond au NPA, quoi. Bah, on respecte, bien sûr, mais... Grave là... misogyne. Ah non, je trouve le mec aussi importable. Qu'est-ce qu'ils ont... Mais c'est juste le ton. Mais le clip, le il est pas... Craque, les gens. C'est le ton des gens qui montent sur les camions en manif. Oh. Mais nous sommes des millions. Le 9 juin, votez et faites voter... Ah, la musique, surtout. ...pour la liste présentée par le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Votez pour une liste de travailleurs, de travailleuses, de jeunes... Pour imposer nos préoccupations. Pour dire l'urgence d'une contre-offensive du monde du travail. Pour vivre et non survivre. Moi, je suis convaincu, mais je vais peut-être pas mettre le bon NPA dans. Je me trompe de NPA. Désolé. Trouver un autre nom, quoi. Pour celles et ceux qui font tout tourner, décident enfin de tout. Bon, bah. Urgence révolution. Postier licencié. Bah écoute, pour moi c'est vraiment pas fou, c'est D. Non. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas fonctionnel, c'est pas non plus goofy. Parce que D, on rentre dans les trucs où c'est vraiment raté. C'est juste un peu normal nul en fait. Ouais, pour vrai. Moi c'est vraiment normal nul ça. C'est du C-corps. Oui, c'est vrai. C-corps. Bah, et surtout, c'est pas le NPAC. Ah, c'est drôle. On va mettre le NPAB dans. On va le mettre en B, le NPA dans A. Oula, anti-vax. Bonjour mes amis. Oula. Qui est la LDF? Oula, expliquez-vous. Oula, explique-moi. Liberté démocratique française. Oula. Nous sommes un mouvement de citoyens qui est né juste oula. Après anti-vax. Les gens. Anti-vax. Nous anti-vax. Avons fait des manifestations, des meetings. Nous sommes connus sur les réseaux sociaux. Anti-vax. Certains me connaissent sous le nom de Jerry. Nom d'anti-vax. J'aime bien la dégaine. Jerry. Les mains dans les poches. Jerry, il est stylé un peu. Quelle est notre politique, notre objectif? Interdire les nous vaccins. Nous ne faisons que des propositions. Nous n'imposons rien. Ah voilà, pas comme les vaccins, par pas exemple. Pas comme le vaccin. Nous voulons l'autonomie. L'autonomie de nos régions. Martinique, Guadeloupe, Corse, Alsace ou Bretagne. Ces gens ont la nécessité de vivre selon leur culture. Ouais. Nous respectons ça. Nous sommes aussi écologistes. Pourquoi mettre à la poubelle 88 millions de bulletins de vote alors que vous allez devoir l'imprimer parce qu'on n'a pas d'argent? Alors que 2 millions suffiraient amplement pour la LDF. C'est pour ça que nous avons choisi de mettre nos bulletins de vote en télé. Nous avons choisi. Arrêtez. Vous ne choisissez vous pas. Attends, on dirait le chat en mode « J'ai choisi d'être puceau. J'ai choisi de ne pas avoir de relations sexuelles. » C'est totalement un choix. Je c'est n'en souffre pas du c'est tout. Que je suis un homme sigma, moi. Moi, c'est que je n'ai pas le temps pour les femmes. C'est ça, ma vie. Ça enlève des objectifs, ça dévie les objectifs. Téléchargement sur notre site internet, que vous trouverez facilement. Le 9 juin, prenez la bonne décision. Soit vous envoyez des gens qui font de la politique professionnelle et qui ne changeront rien à votre avenir. Soit vous choisissez des gens du peuple, des citoyens. Oh, le peuple! Pour faire bouger les choses. Le 9 juin, mettez le bon bulletin dans l'urne. Va sur le site. Je vais mettre Manon Aubry, t'inquiète. Pensez LDF. Va sur le car site. Car c'est ensemble que nous avançons. C'est vrai que c'est dur à chaque fois de voir leur... Ligue démocratique. Oh, l'image, elle est exceptionnelle. Putain. Ils prenons ont l'air... le contrôle. Frexit. Frexit. Ah. Vas-y, mets groupeldf.fr. Envoyez-le dans le chat. Le chat, s'il vous plaît. J'ai je suis sûr la flemme ils sont de taper. Ah voilà, merci. Vas-y, je regarde. Attends. Oula. Sacha. Les statuts, profession de foi. Ouais, c'est profession quoi de foi. Lire la suite. Oh putain, on peut rien lire. Le pour par le peuple, politique extérieure. Ouais, il n'y a rien, quoi, comme d'hab. René, liberté... Ah, toutes nos propositions, telles que l'indépendance des départements, le taux de TVA, remboursement des médicaments, sur notre site groupe. Bah alors, mais du coup... On est dessus. Elle est où, la liste de vos lignes politiques. Attends. Ah oui, où ça? Oh.
les consignes, lire la suite. Les dom-toms, la monnaie, la TVA, les médicaments, ils veulent refaire les régions. Le SMIC, la retraite, le handicap, le service public, l'instruction, l'armée, les frontières, l'immigration, les peines, le soin, la cause l'énergie, animale. Le permis à tout point. Ah, ils veulent légaliser. Oh. Ah, attends, ça se trouve, ils vont dire non. Pourquoi légaliser la consommation d'herbes? Oh, ça va. Bon, voilà, il y en a qui vont voter, là. Ok. La TVA à 5,5%, putain. Ok. Le non-cumul des mandats. Les médicaments Ils vont vouloir rembourser l'homéopathie. Ça va. C'est pas si anti-vax. Ils ont pas l'air si anti-vax. Ouais, hein. c'est gilet jaune, quoi, au final. Ouais, c'est gilet jaune. On est méchants, on croit tout, ouais, anti-vax. Tout est anti-vax. Il n'y a pas assez d'anti-vax. Oui, mais remets le chat. Il n'y a pas assez d'antivax. Ok. Ouais. Moi, j'ai hâte de la France insoumise quand même. Hein. T'as vu où ils les ont mis? Ils ont mis gros, RN. Ils sont du trou du cul, oh non, frère. Mais c'est le hasard. Non, mais c'est le hasard. On a mis 12 fois Macron et le RN. Et tous les liens disponibles, c'était que Macron et le RN. Ils sont passés 14 fois à la télé. J'avoue, on a tellement rien à foutre qu'on a pas, on les a pas mis là. Ah oui, ça nous a pas intéressés. Ça, c'était cuck. On n'a pas compris, ça. Gros, hein. On a rien compris, frère. En fait, ils disent pas leurs idées. C'est qui? C'est qui déjà? Oh. Oh, LDF là. Ah, c'est ça? Non. Non, c'est UDMF. Comment il s'appelle déjà? LDF. Mais attends, il y a pas y a là. Il y a pas les gens. Hein. C'est ça là en bas? Attends, remonte. On les a pas déjà classés en se trompant? Non. Non, impossible. Jerry, son prénom. Oui, non, mais vous êtes con. Il y a Égalité pas écrit Jerry là. Politique. C'est ça ou pas LDF? Non. Il y est pas, les gens. Cravate jaune. Non, c'est UDMF. C'est pas ça, hein. Je crois qu'il y est pas, les gens, hein. J'ai juré, hein. Bon, bah tant pis pour eux, de toute façon, on s'en fout. Bon, vas-y, on s'en branle. Hein. Faut le télécharger, il a dit. Ouais, bah c'est bon. Ah ouais. Allez, attends, je vais faire une petite pause, je vais aller aux toilettes. Bah quoi? Bah vas-y, va aux toilettes, c'est baisse ta mère. Regardez. Bah, je peux pas c'est la... bon, hein. LMF. UDMF, c'est le parti musulman. Ok. Ah, je vais voir des anti-vax. On est d'accord que... Attendez, dans la liste, est-ce qu'il y a des anti-vax avérés? Attendez. Elle est où, la tier list? Ça, pour moi, en anti-vax avéré, il y a eux, là. Parce que là, Alan, ils sont full anti-vax. Merci, Témi, Suna. Et sinon, est-ce qu'il y a des anti-vax à nouveau, là? C'était qui, eux, déjà, là? Ah non, eux, ils sont pas anti-vax. La gauche citoyenne, je crois pas. Écologie au centre non plus. L'Alliance rurale. Ah, il y a peut-être eux, j'ai oublié qui c'est. Mais il y a un monde où ils sont anti-vax, eux. Nouvelle Donne, PCRF. Humanité souveraine. Ah, lui, il est un peu anti-vax, lui, je crois. C'est bon. Ouais, bon, je suis déçu, genre, c'est les espéranto. Ah ouais, bah non, alors, espéranto, non, ils sont pas anti-vax, les espéranto. Hein. Mais c'est terrible, hein. Groupe LDF, profession de foi de campagne. Attendez. Tu veux dire qu'ils sont anti-vax, là-dedans? Eux! Oh! Refus de la fédération, élargissement, référendum national, réviser les normes européennes, préserver les enfants, identité de genre, wokisme, écriture inclusive. Limiter les nouvelles technologies, remonter et démanteler les trafics, réviser les normes sanitaires, s'opposer à l'accord supranational que l'OMS veut imposer sur les pandémies. Ah ! Antivax ! Se détacher de l'OMS ! Antivax ! Antivax ! Antivax de fou ! Antivax peut-être, c'est clairement des antivax ! Soutenir les agriculteurs, on propose produits, machin, environnement, sortir de la rente. Retrouver notre indépendance énergétique, ajuster les tarifs sur les coûts de production, supprimer tous les intermédiaires trop onéreux. Respecter les capacités d'accueil, les exigences en matière de sécurité nationale et les valeurs républicaines. Référendum national pour toutes les grandes décisions. Sortir du libre-échange. Clairement anti-vax. Je savais qu'il serait anti-vax. C'était anti-vax plus transforme plus ratio. C'est vraiment les lores anti-vax, réac, mais un peu social bizarre. Ouais. Race, tout le monde s'en bat avec de ces gens. Pourquoi? C'est une scission de l'UPR.
Ah, tu crois que c'est ça? T'as dit ça après. Oh, tu crois que c'est une scission de l'UPR, vraiment? Ah, oh, ah, ça expliquerait beaucoup de choses. J'ai dit ça au pif. Ah, c'est l'UPRB. Bon, moi, j'ai décidé que t'avais raison. Cette information me plaît, donc j'y crois. Raz a raison, il a senti les antivax. Mais je vous dis, les gens, je suis cerné d'antivax, les gens. Au bureau, les gens, tout le monde est antivax. Il y a des antivax partout, à part Dany et moi. Je crois que personne n'est pas antivax. Je vous jure qu'il y a un problème. Et c'est en train de tuer tout le monde petit à petit. Ah oui, Milan, t'es pas antivax, toi. C'est vrai. Non, lui, il date trop, il est pour avoir... Ouais, lui, COVID, c'est ça. Lui, il est sous PrEP 10 fois de suite. Hein. Mais lui, il a chopé chaque Covid avec une différente, quoi. Ah ouais, de fou. Hein. De fou. Hein. Ah ouais. Cassandre, il est pas antivax, il est antipass, mais c'est pas clair, quoi. Oui, non, mais il est antivax quand la ligne de la fille, c'est d'être antivax, quoi. Oui, c'est ça. Sinon, il aime bien les vaccins. Il a eu le monkeypox, Milan. Waouh. Waouh, elle est dure, celle-là. J'avais oublié l'existence. Bon, bah en tout cas, on avait bien deviné. Ouais, ils étaient bien antivax. Attends, moi aussi, je vais pisser, on fait une petite pause. Vas-y, je crois que je vais y retourner, gros. Je suis en train de chier la moitié de mon corps, là. Tu te chies dessus, là? Non, mais j'ai chié un truc, gros. C'était un monstre. Genre, c'était... Mais un t'es malade, genre? Non, ça va. Tu vas pas me refiler un truc? Non, t'inquiète. Je me suis vacciné. Non, mais premier doc, non, t'as la chiasse, genre? Non, malade. Non, c'est... non, juste t'as turbo chié, quoi. Ouais, j'ai vraiment chié et j'ai encore un peu envie, tu vois. Oui, non, mais ça, c'est normal. T'as chié beaucoup, c'est pas ce chier. J'arrive pas à savoir si j'ai tellement chié que ma prostate, du coup, me dit là, il faut refaire caca. Ouais, tu vois, j'ai vraiment la sensation. Ou si t'as l'empreinte du caca qui fait l'envie de caca. Un truc aussi gros! Il passe, ma prostate, elle l'a senti. Donc là, je sais en fait, pas c'est si ça, parce que là, t'as le temps où t'es imprimé de caca un peu. Ouais. T'as la mémoire du caca qui passe, donc tu crois qu'il y en a dedans. Ouais, c'est mais ça. Mais en fait, exactement. C'est juste t'es imprimé. Et puis là, elle est gonflée, quoi. Elle a été inflammée. Oui, elle a dit ça, oula, c'est qu'est-ce ça, qu'elle c'est est, cet énorme truc. Exactement. Non, mais c'est réel ce que on tu dis. On s'y attendait pas, on n'était pas préparés. Donc je suis vraiment dans cet état. Mais ça se trouve, ça va aller, mais peut-être. Parce que mon ventre a l'air vide. Alors en même temps, là, il n'y a plus rien, frère. Et si t'appuies, là, ça te donne envie va, de chier ou pas? Va, pendant que je parle de caca, va pisser. Ou si je veux rechier après... Ouais, c'est la mémoire du caca. Tu chies très vite. Non, mais là, les gens, j'ai chié vite et lourd en même temps. Genre vraiment, ça a fait une boule, ça a fait... Genre vraiment, genre j'étais choqué, j'ai vu la taille du truc. Les gens, c'est une dinguerie. Une bite de cheval, le bordel que j'ai sorti. Je me suis dit, putain, mon anus peut faire rentrer ça. Enfin, sortir, du coup, pour le coup. C'est cool de faire caca. Ouais, mais là, c'était un peu douloureux. Genre, il y avait un plaisir dans le fait d'expier autant de choses. Mais c'était un peu douloureux, quand même. Hein. Sinon, les gens, pendant que Raz n'est pas là, j'espère que vous avez apprécié mon podcast intellectuel... sur Nouvelle Pensée Critique, là. Ça vous change un peu, non? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ce Dany-là, il est un peu différent du Dany de Dany Raz. » Je comprends pas trop ce commentaire. Donc, je sais pas pourquoi vous dites ça. Moi, j'ai l'impression de raconter les mêmes trucs ici. Je préfère quand tu parles de caca. Voilà. Eh, manifestez-vous, parce qu'il y a trop des gars. Je préfère sans ses potes. Je préfère quand il est comme ça. Oh là là, les youtubeurs, vous aimez trop vous ennuyer, hein, le public YouTube. Hein. C'est ça votre problème. Vous aimez trop après écrire des commentaires. Je vais faire un long commentaire. Bon, ça va, je me respecte, je suis pas quelqu'un de Reddit, mais je vais faire un long commentaire pour prouver que j'ai bien compris. C'est bizarre, ça. Hein. Sur quelle chaîne déjà? Nouvelle Pensée Critique. Et je suis content, j'ai détruit tous les autres entretiens là, en termes de vues. Hein. Pff, allez hop, ça dégage. Ah, c'est réel, juste on voit plus ton autisme dans la vidéo alors que dans live tu maîtrises. Ah bon? En vrai, les gens, moi je me suis senti crevé ce jour-là. J'étais en mode, ouais, je dis que de la merde. Moi, franchement, j'étais en mode, je dis que de la merde tout le long. Après, j'ai réécouté, ça va. J'ai un peu réécouté. Donne la rêve d'un live sur Nietzsche. Bah là, je l'ai pas, mais celui justement du gars qui a fait l'interview, je vous en reparlerai de toute façon. Syndrome de l'imposteur, oui. Oui, peut-être. Mais après, c'est bizarre. T'arrives, il y a un piano, il y a des ouvrages de gauche, il y a une bibliothèque derrière toi. Tu vois deux gars que tu connais pas et qui disent « On va te poser beaucoup de questions sur la France insoumise. »
Et franchement, les gens pauvres, c'est... Imaginez, on vous attrape dans la rue, on vous dit ça d'un coup. Imaginez, on vous attrape dans la rue, on vous enferme dans un appart, et il y a deux gars qui décident de vous interroger sur la France insoumise, là. C'est flippant un peu. Comment être à l'aise dans cette situation ? Usul te fume, moi, mais la vidéo, elle a 6 mois. C'est ton taf de donner ton avis. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette composante où j'ai été consentant d'y aller quand même. Pauvre, tu es Rima Hassano, mais elle, c'est... Elle, c'est son métier, quoi. T'as donné qui de la fille ? Hein ? J'ai pas compris. Toujours pas le clip de la fille. J'ai hâte d'y arriver, hein. J'espère que... Oh, oh, les gens, si c'est pas bien, on va le dire, hein. C'est pas bien, on va le dire. Hein. Ah, ça y est, je sens que ça se détend. Ah ouais, putain, hey, ça fait mal au cul. Hein. Ah, mais il y en a vraiment, vous aimez autant la sodomie, là, dans le chat ? Non, attendez, parce que quand même, quand c'est gros, là, ça fait un peu mal, hein. Vous n'allez pas être assez bottom. Genre, je sais, il y en a, vous êtes capable d'ouvrir en grand. Cul fragile. Ah bah ouais, moi, j'ai le cul fragile, hein. Franchement, j'assume, hein. C'est pas trop mon truc, hein. Moi, je veux bien si c'est pas trop épais, tu vois. Mais alors, pff, quand tu vois des monstres là, bah non, moi, c'est Gandalf. Hein, you shall not pass. Finito. On ferme les frontières. Genre, c'est pas possible, en fait. Genre, en plus, ça se voit. Un anus, ça ressemble à les petites portes là dans Metroid. Tu sais, les petites portes où tu sais, tu vas devoir te faire du morphing et passer en petite boule. Tu tires dessus, piouf, et après, tu passes en petite boule. Vous voyez ces trucs-là? Ça ressemble à ça. C'est pas fait pour y rentrer full personnage, full suite. Non ? Je veux que faire des métaphores Nintendo aujourd'hui, j'ai décidé. Prends le doigt au moins. Non, mais un doigt, les gens. Un doigt. Ah, mais quand même, respectez-moi un peu. Un doigt, mais qui prend pas un doigt ? Un doigt, ça rentre comme ça. Il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit. Un doigt. Ah, c'est adapté à la taille, un doigt. Deux, faut commencer à préparer. Deux, faut titiller, faut... Voilà, justement, faut utiliser le premier, faut un peu lubrifier. Mais un doigt. Oh là là. Il y a de la salive un peu. Ouais, voilà, tu craches un peu et puis t'y passes, quoi. Tranquille. Sous la douche, même sous la douche, avec l'eau, ça rend peinard. Vous nettoyez pas en profondeur, des fois ? Tu lubrifies pour deux doigts, toi. Ah, waouh. Oui, non, mais après, je sais qu'il y en a, vous rentrez le point. À partir de là, on peut plus se comprendre. Vous avez des capacités extra-anales que tout le monde ne possède pas. Mais ça, c'est lié à l'entraînement shonen. En fait, c'est grâce à cet entraînement-là, quoi. C'est comment un lavage ? Un lavage, c'est simple, c'est parce que c'est plus fin qu'un doigt. Le problème, moi, c'est que le lavage, t'es trop en confiance. Et comme t'es trop en confiance, moi, la seule fois de ma vie où je me suis fait une fissure anale, c'était avec... la poire à lavement. Parce que j'étais trop en confiance. Donc j'ai fait flouc en mode anti-vax et aïe, ça m'a, j'ai légèrement écorché. Donc je vous conseillerais quand même toujours d'un peu humidifier au moins. Ah ouais, les fissures anales, est-ce qu'il y a des trucs, c'est vraiment douloureux quoi. Bah en fait, c'est surtout que tu peux plus vraiment... chier tranquille. Bah oui, quoi. C'est ça. Ah, c'est là, à chaque même... fois que tu vas chier, tu repasses mais dessus. Même gros, quoi. Quand t'as une vraie fissure anale, gros, tu t'assois. Tu bouges, t'éternues, t'as l'anus qui te... Oui, qui fait... Genre, ça fait vraiment mal, quoi. Genre, pensez, tu sais, au truc un peu, c'est pas la même après, douleur. Après, il y a pire, c'est les hémorroïdes. Hein. Mais quand... Non, mais les hémorroïdes, c'est pire. Mais quand tu t'ouvres le coin de la bouche ou un truc comme ça et que t'as tout le temps la sensation, eh ben, c'est ça, ouais, l'intérieur aft, de votre t'as anus. Un aft, ouais, dans le cul. Je sais pas comment dire. Si, c'est un aft. Et alors, après, il y a des gens qui ont... Moi, je connais des gens qui ont des fissures anales qui partent en couille. Où ça s'infecte, où ils arrêtent pas d'avoir de rapport anal. Du oui, coup, la bah fissure alors, s'entretient. Ça, j'ai connu. Et ça part en couille et tout. Ça, ah, j'ai ouais. eu un coloc que personne ne connaît. Il a jamais fait de vidéo sur l'homosexualité sur Internet. Qui, à un moment donné, avait eu la malchance d'avoir ça. Ah ouais, mais gros, après, c'est horrible. Hein, quand t'es hyperactif sexuellement, c'est badant. Et justement, hein. Il pouvait pas s'empêcher. Bah oui, mais c'est normal. Du coup, genre, il disait, ça fait que s'ouvrir. Et après, il allait que acheter des crèmes cicatrisantes. Bah, il était là, mais arrête de baiser. Oui, mais gros, c'est longtemps qu'il faut arrêter. Bah oui. Genre, et surtout, mais c'est tu l'as, surtout, ce qui est horrible, c'est que tu la sens plus.
tu crois que tu peux y retourner, et c'est là que tu la rouvres, et t'es reparti, ah tu ouais. vois. Genre, c'est horrible. Non, en vrai, c'est horrible. Mais dès que tu chies, c'est plus un plaisir, alors que c'est quand même ah un ouais. plaisir de chier, normalement. Non, c'est ça met 1000 ans. Oui, c'est, en fait, ça met ultra longtemps à cicatriser, parce que c'est un je endroit où c'est... Le caca... Ça peut mettre 5-6 ans à se refermer. Ouais, de fou, ça peut être horrible. Hein. Le caca, c'est le plaisir anal pour les nuls. C'est la... Moi, non, moi, je trouve que cette tech n'a pas de sens. Non, mais il y en a, ils connaissent que ça dans leur vie. Non, mais le seul plaisir anal qu'ils ont ressenti sauf dans que leur gros, vie, c'est pas quand la ils même ont sensation. Lâché un sauf gros que truc, c'est pas la même sensation de se faire enculer ou de se prendre un doigt que de chier, frère. C'est mentir non, de dire ça aux gens. Il y a des similitudes. Hein. C'est juste que je suis désolé, frère. Je déréalise ma vie. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il a, Elias, là ? Pourquoi il la ramène ? C'est différent, non, mais bien sûr que oui, c'est merci, différent. Oui, merci, Raz. Non, mais moi, je trouve que le truc... Ouais, c'est un peu comme faire caca, après, mais ça t'as, rentre t'as et ça sort. Homme, toi. Non, non, même pas, non. Non ça non. te rend heureux. Non, non, mais c'est genre, gros, tu peux ne pas aimer non, l'anal oui, oui. et trouver que c'est pas la même non, chose oui, que de chier. Mais... Je suis désolé, c'est pas la même sensation. Mais alors, c'est pas ça ce que j'ai dit. J'ai pas fait bah, un... Si. Non, j'ai pas dit c'est la même chose. J'ai dit, la... certains ne connaîtront du plaisir anal que le caca. Ouais, bah, si tu veux, je vois pour la blague, je veux bien, bah, mais t'es un fils de pute quand même. Notre chat, qui dans notre moi, chat je trouve que tu devrais prendre attends, un viens, CM. J'ai envie de faire voilà un mon sondage. Avis. Je vais faire un sondage de CM. Mais les gens se sont jamais fait enculer, frère. Mais, quoi, tu dans ce chat non, non, non. Mais gros, tu non, non, mais gros, non, c'est non, des non. puceaux, frère. Non, non, non. Alors, non. c'est que les gens qui se sont déjà fait enculer qui ont le droit de répondre. J'écris à lui sans question. Caca. Pas pareil. Je vais mettre plus que. Plus, attends, on va mettre doigt, tu vois. Hein non, mais plus ah, que doigt. Ah, tu veux voir qui? Ouais, et genre... Sodo. Mega Fister. Ah ouais, ok, ok. Non, mais mets Sodo à la place de plus que doigt. Sodo? Mais genre, ah oui, mais oui, genre Sodo. Sextoy Sodo, tu vois. Sodo Sextoy. Ah oui, Sodo Sextoy. Bref, ouais, voilà. Mega Fister. Mega Fister, c'est vraiment que t'es un fou. Attends, du... on va mettre genre Bottom. Ouais, genre ça aime vraiment bien se faire voilà, enculer. Les gens, vous en êtes tout. Voilà. Vous en êtes tout. Parce vous en êtes tout en termes anal. Vous en êtes tout. Et si vous n'avez rien, vous n'êtes caca. Vous êtes que caca. Vous quel est caca. Votre rapport à l'anal? On est bien, là, je trouve. Ouais, on est bien, là, dans ce petit sondage. On va prendre 4000 personnes en otage. C'est pour savoir quel rapport ils ont à leur anus. Okay. Vous peu parlez de pas de mecs, mais tout le monde a un anus, là. Vous n'allez pas me saouler. Bah, attendez. C'est inclusif. Mais bien sûr que non, ça ne concerne pas regarde, que les mecs. Hé, caca, 30%. Tu vois, t'es médisant avec notre chat. Mais doigt, sauf pseudo, que sextoy. Chier n'est pas... Connaître les ce que c'est que la Fister me terrifie. Ah ouais. Après, je pense que t'en as la moitié qui troll, mais t'as 6 Fister. Ah ouais, et c'est six sûr. 6 Fister ou Fister. Ah ouais. Ah ouais. 6% enfin, de bottom. Sondage. Ouais, il y a peu de turbo bottom. Hein. Il y a peu de turbo bottom. Il y en a au bottom. Moins un, on est trop nombreux pour qu'il n'y en ait pas un qui est plug anal en ce moment. Là et qui est plugué. Qui est plugué. Ils vont dire oui, alors c'est qui faux. Et sur la prise, je suis connecté. Ouais. C'est bon. Non. Et moi, voilà. Et moi, alors que je le... C'est bon, voilà. Bon, bah, caca, 36%. Doigt, 30%. Donc, un tiers. Il y a quand même qu'un tiers gros, du chat attends. Qui est dans la méconnaissance de soi. Il y a quand même de beaucoup soi. De gens. Il y a que 36% du chat qui a jamais bah expérimenté ouais. son anus. C'est-à-dire que t'as deux tiers. Je pense que c'est un gros chiffre de gens qui l'ont expérimenté. J'ai envie de refaire sondage sur d'autres chaînes. Ouais. Genre PFUT. Ah ouais, là l'expérience au caca. Au hasard, PFUT. C'est fou. Et fou. On voit ce qui se passe. Un chat où pourrait y avoir un chiffre intéressant, c'est l'un qui est Terracide, parce que Terracide, il parle souvent de sa prostate. Ah ouais? Ouais. Bah chez le JDG, demandez à son CM. Le CM, demandez au CM de JDG. Un petit sondage sur les savoir où est-ce qu'on en est niveau anus. Mais en vrai, c'est bien. Ah, sur PDH. après ils vont dire non, la pudeur, le vote est secret, la pudeur. Tu vois, c'est ça leur réponse. Leur réponse c'est pas jamais. Leur réponse c'est la pudeur. Ah non, parle pas de ça. Ils ont raison. En vrai malin, ça permet de pas préciser. Bon, allez, vas-y, c'est bon, on a compris. Allez, caca, oui, bon, bravo. Voilà, caca, oui, allez. Hein oh, autre live. Autre live. Eh, les gens oui, qui proposent un contenu aussi exceptionnel ouais. que le nôtre, quand même. Ouais. Vous voyez soutien bien à la Palestine, analyse des clips de campagne, analyse débat sur la sodomie. Voilà. Tu vois, c'est désolé, qui analyse. Va aussi loin dans le contenu? Personne. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Oh, merci. Moi, ce qui me rend heureux, c'est qu'il y a sûrement quelqu'un qui a répondu au sondage en étant en train de chier. Et ça fait plaisir. Là, il y a combien de gens sont en train de chier ah, et c'est sont trop dans bien, dans ce truc de « Oh, ils parlent de moi, je suis en train de chier !»
Elal, Elal Haz, il a dit en train de chier, je suis en train de chier. Merci Shooting Star. Bah ça doit être marrant. Bah oui, ça te fait c'est, rire. C'est comment on appelle ça déjà le truc Hunger là. Merci Chumster, merci beaucoup. Les phénomènes là, comme ça, la synchronicité. Tu fais de la synchronicité jungienne. Ouais, de fou. Voilà, c'est beau, non? 4000 subs, c'est tout. On est descendu bas dans le classement. On est des merdes. On est des merdes. Ce mois-ci, c'est une catastrophe. Ce mois-ci, c'est ça. On n'a jamais été autant de merdes. Oula, oula, pour la paix. Oula, oula. Bonjour. Nous sommes présents dans cette élection parce que nous voulons dire non à cette Union européenne et parce que nous voulons une sortie immédiate de. Mais on est d'accord que les communistes. Ils ont 12 partis, alors qu'ils sont 12 à voter. Ouais. Ouais. Alors que c'est le et communisme, c'est, quoi c'est pas genre l'Assemblée. ANC, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ANC? C'est communiste anarchiste. Pour la paix et le progrès social. Pas Düring Corps, un peu. Oh, pas Düring, il va voter pour ça. Il vote ça, pas Düring. Oh là 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 là. L'OTAN. Eh, les gens, dites-vous, hier, l'État, il est venu, il nous a dit. On a sorti un best-of David Guiraud, meilleur habib, là, toute l'actualité qu'il y a eu. L'État, il vient nous chercher en bas, il dit « Moufette, elle a une idée pour la miniature. Ça serait de mettre Meilleur Habib en cochon. » Vous pensez c'est une mauvaise idée ou pas? Et on dit « il n'y a pas vraiment besoin, c'est déjà assez. » Et là, l'État Est-ce dit « Pas Düring a fait la même. » Et on a dit « Alors, bon. Si Pas Düring et Moufette ont la même idée de c'est merde, que c'est une idée de merde, c'est que c'est vraiment pas bien, là. Ouais, du coup, bon. On a cancel et c'est bon, ça suffit, quoi. » Ah ouais, c'est bon, alors, vous voyez le genre de décision éditoriale oui, voilà, difficile qu'on doit prendre quand même dans cette oui, vie. Oui, c'est bon. L'OTAN est une alliance militaire internationale en contradiction avec la charte de l'ONU. L'OTAN pousse à la guerre et exige des pays affiliés qu'ils augmentent leur budget militaire à au moins 2% du PIB. Non à l'UE, qui n'a empêché ni la guerre des Balkans, ni celle en Ukraine, et qui aujourd'hui arme Israël, faisant d'elle une actrice du génocide. Après, ils ont l'air basés, en vrai. Hein. Ils sont basés de fou. J'ai l'impression que c'est Coco Patriote, mais basé, dans quoi. On juge le clip de campagne. Le clip est chiant. Le clip est chiant. Mais ils ont l'air basés. Mais le clip est chiant comme la mort. Pourquoi les gens basés, gros, ils sont... Mettez au moins de la musique, quoi. Oui, on va regarder Tissu après, les gens. Ils ont fait 14 scissions. Oui, de non fou. Non à l'Union européenne qui pille l'Afrique et met des barbelés à ses frontières pour refuser d'accueillir celles et ceux qu'elle contrôle. Ça va, ils ont l'air basés, en vrai. Non à cette Union européenne qui a été conçue ni pour la paix, ni pour la souveraineté puis, des peuples. Au moins, ils rappent, quoi. C'est-à-dire que les autres, tu sais pas ce qu'ils racontent. Eux, ils rappent. Tu vois la différence, souvent, les orgas de gauche, elles disent vraiment leurs idées. Mais surtout, elles savent que là, ça va passer à la télé. Et donc, elles balancent des trucs. Non, tu mais vois. Voilà. Alors que les autres, dès que c'est anti-vax, c'est en mode on est le peuple citoyen, on va pas faire pareil. Allez voter. On fera pas pareil. On vous dit pas quoi. C'est ça. De la Kanaky aux Comores, en passant par les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne continue de refuser à ses peuples une réelle indépendance. Nous, nous voulons une union des peuples basée sur le respect et sur des coopérations mutuellement avantageuses. Nous, nous demandons... Et puis surtout, tu vois que c'est des vrais militants, quoi. C'est pas leur job, mais tu sens que ça milite, quoi. La fin du franc CFA. Un peu comme le NPA tout à l'heure. Et le retrait des troupes d'Afrique. Nous exigeons... Alors, je crois quand même, de ce que je lis entre les lignes, ça c'est pro-russe, ça. Ça, ah, ouais sens... ah oui, oui, c'est du pro-russe. T'as un détecteur pro-russe ? J'ai un détecteur pro-russe, ça c'est pro-russe. Ça c'est la... nostalgique de l'URSS, du coup ils trouvent que Poutine un peu basé quoi. Arrêt de la course aux armements. Pour la France, cela signifie la remise en cause des 413 milliards de budget militaire prévus dans le cadre de la loi. Oui, c'est réel, pas du tout. J'adore, il y a les deux avis. Mais c'est bien, bah écoutez. De programmation militaire. Vous l'avez compris. Nous disons oui à une vraie union des peuples et à leur droit de disposer d'eux-mêmes. Ouais, ok, d'accord. Bah, ah, pour... c'est les matheux. Bah oui, bon, ça okay, va. Ok, ouais. Après, c'est bon... Stahl, ah, mais c'est bien. C'est quoi. Non, mais c'est Stahl, c'est quoi. Stahl, mais sympa. À la hauteur de ce qu'on attendait. Ouais, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Stahl, mais sympa. Ça va. C'est du bon Stahl. Ça va. Non, non, c'est du bon Stahl, ça. Ça va. Oh, le train de hype, let's go, les gens, continuez. Petit train de hype. Petite minute 24. On n'a pas envie de forcer, on a envie de regarder les vidéos, donc merci. Non, ils passent en C parce qu'ils sont basés, les gens. Désolé. Non, c'est C parce que c'est exactement... Voilà, c'est le délivre. Ce que t'attends d'eux. Ils auraient pu mettre une petite musique. C'est classique. Fond. Ils auraient pu mettre une petite musique en ouais, fond. Ouais, mais bon, ça va. Après, pour mettre la musique de merde du NPA, non. Oui, insupportable. Je préfère sans musique, frérot, je te jure. Oui. Non, à l'Union Européenne et à l'OTAN, communiste pour la paix et le progrès social. Oui, je sais, mais le nom, il est... Le nom est trop long, frère. Europe écologique. Oh, 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 le banger. Attention.
Oh, le poulet, ça va danser. Alors, est-ce que ça va twerker? Alors, est-ce que ça va faire de la sophrologie, peut-être? Alors, moi, je call que ça va être classique. Un clip classico, va lire un texte nul sur de la musique nulle. Est-ce qu'ils vont dire, on se chie dessus, on va pas faire 5%, s'il vous plaît, votez. Bah, ça va être décevant. Guzman. Arrêtez de voter Guzman. Je sens que ça va être décevant. L'avenir de l'Europe est en jeu. L'extrême droite progresse comme une fièvre sur tout le continent. Ils sont quatre couleurs, là. Oh, genre. Elle menace les droits humains et le pacte vert, obtenu grâce à vous lors des élections européennes de 2018. Merci, Janaya. Sous leur influence, la coalition des conservateurs, des libéraux et des socialistes... La musique goofy, c'est le truc des camions, ça. ...a voté le retour de l'austérité et des OGM, l'arrivée des méga-camions sur nos routes ou encore la prolongation pour 10 ans du glyphosate. Shutterstock, voilà, j'avais call, hein. Sont les seuls à tenir bon face J'avais à ces cool. renoncements. Ah oui, bien sûr. Comment ne pas comprendre que les inondations, les sécheresses ou les feux de forêt nous rappellent chaque jour davantage l'urgence de préserver la biodiversité. Mais alors, il ne faut pas voter pour vous si on s'y intéresse. Oui, à c'est ça. Si on s'intéresse à l'écologie, on va voter LFI déjà. Et ensuite, tu vois, déçu, désolé, Shutterstock et TextMune, quoi. D'agir face au dérèglement climatique. Trop bon. Oh, les moutons, là. Pour sauver le climat. Pour défendre la nature et sanctuariser les océans. Bah après, c'est et un parti sérieux. Okay. Ils font tous la même chose. J'espère que la fille va nous surprendre. Mais gros, la fille, je pense, ça va être. Ça il va est être temps goofy, de passer d'une économie qui Moi, je préfère du goofy que du rien. Oui, notre santé et les écosystèmes. Ah, quoi, après, il faut voir le goofy. Hein. Nous proposons un protectionnisme vert qui nous préserve enfin des produits venant de pays avec des normes environnementales et sociales inférieures aux nôtres. D'un pays. Nous proposons une nouvelle politique agricole commune, plus juste et plus verte, qui permette aux paysans de vivre dignement de leur travail. Nous proposons de reprendre en main les entreprises du pétrole et du gaz pour sortir enfin des énergies fossiles et investir massivement dans les énergies renouvelables. Nous proposons une Europe de la justice. Qui en finissent avec l'austérité et mettent en place un droit de veto social, empêchant de dégrader davantage la situation des plus modestes. Oui, allez, droit de veto social. T'as vu ? C'est précis la proposition. C'est pas genre on va améliorer la vie des gens, on a des propositions sur la question du social, etc. C'est on va mettre des vétos sur des trucs qui sont un petit peu trop abusés, quoi. Mais on va pas aller plus loin. Faisons une Europe de la solidarité. De la transmission. C'est quoi qu'ils vont dire immigration ? Sion et du pas le dire. Une Europe qui défend les enseignants et les soignants. Ça va, c'est déjà ça. Qui donne un statut aux aidants. Nous proposons. Oh ! Ah ! Ta pote ! Non, c'est ta pote ! Non, c'est la pote. C'est du ta Zul, pote. En fait. Ah oui, ça la pote du Zul. La pote du Zul. Bah, il met un vent là. Ouais. D'accord. C'est plus la pote du Zul en vrai. Ouais. Une Europe de la santé qui se débarrasse des produits toxiques qui nous empoisonnent et garantisse à chacune et à chacun. Elle bave. C'est pourquoi ça me fait rire. J'ai juste écrit « Elle bave ». C'est même pas vrai. Mais ça me fait... C'est vrai qu'elle avait l'énergie elle bave à baver. Oui. On est d'accord qu'elle allait baver de fou, là. Elle est bavée de ouf. Qui donne un statut aux aidants. Ça va, ça se voit, elle a envie de baver. Mais pourquoi ? Elle a ma tête juste avant que je fasse caca, frère. Désolé, mais c'est gratuit. Ouais, mais je sais pas, mais j'ai envie d'être d'accord, mais... Qui se débarrasse des produits toxiques qui nous empoisonnent et garantissent à chacune et à chacun l'accès aux médicaments essentiels à travers un service public européen du médicament. Enfin, nous proposons une Europe de la paix. Une Europe qui se dote d'une armée commune. Oula, alors là. Ah là, ça bave là. Une armée commune, oula, son bave là. Là, ça bave là. Ah là, ça bave là. L'armée ça commune, trigger warning. Qui demande un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Oui, bien sûr. Qui exige la libération des otages. Cette Europe-là est possible. Alors, camions avec leur drapeau LGBT. Ah, les LGBT, vous cautionnez ça, hein. Après, gros, moi, j'ai vu des discussions aux amphis de... Oh là là, dans la France insoumise, il y a quand même beaucoup d'hétéros. Moi, je crois que je vais aller à ELV parce qu'il y a quand même... voilà, quoi, j'ai vu... Oh là, ils veulent que être... Et il y avait Cassandre qui était là, qui les jugeait, il les a regardés, il a dit, mais vous savez que on se bat aussi pour les hétéros ou pas? Et il a créé un froid. Les gens ont arrêté de parler pendant 5 secondes et ils ont fait comme si... mais surtout, c'est hétéro de vouloir traîner qu'avec des gens qui te ressemblent, quoi. Ah ouais, de fou, mentalité d'hétéro. C'est pas ça? C'est ça qui est bizarre, les hétéros sont homogènes. Le acquis des rois. Ah oui, il les a acquis des rois. Après, ils ont fait genre. Oh, en fait, voilà. Désolé. Ah ouais. Ah ouais. La Pride, c'est la seule manif que LV. En plus, fait, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui sont en mode. En vrai, Antestasia et Marguerite Stern. Enfin, je cautionne pas tout, hein. Mais il faut comprendre des choses quand même. Alors, sur la féminité. À ELV, chez les gens un peu plus vieux, il y en a. Mais les jeunes dont je parle, c'est trop des wokistes. Donc, oui, ils sont pas ça comme va, ça. Mais ça ce va. Que tu dis, je pense que t'en as plus ça chez les vieux. Et même à la fille, je pense. Hein.
tu dois en avoir des vieux un peu comme As. Hein. Ah ouais. C'est un peu les trans, c'est bizarre, tu vois. Ouais, après les trans, c'est bizarre à la limite, bon. Ça passe. Bah non mais tant qu'ils militent pas contre, c'est ce qu'on dit tous les jours. Oh là là, vous voulez pas comprendre. Dany a dit les trans, vous êtes bizarre. Oh bah voilà, vous le saurez. Hein. Non mais très vous bien, saurez, toi t'es dans le, on cancel sa famille. Moi je suis un chaser, moi. Quoi? Bah c'est ça mon étiquette, il paraît. Je suis chaser gender, c'est bon. Ah ouais. Ça y est, j'ai épousé hein, maintenant. Non mais oh. Est-ce que t'es toujours chaser quand tu te maries? C'est ça la question. Ok, JDG. T'as besoin d'un CM? Je suis pas un chaser, je me suis marié avec une question trans. Question pour le CM de JDG. J'ai un CM, calmez-vous, j'ai un CM. Après, si tu te maries pour... C'est un peu psychopathe, tu sais, de se marier pour l'alibi. C'est un mariage alibi. C'est quoi de chaser, Yacine Bellus? C'est les gens qui veulent coucher qu'avec des trans. Ouais. Ou avec un truc, mais souvent c'est utilisé pour les gens qui veulent coucher qu'avec des trans. Non, mais ou avec un type de personne, tu un vois. Un truc. Waouh, il y a des trans ou un thing. Truc. Hein. C'est dans les trans, The Thing. Vous avez vu, il est pire que moi en fait. We can always tell. Cette chose. Votre vote, elle dépend de votre mobilisation. Alors le 9 juin, faites le bon choix. Pour l'Europe. Ouais, on prendra la fille, ouais, on est d'accord. Pour l'écologie. En fait, eux, c'est horrible parce que les vrais écolos votent Fille et les vrais sous-dem votent Glucksmann. Attends, je veux juste voir un truc. Ils sont finito quand même. Oh non, le clip, bah oui, non, si tu prends. C'est un peu, les trans, c'est bizarre, tu vois. Ouais, après, les trans, c'est bizarre, à la limite, bon, ça passe. Bah non, mais. C'est bizarre, quoi. Les trans. Non, mais moi, j'en suis à un stade où la transphobie est tellement installée dans ce pays que je suis en mode, bon, vas-y, si tu me dis juste qu'ils sont bizarres, ça ouais. Va, ils sont queer, non, mais quoi. En fait, le problème que t'as, toi, c'est qu'en plus, bizarre pour toi, c'est pas forcément un défaut. Bah oui, bah non. Au contraire. Alors que quand les gens ils disent les trans, c'est bizarre, c'est pour oui, dire autre chose. Oui, bah parce qu'ils sont transphobes et que je suis pas. C'est ça la différence. Il est fou à lier, ce mec. Hein. Vraiment, bah oui, mais j'explique. Non, mais je vois ton esprit. Oh. Fatigue, je te hein. défends! Je te défends! Sois content, j'explique aux gens qu'ils soient pas psychophobes avec toi! C'est oui. Tout! Pour nos vies, votez pour la liste Europe Écologie. Ah, eux, ils ont un papier! Ils ont un papier! Ça pollue, hein! Ça pollue le papier! Ah, ils ont imprimé c'était, 80 000 dans le papier. C'était comme d'hab, le classique. Ouais, classique, Osef. Rien de très. En fait, rien de mauvais, mais rien de très bon, quoi. Pff, oh, la photo! Bah, en fait, non. Le C, c'est sécor, non, mais c'est réel, hein! En fait, le C est réel. C'est vraiment les pas d'effort, pas d'imagination, nul. Ah ouais, mais ça, c'était vraiment C, ça. Bah, c'est l'espéranto. C'est... Ah oui, ils avaient osé. Il y avait espéranto B. Espéranto en B espéranto tous les jours. B. Non, tu m'as convaincu, je suis d'accord. Espéranto B. Oui, oui, il y avait espéranto de l'acting B. Et tout. Ah non, moi, non, ça, c'est vrai, c'est vrai. Ça, on oublie. Ça, c'est pour eux. Oula. Oula! 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 Aïe, 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 aïe. La France fière. Aïe, aïe, aïe. Menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour. Putain, ils ont mis dans le titre, ils sont obligés de mettre les blasts tellement tout le monde s'en fout sinon. Ah oui, de fourrer, tu sens que c'est vraiment ça, la réflexion. Quelle France et quelle Oula. Europe allons-nous léguer à nos enfants? Oula. C'est la seule question que vous devez vous poser avant voilà, d'aller voter le 9 juin prochain. Je suis candidate au nom d'un peuple qui ne veut pas disparaître, submergé par l'immigration. Oh, oh bah ça y est, t'as plus raciste, plus vite que le RN. Ah ouais, ah ouais. C'est 10 secondes ah ouais, ça. Ah speedrun racisme. Au nom d'un peuple qui ne veut pas être islamisé hein, et renoncer à ses racines chrétiennes. Oh. Au nom d'un peuple qui n'accepte plus l'inversion des valeurs, le laxisme, l'effondrement de l'État devant les émeutiers, les criminels et les islamistes. Oh, le Shutterstock islamiste. Attendez. L'effondrement de l'État. Attendez. Les émeutiers, les criminels et les islamistes. Attendez. Vous croyez que c'est un Shutterstock? Ce qui fait rire, c'est le gars qui a pas aucune conviction. Il rigole. Il est là avec son couteau en mode. On est d'accord que c'est eux qui l'ont tourné. Non, je pense que c'est un vrai Shutterstock. Et le gars s'est dit, putain, ce que je fais pas pour 20 balles. Ah ouais, de... Pour 20 balles, je fais de ces trucs, ah ouais, moi. Ah ouais. Oh la menace. Après, Dany, il rêve de se déguiser comme ça pour carnaval un peu. C'est ça la vérité. Il est lourd le kéfir, ouais. Tiens, allez, vous avez vu les gens? C'est un peu tech. Vous avez vu? Vous avez vu comment je lis en lui? Waouh. Après, je porterai pas comme ça non plus. Ouais, allez.
Allez, islamiste. Allez. Un peuple qui n'accepte plus que les innombrables taxes et impôts qu'il paye servent à financer une immigration coûteuse et un assistanat sans limite. Oui, malheureusement, la France craque de partout. Et chaque jour, vous voyez l'endettement, l'appauvrissement, wow, le déclassement et la violence aggravée. Et comme moi, j'en suis sûre, cela vous indigne, cela vous inquiète et surtout, cela vous fait mal. C'est pourquoi vous, Français... Ah oui, le racisme, ça me fait mal. Ton existence me fait du mal. Hein. Ah ouais. Amoureux de notre pays. Parce que toi, Dani, c'est à force de subir le racisme que t'en es venu à cette conclusion. Le racisme te fait mal, quoi. En tant qu'islamiste. Ah oh, mais tu me imposes un personnage et tu veux pas l'assumer après. Aïe. Tu m'as envoyé un stylo qui n'est pas un stylo. Pas mal, hein? Biodégradable, il y a écrit dessus. Il a dit en tant qu'islamiste. Complètement con, ce mec, hein. C'est grave. Il est heureux, regardez-le, il est content. Il est content. Il a dit que je suis islamiste. Oh, on peut plus rigoler avec vous. Et allez où l'époque, Charlie TV? Ah non On peut plus rien dire. On peut plus rien dire, hein. Vous ne pouvez. Agression islamophobe. Oui, d'un islamiste, oui. À côté de ces élections européennes. L'Union européenne, telle qu'elle est gouvernée et fonctionne aujourd'hui, nous désarme, nous appauvrit, nous affaiblit. Oui, rends ta gueule, on t'écoute pas, on veut pas t'écouter. Vous pouvez prendre le pouvoir à Bruxelles. Vous pouvez renforcer une majorité de droite au Parlement européen. Vous pouvez également battre la liste LFI et ainsi bloquer. Allez, ils ont peur de nous. T'as vu? Gros, c'est précis, hein. Leur focus, c'est les filles, hein. C'est la pas France Macron islamiste, tout, hein. Et les filles. Ok, wow. La menace que représente l'extrême gauche. Je vous en prie, ne passez pas à côté de cette occasion unique, historique, de pouvoir enfin changer les choses. Ah, ils les veulent, leurs 7700 euros. Ah, ouais. En votant pour notre liste, vous aurez des élus pour obtenir le renforcement de nos frontières. Ah, vous le mur, t'as vu, le mur, il met un mur en mode regarde. Les frontières, on va faire la même chose. Des le sous-entendu un peu, on va construire des murs. Elles vont être belles, les plages de la Normandie avec des murs. Arrête, frère. Pour défendre nos paysans. C'était le mur de Trump, vraiment? Par contre, c'était vraiment le mur de Trump? Wow. Fanatisme, c'est fou, vers des écolos. Ah, le fanatisme vers des écolos. Oui, allez, allez, face allez. Au wokisme. Oh, allez, allez. Oh, aux offensives islamiques. Après, pour toi, t'es d'accord avec elle? Bah là, je suis. T'as dit LGBT, t'as dit les trans, et islamiste. Je rigole. Moi, je me sens concerné par ce discours. Protéger nos entreprises et notre industrie dans la guerre commerciale qui nous oppose notamment à la Chine et aux États-Unis. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous allez voter, vous êtes sûr d'avoir des élus. Parce que les élections européennes, c'est un scrutin à un tour proportionnel. Oui, allez, pour allez, avoir allez, des élus, allez, allez, il suffit simplement de passer la barre des 5. Ah ouais, ah, ils vont pas la passer. Allez, vous la passez pas. Ils vont la passer ou pas? Je sais pas. Les sondages, ils disent qu'il la passe. Ils disent quoi sur Zemmour? Il la passe les 5 ou pas? Faut pas qu'il la passe en vrai. Hein. 7%. Ah, oh, putain. Ah. 4,9. Non, mais 7%. Il dit 6, 7. Donc, ça veut dire 2-3 élus, quoi. Pourquoi il y a autant de racisme dans ce pays? Frère, hein. C'est insupportable. Et puis, vous votez pas. Sans oublier les 30% qui vont voter Le Pen. Ouais. Ah, bref, ouais, ouais. Mais là, dans ce chat, surtout ça, oui, mais moi, je suis comme Bégodeau. Moi, je vote pas ça. Oui, moi, non, mais moi, je trouve que ça. Moi, je regarde des vidéos de Bégodeau. J'ai regardé 2 millions de vidéos de gauche. Je suis de gauche, je ne vais pas voter. C'est de gauche, je ne vais pas voter. C'est nul. Oui, ça va être de gauche. Tant pis. Je ne céderai pas à la dictature du vote. Juin, voter utile, c'est voter pour la liste et les élus qui défendront le mieux vos convictions, avec le plus de force, de détermination et surtout de loyauté. Le 9 juin, vous pouvez faire le choix de rompre avec tous ceux qui... Ta gueule, mais ferme ta gueule! Oh, ça va en nazi direct. Hein. Ah ouais, nazi. Ah, la musique en plus de guerrier en scène derrière. Ah ouais. Je m'y engage. Alors le 9 juin prochain, oh, votez pour proche, notre liste Rocket. Non, t'en secours. Ah, 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 ça m'a donné des frissons. Ah. Allez, allez, hop, hop, nazi, tac, allez. Oh, ils vont bien, regarde. Ah ouais, la brochette de nazi. Ça se voit, les gens. Ça se voit que c'est des nazis. Oui, mais eux, c'est les nazis fous. Ouais, nazis fous et nazis prom dog, là. Ah ouais. Ah ouais. Ça se voit un peu. Hein. Ah ouais. Elle est bien cette tirée. Je trouve qu'elle commence à ressembler à quelque chose. Ouais, il y a un truc qui se passe. Et la fille, du coup, c'est quand? Je crois qu'il y a un épisode 2 après. Hein. Ah oui, ah oui, ok. Avec Marion Maréchal. Oui, allez, 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 allez. Oh 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 putain. Oh. Alors. Alors. La France Insoumise. Je vous en supplie. Qui nous écoute. Essayez quelque chose, une petite chanson sous IA. Non, mais si on critique, c'est esthétique. On oui, sera là. On va voter. Non, mais mettons-nous d'accord. Je suis avec vous.
qu'est-ce, quoi qu'il arrive avec ce quoi clip, qu'on pense, quoi qu'on pense du clip, on va voter pour eux. On va mettre Manon Aubry dans l'urne. Ouais. Ça, on est tous d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, nous serons sincères sur le clip de campagne. Nous allons dire la vérité. Oufla. Oula. Ok. C'est quoi ça ? Qui pour baisser ma facture c'est d'électricité ? C'est quoi ce téléphone ? C'est le téléphone d'Anaïs. C'est sur Firefox OS, ça. Le mec, le fait que tu connaisses ça. Oh, l'intégration digne d'un clip de rap, hein. Avec Gelada l'écrit, hein. Il demande à ChatGPT pour qui voter ? Vous êtes sûr de vous, là ? Ouais. La team Cook. Si vous voulez faire la bifurcation écologique, votez. Si vous n'en... Ah, ils sont un peu malins. Au lieu de se prendre en train de se filmer de manière malaise, oui. Ils prennent des bons extraits de discours. En mode, regardez, vous nous avez vu sur TikTok être basés. Vous avez vu sur Glupatate. Gros, mais en fait, ils sont trop cons. Fallait que ça soit Glupatate qui monte le clip de campagne, frère. Ouais, mais là, ça aurait été trop hard. Avec de la grosse funk, là. Ah ouais. Grosse techno. Et Glupatate, tu fais quoi là ? Pourquoi les gens Glupatate, il aurait monté le clip de campagne ? Ça aurait été incroyable. Vous n'en pouvez plus du patriarcat, votez. Si vous voulez la paix à Gaza, votez. Si vous voulez protéger nos emplois des délocalisations, votez. La France insoumise aura fait une belle liste d'ouverture. Beau crâne, hein ? Rassemble nos combats et ouvre les bras aux orphelins de la NUPES. Et quand la gauche est réunie, avec des vraies valeurs de gauche, sans concession, sans trahison. Je crois que c'était un écolo déterminé, avant lui. On change réellement la vie des citoyennes et des citoyens. À vous ! Pour moi, c'est pas Shutterstock. Ouais. Qui subissait l'explosion du coût de la vie pendant qu'une poignée de multinationales se gave. Venez nous aider et faisons du 9 juin un grand référendum contre cette cure d'austérité. La santé, la sécurité, les conditions de travail doivent passer avant la recherche du profit effréné. La voilà, notre Europe ! Aux 12 millions de personnes qui vivent dans des passoires thermiques, venez voter le 9 juin pour le seul groupe au Parlement européen qui va faire baisser vos factures. Lorsqu'on s'en mêle, comme l'ont fait les travailleurs ubérisés, tout change. Et pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens, nous sommes le camp de voilà, ils vont mettre Rima et le vieux à la fin, quoi. Toujours d'être du côté des défavorisés, des humiliés et des oubliés. Je vous propose de faire du 9 juin le grand pot de départ de Gabriel Attal, d'Ursula von der Leyen. Levez-vous et dites-leur que nous allons en mettre fin à leur politique de malheur. La liste de Manon Aubry est à son... Ah voilà, le vieux, le vieux, compétent, le vieux. Nous avons besoin de sa victoire car le vote du 9 juin commence l'après-Macron avec Manon Aubry. Dès le 9 juin, donnez-nous. Ça, c'est mon vieux! Tout changer bientôt. En fait, ce que j'adore, c'est que t'es là. Ça, c'est mon vieux. Oh, le nombre de gens! Oh lolo. C'est les gens, j'ai juré. Désolé! Non, mais niquez-vous! Arrêtez! Vous êtes dans le déni! Zone insoumise, là! Alors, c'est... Attends! Moi aussi! J'ai des arguments pour défendre. Oula, oh non. J'ai des arguments pour défendre les téléphones au début. Non, c'était trop laid l'effet. C'est l'idée l'effet, pas mauvaise. L'effet, voilà, je vois l'idée. Le fait de prendre le meeting plutôt que faire une voix off. Voilà, ça, bonne idée. Ça, comme c'est nous, bien. Quand on a fait notre teaser, on s'est dit on va prendre des extraits de live et au lieu de faire une voix off malaisante. Et notamment les moments où tu fais le moutage d'Hitler. Non, non, mais arrête, ça c'est... Ah putain, oui. C'est pas vrai, ça, y a pas eu. Y a pas eu ça. Mais sinon, attendez. Moi, en fait, mon cœur veut le mettre en B. Non. Laisse-moi finir ! Regarde le niveau de B. Ils méritent le B, frère. Arrête ! En fait, mon cœur veut le mettre en B. Mon esprit... C'est le moins pire des classiques. Oui, ça, c'est vrai. Oui, donc B. Ils méritent le B. C'est la fille. C'est nos poulains, frère. Nos poulains. C'est pas l'inverse, plutôt. Ah non, c'est nos petits, quoi. C'est ouais, nos petits. Ils nous écouter, sinon ils ont plus de ligne. Non, mais les gens... Waouh! Non mais les gens, j'ai juré que B ah, en dessous de Roussel. Ah, nique ta mère, il n'y aura jamais de A. Tous les jours en dessous de Roussel, les gens. Les désolé, Roussel, est-ce qu'il y avait le vieux qui a ouvert un frigo? Les gens, le vieux aurait ouvert un pour frigo. Pour sortir un steak, ça allait estière. Il y avait le vieux qui ouvrait un frigo.
filmé de l'intérieur du frigo en sortant un steak, mais c'était STR. Ce que je remarque, pas de Shutterstock, c'est quand même mieux que le reste. Pas de voix off cringe, pas de plan cringe. Oui. Ils ont pris des extraits de meeting, ça, c'est pas si bête. Ça, c'est cool. On comprend les idées sont claires. Il y avait des idées dedans. Les idées sont claires. En vrai, c'est le meilleur des classiques, mais c'est quand même un peu classique. B, c'est très pour bien. Pour moi, ça va avec Parti Pirate. Et les Espéranto. Et les Espéranto. En vrai, ah, c'est pas possible. Ah, les gens l'ont ah, eu. Ah, c'est pas possible. Un épisode de Baron Noir, ça, je sais plus. Et là, on est Roussel dans un frigo. Désolé, c'est au-dessus. Les gens. Tous les jours, c'est au-dessus. Tous les jours, ça encule la fille. Politiquement, bien sûr que non. Non, mais là, c'est pas le vote politique. Bah oui, sinon... On va mettre le vote politique, on va mettre que la fille en haut et tout le reste en bas, et vous serez contents. Bon, la suite, allez. Allez, plus que 6 minutes de bonheur. Oula, Equinox. Oula, oula. Non, mais après, franchement, le clip est pas si mal. Et moi, j'aurais mis plus du vieux, fallait le vieux qui crie. Non, mais ça va, mais après, il fallait pas non plus, mais oui. Fallait le vieux, fallait un non, truc, non, mais c'est quoi. Toujours leur strat d'essayer de mettre en avant leur poulain. Oui, je suis d'accord, logique. Mais moi, j'aurais mis plus le moi, vieux. Moi, j'aurais mis même. Rima Hassan et le vieux. Oui, c'est ça. Le truc qu'ils veulent pas faire, mais qui marche. C'est arrêtez ce qu'il fallait faire, assumez, il y a tout que ça. Tout le monde aime Rima Hassan, tout le monde aime Mélenchon. Vous mettez un drapeau palestinien énorme. Voilà. Et vous dites, bon, année de merde, on veut faire plein de trucs sociaux. Mais là, c'est LGBT. La Palestine. Mais là, bordel de merde. Et voilà. À la limite, tu mettais un petit Sébastien Delogu, puis voilà, bon, pas trop de rapport avec l'élection européenne, mais vas-y. On les fout là au pif. Bah ouais. Et là, on était bien. Non, mais glupatate. Un clip en arabe avec des chants de sourate. Non, mais arrête. Ah oh ouais, là, c'est vraiment la France islamiste. Écologie, Equinox. Écologie pratique et renouveau démocratique. Oula. Oula. Oh putain! Oh la musique, frère! Open shot! Oh! Attention! Oh! Retrouver un cap! C'est comme l'autre! Oh, je suis déçu tout de suite! Wow. Attends, mais là j'ai cru que j'étais dans anti-vax, un. Dans un Christopher Nolan là! Nous traversons une époque troublée, secouée par des incendies et des inondations partout dans l'Europe, jusque dans nos foyers. Une époque orageuse, traumatisée par des responsables. Politiques qui font la sourde oreille au peuple. La chemise est pas si mal, mais elle marche bah pas. Bah oui, mais la musique est bien. Aux lanceurs d'alerte et aux scientifiques. Au cœur de la tempête, on peut se sentir déboussolé, perdu, découragé. Et c'est pour cela que nous avons créé Equinox. Comme un sursaut. Un sursaut démocratique. Après, j'ai vu leurs militants, j'ai plus envie de les aimer. Ne vous offre pas de solution magique. Bah, c'est quoi vos idées ? Equinox, c'est construire notre programme avec une méthode en trois temps. Constat. Cartographier le réel et partir des faits scientifiques. Constat. Aspiration. Se doter d'une boussole et imaginer le monde de demain. Ultra fort. Proposition. Tracer un chemin concret et pragmatique. Equinox, c'est la qualité du débat. Le rejet des dogmes, le dépassement des clivages. Aïe, aïe, oh là là, ni de gauche, ni de droite. Ni de gauche, ni de droite, ni de droite. Pour moi, ni de gauche, ni de droite, ni de droite. C'est moi qui ai l'argument. Leur nom, on est d'accord que leur nom, c'est un nom de chaîne YouTube mid. Il va faire des débats mid. Genre, esprit critique, là. Ouais, voilà, un truc comme ça. Nox, comment il s'appelle la nouvelle pensée critique, genre. Lucie. Ah, tu vas y passer. Reprendre espoir tout en restant réaliste. Equinox, c'est fondamentalement croire en l'avenir. Car l'avenir croit en nous. Le 9 juin, votez pour relocaliser notre agriculture et notre industrie. Votez pour les énergies renouvelables et le nucléaire. Votez pour démocratiser l'Union européenne et simplifier son fonctionnement. Le 9 juin, votez pour l'écologie pratique et le renouveau démocratique. Le 9 juin, votez pour Equinox. Ouais, ok. Bah, on va regarder ou pas? Ouais, vas-y, va voir Equinox. Envoyez le site. Envoyez le site, s'il vous plaît. En balle, hein, par contre. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un truc. Quand tu fais un clip de campagne et que tu dis rien sur la Palestine, c'est un peu red flag. Hein. Ouais, de toute façon, pour moi, on comprend pas leurs idées, donc ça... C'est peut-être des... Non, c'est C, c'est ouais, classique. C'est classique. Moi, j'ai bien aimé la musique, un peu. Ouais, ça allait, mais bon, c'est vraiment classique. Remets le chat. Ouais. Ouh là là.
comprimer votre bulletin. Ah oui, ouais, c'est vrai. Dirait... Oh, il n'y a rien, gros, il n'y a pas d'idée, on ne sait pas. On ne comprend rien. Regarde, c'est genre le débat. Le débat. Apéro. Oh. Nos mesures, alors, sortir des énergies fossiles. Consolider les défenses européennes, déjà, c'est red flag, frère. Les gens qui veulent faire une armée européenne, ouais, c'est red flag. Anticiper les flux migratoires Oula. Entraînés par le dérèglement climatique. Ils veulent accueillir, je crois. Et accueillir avec dignité et responsabilité. Okay. Ok. Développer le train. Ouais, un peu écolo-macroniste. Ouais, quoi. Écolo-gentil, quoi, j'ai l'impression. Écolo-macroniste, moi, j'ai l'impression. Mais c'est pas un mec de la primaire populaire qu'il y avait à gauche, là ? Je sais pas, on s'en fout. Dans tous les cas. On s'en fout, on les aime branle. Pas. Ouais, c'est. Ah, c'est des macronistes fans de Reddit Janko. Reddit France, oh, c'est réel ? Oh. Très Reddit France, tout ça. Oh. Défendre les enfants ! Oh. Anti-vax. 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 Anti-vax, anti-trans. Direct. Bonjour. Les femmes et les hommes qui se sont engagés pour la liste Défendre les enfants ne veulent plus entendre des parents aptes et aimants leur dire « Je suis détruit, c'est fini, je ne verrai plus mes enfants ». Nous nous battons pour l'application dans les faits, je dis bien dans les faits et pas juste dans les discours, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous voulons l'état de droit, faire évoluer cette justice familiale qui fonctionne si mal et est violente avec les enfants, les parents, les grands-parents et même avec les juges. Wow, wow, il a de l'émotion. Qui subissent les sous-financements chroniques et le manque de temps. Bah parce qu'il manque de temps. Oui, pour mais pour clip. Quel sujet ? Sur quel sujet ? Bah, les droits des enfants. Nous avons fait sur la pédophilie de 10 associations et collectifs qui protègent des enfants, aident et soutiennent des parents et des grands-parents. Ensemble, nous sommes coordonnés au niveau national pour porter ce combat. Pédos, non, mais ça se trouve, c'est des anti-pédos. Mais peut-être pas, les gens. Mais vous êtes des oufs, ça se trouve, non, le gars avec un truc anti-pédos. Son. Je pense que c'est anti-pédos, justement, je pense. Justement, je pense que ça se trouve, le gars avec un truc son, vous en savez rien. Oui, de fou. Et d'oser. D'oser. Non, mais c'est juste que proposer que ça, bon, oui, ok. Après, des fois, les antipédos, des fois, ils tombent dans des trucs bizarres aussi parce qu'ils sont trop tricks. Oula. Mais non, mais c'est oh, genre en mode Pizzagate les pédos, un peu. C'est des anciens victimes. Mais non, mais. Mais ta gueule, l'islamiste ! Oh. Non, mais le truc en mode Carl Zero, Pizzagate, premier dog. Ils deviennent complotistes bizarres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je te jure, c'est vrai. Y a comme un, le y a côté anti-vax, c'est nos enfants ! Oui, voilà. On va masquer nos enfants ! Voilà. PN. Il y a trop d'enfance meurtrie, tellement de violence et de laisser-faire, oui, je crois que c'est d'abandon ça. Des enfants à leur sort. Il y en a marre des mêmes politiques répétées année après année. Nous proposons des solutions pour plus d'égalité parentale, pour ne voir que des placements nécessaires, pour aider les enfants sous emprise psychologique, combattre le harcèlement à l'école, l'ensemble des violences intrafamiliales, les violences physiques et sexuelles, lutter aussi contre la dépendance aux écrans et l'exposition des enfants au contenu pour adultes. Oula. Va sur le site, je veux juste vérifier un truc. Défendrelesenfants.eu. Va, envoyez-nous le site vite fait. Nous devons combattre tous les fléaux qui touchent les enfants. En balle de balle. Le 9 juin, ce sera en votant pour la liste Défendre les enfants. T'as quand même les enfants et les animaux qui ont leur propre parti. Hein. Oui, attends. Avis sur les enfants trans. Oui, voilà, c'est ça que je veux voir. Défendrelesenfants.eu. Je veux juste voir un truc vite fait. C'est étrange. Oh, moi, je suis terrifié de ce. Programme. Défendre les enfants, défense effective de parents. Notion de service public, logements sociaux, justice familiale. C'est léger, hein. Juge, clarifier les rôles, les faux témoignages et les dénonciations calomnieuses. Oula. Hein ? Une police mieux formée et mieux financée. Hein ? Transition numérique, ah bah non. Retour aux sources, inégalité, profiter du respect des lois, services sociaux, transparence. Non, c'est transparence. Égalité parentale, homme-femme. La recherche de la récupération du temps perdu, hein ? Ouais, bon. Ok. Ils ont pas l'air transphobes, hein ? Ça a l'air d'aller. Ok. Bah, ils défendent les enfants, écoutez, ils basé. Ont pas, mais on... Ils ont pas l'air transphobes mais en premier abord. Mais le clip était éclaté, par contre. Oui, le clip était éclaté. Pour moi, ça part en D. Hein. Oui, ça part en D, le clip était éclaté. Et puis, bon, une seule idée, quoi. Après, il avait un peu d'émotion, mais un peu trop. Ouais, trop. Ouais. Mal géré, le deliver ouais, émotionnel. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. L'Europe, ça suffit.
notre liste va oula faire... Oula oh anti-vax 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 nazi. Alors, donc ça, c'est le candidat Damien Ouen. Super. Exploser le système. Personne ne réformera l'Union européenne. Il faut la détruire avant qu'elle nous détruise. L'Union européenne nous vole nos libertés. Elle nous traîne elle nous vole vers notre la troisième travail. Guerre mondiale. Ah non. Tu vois qu'un plan avec une télé derrière, c'est une mauvaise idée. Ouais. Elle ouais, saccage notre industrie, notre santé, notre agriculture, notre énergie. Elle organise l'immigration massive. Corrompue, elle nous ruine. Notre liste se bat pour le Frexit. Putain, oh la manif. Oh putain. La sortie oh, putain. De la France de l'Union Européenne. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh les. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Pour la paix et nos libertés. C'est nous qui avons mené ces dernières années concrètement le combat contre les mesures folles du Covid et pour la paix en Ukraine. Vous pouvez donc nous faire confiance. Beaucoup de nos compatriotes ont cru que l'Europe nous protégerait. Rien de Frédéric Poisson. Tout cela n'est vrai. L'Europe ah mais lui c'est un truc, c'est un mec sociale. Qui était à la primaire de la droite avant lui. Il faut en sortir. Si le passe nazitaire. Je m'engage sur cette liste parce que je pense à nos enfants. Je me suis battue pour les protéger de l'odeur du pesticide pendant. Voilà anti-vax. Elle me rappelle quelqu'un. Anti-vax. Ah ouais. Moi aussi. Hein. Ah ouais. Je sais à qui tu penses. Hein. Ah ouais, j'ai une amie comme ça. Ah ouais. Toi aussi. Hein. Ah ouais. Je me bats pour qu'on ne les envoie pas à la guerre, en Ukraine ou c'est ailleurs. Le même discours, c'est parce que nous devons offrir aux générations pareil. Futures. Ah bah tiens, ça a écrit dans le chat. Tiens, ça s'est reconnu. On se demande pourquoi. Libre d'humanité et d'espoir qu'aujourd'hui je dis l'Europe, ça suffit et vive le Frexit. L'élection européenne, c'est un seul tour à la proportionnelle intégrale. Si vous votez pour vos convictions. Vous aurez automatiquement des élus qui portent vos convictions. Et... Alors, regardez. Putain, c'est promesse, le trio. Allez. Allez, nazi. Hop, ça dégage. C'est pas compliqué. Oh oui, Rima, ça fait plaisir. Putain, t'as raison, c'est promesse de fou. Gros. C'est ce qu'on voit tous les jours, frère. Oh, c'est une dinguerie, hein. C'est incroyable. Qui est Samos, qui est Raph, par contre. Je sais pas. Pour moi, Raph, c'est Philippot, mais c'est méchant. Et Samos, il est à gauche. Ah, j'avoue, ça, il est un peu plus Samos. Ouais. Ok. Bon, les anti-vax, ça suffit. Hein. C'est vraiment une blague pour trois personnes. Hein. Parti animaliste. Oh, oh oui, mes préférés. Les animaux comptent, votre voix aussi. Oh, les animaux. Ah, les animaux qui peuvent pas voter. Attendez les gens. Attendez pull-up. Oh quel banger. Pull-up. Elle est dans son délire. Elle est dans son délire. Après gros Wissam il va voter pour ça. Il va voir le clip et là ils sont trop mignons les animaux en fait. Elle aime trop les animaux. Les animaux sont trop mignons. Oui j'ai rire en fait. Ils aiment bien les animaux. Moi je m'appelle Sacha et j'ai 11 ans. J'ai découvert le parti animaliste. Quoi, qui est convaincu des enfants de 11 ans. Tu non peux pas attends, voter, mon ref. Tu peux déjà, tu peux pas voter. Et gros, ils ont réussi à filmer avec une webcam de 2012. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu sais, les grosses webcams rondes là qu'il y avait là. C'est pixel. Oh, les chiens de fou. Les chiens terrifiants. Puis bah, donc, l'étard. Ou c'est l'étard. Oh, c'est l'étard de fou. Et je trouve pas ça normal qu'on puisse leur faire du mal. Bonjour. Wow, wow. Autant le gamin, tu vois, j'étais... Bon, ça va, il est mignon, tu vois. Utiliser son droit de vote pour le parti animaliste, c'est voter pour ceux qui ne peuvent pas se défendre, c'est voter pour les animaux. C'est voter pour en finir avec les animaux entassés et mutilés dans les élevages oula industriels et intensifs. C'est voter pour en finir avec les abandons. Pour en finir avec la cruauté infligée aux animaux lors des corridas, de la chasse, lors du gavage, des expérimentations animales. C'est voter pour en finir avec l'abattage sans étourdissement. Non! Non mais attends, moi je suis d'accord avec eux! Zinedine, pas maintenant! Je suis d'accord avec eux! Moi je veux bien les étourdir avant de les abattre. Moi ça me dérange pas qu'elles soient étourdies si s'il y a que ça pour vous faire plaisir. Mais non mais... Après ça serait quand même mieux. Ah oui.
consentement. C'est voter enfin pour que les animaux soient protégés. Horrible. Hein. La façon scandaleuse. En vrai, c'est horrible, gros. À vous, la viande serait meilleure s'il était dehors. Dont nous traitons les animaux a des conséquences graves et évidentes sur les humains et sur l'environnement. Les pollutions. On a dit, on n'insultait pas les cochons. Respectez les cochons. Les pandémies, les maladies, le gaspillage de ressources, le dérèglement climatique sont autant de risques. Qu'est-ce qui. Attends. Ils sont cons. On est d'accord qu'ils sont complètement cons de s'être mis sur ce bout de glace. C'était sûr que ça allait mal se passer à un moment. Genre, ils ont juste dormi tant que tout fond. Oui, non, c'est ça. Mais oui, ils sont venus là, ils ont fait exprès. The victim blame les ours polaires. Est-ce que notre modèle agricole actuel fait courir aux humains. Pourtant, il y a de l'espoir. Une autre société est possible. Oh là, le fusil là, bam. C'est lui le pire. Hein. Non, c'est pour dénoncer la cruauté. Envers tous les individus, les humains et les animaux. Oh, ça te fait pas mal au cœur de les voir dans des cages. Y a, on dirait un clip d'électro, un peu, tu sais, avec le flash. Comme les clips de Justice à l'époque, où ça se filmait en boîte de nuit avec un flash. Elle vient de taper les une trace aux toilettes. Les animaux ne peuvent pas voter. Vous, vous le pouvez. Le 9 juin prochain, votez pour le parti animaliste. Moi, je leur ai donné ma vie. Oh putain. Ah waouh. Eh ben super. Eh ben voilà les animaux. Voilà les véganes, vous êtes potes avec Brigitte Bardot, la raciste. Allez, hop. Allez, voilà votre ami. Oh, ah bah super, hein. C'est ça votre team que vous avez choisi. Bah non, désolé. Hein. Oh putain. Désolé. Hein. Alors vie. Alors vous, donnez-leur votre voix. Merci. Vas-y, je les classe. Hop, partie animaliste. C'est là. Tac. Non, mais non. 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 Non, ça va. Non. Ça va en C. C'est clairement des nazis. Non, non. Ça va en C. Quoi? Bah, ils ont fait le clip quand on attend. Non. Gros, il y avait un enfant filmé sous webcam au début. Ça va en Asie tout de suite. C'est le seul truc. Les, gros, il y avait les jeunesses animalistes. Ça te rappelle rien? Les enfants là. C'est où les enfants déjà? Allons, enfants. Voilà. Bah, ouais, les enfants, les animaux, ils se plaignent beaucoup alors qu'ils ont un parti pour eux. Hein. Oh, c'est la vie le plus con. Sur 37 parties, on a quand même au moins un pour eux. C'est pas mal. Moi, j'aimais bien en Asie, mais bon, tu veux pas assumer le coup. Non, mais gros, c'est OK, Brigitte Bardot, mais là... Désolé, hein. Et regarde quand tu regardes la ligne D, frère. Ah ouais, elle est cœur. Imagine, pauvre, tu rentres dans le métro et il y a tous ces gens-là sur la ligne. Assis dans le compartiment. Ils parlent entre eux. Moi, j'angoisse direct. Sur le dessus, là. Ouais, ils sont tous là en mode... Ah ouais. OK. Ok. Il en reste pas encore un peu ? Bah. Payez-moi, je vais sortir du salariat. Non. Mais attends, il nous faut les clips 2. Vous pouvez nous les trouver, les clips 2 ? Il nous manque un objecteur de conscience. Bon, pour l'instant, la liste, elle me plaît quand même. Hein. La liste est basée. Tu sens que les S, c'est des S. Que les SS, c'est des SS. Les A, c'est des A. Les B, c'était l'avoir mis. Pas encore sorti. Ah bon ? C'est pas encore sorti ? Oh non, il y a pas tout eu encore. Oh. On va faire une partie 3 pour les 3 qui restent, quoi ? Peut-être ici. Ah non, je recommence pas. Non. Demain, je crois. Après, vérifie vite fait. Non, mais c'est demain, il y en a qui disent partie 3. Ah, quoique, frère, hein ? Regarde. Financement chronique. Ah non, en fait, t'as raison. Non. Non. Manger notre. C'est littéralement ce qu'on vient de voir, ça. Ouais. Non, t'as raison. C'est une saga, ouais, bon, on verra pour les derniers. Bah, On les fera peut-être en vite fait. Oh putain, par contre, là, ça va être chiant de refaire la liste. Hein. Ah ouais. On peut pas la sauvegarder, normalement, si tu gardes ton lien.
Non, frère, copie le lien que t'as là. Attends, arrête ! Attends, je t'envoie ça dans le doute. Non, oui, dans le doute, dans mais le après, doute. Tu m'envoies le lien, tu le pines, et normalement, quand tu la rouvriras, ce sera la même, moi, sur la tier list métal, c'est ce que j'avais fait, ça marcherait. Ah ouais ? Ouais. Tu peux save. Login to save. Ah. Non, non, t'as... non, je te jure, si frère. Je crois que j'ai un compte en plus. Attends, je pense que j'ai un compte. Login ? With Twitter. Ouais, with Twitter. Ok. Attends, je remets la tier list. PC de la manifestité toxique. Oui, gros. C'est quoi ce truc? Save. 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 Ah! Mets un titre! Mets un titre! Les européennes. Oui. Non, mais je mets oui. Puis on la réouvre. Oui, oui, voilà. Ah, c'est bon, allez sauvegarder. Ok. Ah! Remix. C'est ça qu'il faut oui, faire. Oui, c'est après. Ça après, ouais. Oui, voilà, parfait. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, les gens. C'est bon, save. Les gens. Allez, c'est sauvegarder. Safe. C'est sauvegarder. Safe. C'est sauvegarder. C'est safe. C'est safe. C'est safe. Vous voyez rien, oui, mais je faisais ça. Oui, au c'est cas normal, ne vous inquiétez pas. Ok. Ok, c'est bon. Ok, bah. Ok, pas mal, hein. Attends, là, attends, faudrait qu'on la remate un peu. Attends, je l'ai screen, du coup, je vais pouvoir l'ouvrir. On la remate en vite fait. Pour revoir. Ouais, elle est bien. Franchement, elle est basée, notre tier list. Hein. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir contre cette tier list. Au final, moi, mon vrai S, c'est le PCF. Ouais, mon vrai S du cœur. De fou, pareil. Parce que bon, les abeilles et tout, c'est pour gaulerie. Ouais. Mon alors vrai... que le PCF. On fera à la fin, tu vois. Mais pour moi, PCF, c'est le rang S. Oui, hein. C'est le top 1. Le plan frigo, les gens. Le plan frigo. Après, ouais. C'est dommage, la fin était moins bien, mais malgré oui. Tout. Et puis, gros. Roussel était le meilleur, c'était le plus charismatique. Le fait que Denazi soit tout en haut. Mais non, mais c'est SS. Mais ouais. C'est. En fait, c'est ça, personne va. Il y a les mauvais Denazi. Non, mais personne va comprendre la blague. Non, mais oui, non, mais la tier list n'est pas finie, on la refera à la fin. On va quand même préciser que c'est des nazis, quoi. Ça veut dire que c'est des nazis. Ça va, on a dit c'est des turbo-nazis. On est bien. Oui. Bon, on finit par tissu. Ouais, tissu tranquille. On fait le petit tissu et puis ça ouais, dégage. Et puis ça dégage, parfait. Brutaliste, il s'habille pour 0 euro par an. Ça va être incroyable. Oh, ça va être un banger. Alors, Toby Lofi. Sachez une chose. Il est anti-tissu déjà. Toby Lofi a dit « Je déteste tissu, c'est la pire série, je comprends pas pourquoi vous regardez ça, donc le même avec vous. » Ce mec n'aime rien. Par contre, il a dit « Par contre, je viens de voir le nouvel épisode et il est vraiment bien. » De fou. Putain, ça a pas fait de vue l'épisode 2, vous êtes des bâtards les gens. Partagez à vos amis. Oui, partagez un peu quand même. Bah ouais, en fait, ce qui m'énerve, c'est que là, on leur prend des vues, ça me saoule. Mais ouais, bon, mais bon, en moi temps, les gens ils découvrent la série. Oui, quoi. Oui. Quand je me mets avec le compte d'Aniraz parce que et ça, les gens, allez mettre une vue, ça dure, j'ai juré, ça dure 9 minutes, les gens. Je vous envoie le lien. Ouais, mettez le lien, mettez des likes et mettez plein cool. De com. Mettez... Pour ceux qui connaissent pas, ils parlent de, en mode un peu humour, second degré, mode de et fringues, sociologie. Et sociologie, voilà. C'est ça. Allez, c'est et parti. Ils sont vraiment cool et tout. On regarde ça et ça sera la fin du live. Voilà, mais c'était bien la partie 2, je suis un peu. C'est un peu pouf. Parce que j'aurais bien aimé voir l'UPR, tu vois. Oui, mais la prochaine live, prochaine oui, live. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Charlie, je suis désolé. Je sais que c'est les seuls, c'est le rush en ce moment. Mais hier, j'étais à la crémaillère de Niska, jolie petite sudette, by the way. J'ai fini dans un jacuzzi avec Depardieu et Matt Pokora, c'était pas ok, mec. T'inquiète, de toute façon, en vrai, y a personne en ce moment à la boutique. Ah ouais? Et puis je parle avec ton dealer, il est hyper cool, hein. Y a mon dealer qui est. Hein? Bah ouais. Mais franchement, Bonnie, un mec avec un 33-10 en 2022. Je sais que je sors pas beaucoup, mais... Mais Charlie, c'était pas du tout mon dealer. Hein. C'est mon pote Anubis des Beaux-Arts, il est là pour animer l'atelier sur cyclage. Anubis, ça va, mec? Ça va, Bonnie? Alors... Quoi de neuf au squat? Encore quelques 4 galles, mais à part ça, ça va. Puis les punaises de lit, tu sais. Tout est vrai. Tout m'a quoi fait de neuf souffrir. Au squat, les oh, de la gale. Quoi, cool. On a la gale. Il y a des punaises de lit. C'est tellement réel. Merci de prévenir. Hey, goûte-moi ça. C'est ma nouvelle infusion à base de plantes du Costa Rica. Et c'est Mila, ma pote Doris, qui me l'a conseillé. Bah ouais, on sent vachement bien les plantes. Ouais, c'est vraiment ça, ces boissons de merde, là. T'es là, oh. Qu'un 33-10, mais qui est pas dealer. J'ai jamais vu ça. Et ça, c'est parce que c'est un brutaliste, regarde. Il porte le même pantalon de bleu de travail depuis 2018, une veste en jean pimpée à l'aérographe, au-dessus d'un t-shirt d'un groupe de post-rock allemand obscur,
Il a des lunettes DIY custom avec des bouts de sa machine à tatouage. Tout est réel, là. S'il n'est pas pieds nus, il a toujours ses Vibram. Ce genre de délire, ça me rappelle grave mon ex. Ton ex ? Ah oui, mon ex brutaliste. Celle qui utilisait toujours des pinceaux pour faire des chignons. Je vois pas. Mais si, celle qui portait toujours des pulls oversize confectionnés avec des techniques de pliage japonais au nom à la con. Charlie, celle qui avait toujours des margiela parce que ça lui évoquait la déconstruction du vêtement. Elle portait toujours les prototypes de ses pantalons en cuir de cactus qu'elle fabriquait avec des migrants pour ses projets scolaires. Waouh ! Voilà la description ! Si, c'est la meuf qui était toujours en free party. Voilà. Et qui finissait toujours par parler automédication et vin nature avec Gérard, l'agriculteur. Ah voilà, ah, on a les... Ah là là, c'est gentil. L'agriculteur du champ où elle venait de faire la fête. C'est ça. Celle qui faisait des petites sculptures en plâtre, de vagin. Oui, la connasse. Oui, la connasse. Tour du champ où elle venait de faire la fête. C'est ça. Celle qui faisait des petites sculptures en plâtre, de vagin. Oui, la connasse, quoi. Ouais, je vois très bien. Ouais, perché, hein. La meuf a réussi à réparer son toaster avec une pelle à gâteau. Après ça, sa phrase préférée, c'était « je l'ai fait moi-même ». Son gommage, son déo, ses fringues. Je l'ai quitté quand elle a essayé de remplacer mon vibro par un poireau, hein. C'est des ouf. Oh là là, mais en plus je sens que c'est précis, tu vois. Ça a été écrit avec le cœur, oui, ça. Oui, ça vient du, ça vient ça, du. Ça sent le vécu. Après ça, elle est partie vivre dans un squat. Tu la critiques, mais elle s'est débarrassée du superflu. Depuis qu'elle a plus la télé, elle lit des livres. Les étiquettes, elle s'en fout. La dire pansexuelle, c'est l'enfermer. Même... Oh, ça, génie. Oh, Charlie. Oh là 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 là. Même le confort n'est plus nécessaire. Un lit de camp, une baignoire, une pelleteuse, elle peut dormir n'importe où. Et malgré ça, elle a l'air bien plus heureuse que mes potes qui bossent à la Défense. Si tu consommes pas, bah t'as moins besoin de thunes. Travailler plus pour gagner plus, je ne crois pas. Gagner moins, pour être son propre boss. Non mais qu'est-ce que tu fous, Charlie, là ? Tu viens de foutre 1000 balles à la poubelle. C'est exactement ce que tu dis. Tu vois, nous, par exemple, au lieu d'acheter de la sauce tomate toute faite au supermarché, avec les gars du squat, on se pointe à la fin du marché, puis on récupère les invendus de tomates. Comme ça, on en profite pour faire des litres de sauce, et en plus, on passe un moment convivial. Vous alliez gratuit. C'est fait qu'il est en train de tout piquer. Et un travail manuel, tout en réussissant à y injecter un moment de sociabilité et de partage. Moi, je trouve ça ouf. Incroyable. Ouais, enfin quand tu te seras fait réveiller par la 8e after de la semaine par ton colloque fin d'indus, que tu t'apercevras que toutes tes affaires appartiennent à tout le monde et que les mecs portent le même bleu travail 365 jours par an, tu feras mal à mon petit chien. Mais bon, oh là là, mais là ça c'est pour toi, ça. Oh là là, ça fait du bien. Et le brutaliste, il est multitâche. C'est pour ça qu'il porte toujours son bleu de travail. Une soudure ? Bleu de travail. Une peinture. Bleu de travail. Une récolte de betteraves à l'arrache. Bleu de travail. Nous, on finit le taf, on doit se changer avant d'aller en soirée avec un truc qu'on mettra plus dans 2 mois. Eux, ils peuvent y aller en bleu de travail. Mec, est habillé en Claude à Paris, franchement. Mais Bonnie, tu t'en fous d'être taché si tu vois pas le travail manuel comme quelque chose de dégradant. À n'importe quel moment, le brutaliste, il peut disparaître pour aller bosser dans son atoll. Parce que la créativité, elle fait pas 8h-18h. Donc c'est bien pratique d'avoir un vêtement qui sert autant dans ta vie de tous les jours que dans ton taf. En fait, ils ont réussi à mélanger le travail à leur vie sociale sans que ce soit invasif. Charlie ? Oh, le son d'atoll. Oh là 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 là. Je faisais ça il y a 10 ans. C'est la réputation de Paris Gros insupportable. Attends, je vais épingler ton avis. Attends, hop. Attends. Ah. Vas-y, ouais, épingle-le. Il s'est senti vexé par l'épisode. C'est bizarre. Ah ouais, ça porte des bleus de travail de merde. Ah, je l'ai perdu. Pogétique. Ah là. Vas-y, épingle bien là. Ouais, épingle ouais, bien. C'est bien ce bouton là. Fait... Ouais, voilà. Allez, voilà. Bam. Hop, bad life. Allez, tac. Oh, bad life, t'es un forceur. C'est bon. Charnier! Mais pourquoi t'es agressif comme ça aujourd'hui? Mais pourquoi toi t'es sympa? Putain, Charlie, t'as bu dans la petite bouteille verte du brutaliste. Mais toi aussi t'as bu dans la petite bouteille verte du brutaliste. Et moi je bois des petites bouteilles vertes de brutaliste depuis des années, Charlie. Excusez-moi. C'est un moment que j'attends, pouvez-vous vous occuper de moi? Oui, bien sûr, vous venez pour l'atelier surcyclage. Surcyclage? C'est un nouveau mot de hipster pour dire recyclage? Ah non,
Quand tu recycles, tu crées un nouveau produit. Faire une nouvelle bouteille plastique avec un ancien plastique, ça consomme. Mais si tu le découpes pour en faire une veste, non. Oui, non, mais moi, j'ai pas le temps. En fait, je vous ai acheté un t-shirt, il a une tache, là, donc j'aimerais bien le changer. Ah, donnez-moi ça si vous avez pas le temps. Oh, merci. En fait, je suis attendue, et voilà, ça fait un moment que j'attends. Non, mais d'accord, vous avez pas le temps. Mais si on fait tous comme ça, on aura tous bientôt plus le temps. Même oh, les boucles d'oreilles, là, carte mère, là. La couture, hein, l'a bien compris. Parce qu'on en parle du calendrier de la Fashion Week. Avant, chez Chanel, il y avait 2 collections par an. Maintenant, il y en a 10. Heureusement qu'il y a de plus en plus de maisons de mode qui sortirent, hein, parce que le rythme, c'était pas tenable. Show, after show, after d'after show, show d'after show. Et la fast fashion, je vous dis même pas. Déjà qu'on crée trop de vêtements, je vous laisse imaginer si tout le monde est bazardé pour des petites tâches. Ah ouais, je pensais pas du tout que c'était à ce point-là. Ah mais non, mais toute la société de consommation fonctionne sur ce principe. Hein. Ils sont défoncés, ça me fait trop bien. Ah oui, lui, il est bien défoncé. Ouais. Choix de pas s'intéresser à des choses qui sont fondamentales. La bouteille verte du brutaliste. Mais c'est ça que nous apprend le brutaliste. Il aime ce qui est volontairement moche. Pas moche et drôle, hein. Ça, c'est un truc de frisseur. Non, vraiment moche. Parce qu'il estime que la nature fait des trucs chelous, biscornus et étranges, pas forcément taillés à l'esthétique des pubs. Non, mais en fait, les imperfections, c'est la réalité, c'est la vie. Parce que tâche, c'est avant tout un souvenir. En fait, je pense que vous avez raison, c'est vrai que cette tache, c'est ce qui rend ce t-shirt unique, quoi. Je pense que je vais le garder, du coup. Vous le gardez ? Super. Pour l'atelier sur cyclage, comment ça se passe ? Ouh, bah, moi je vous le déconseille, le mec est un peu chelou, en plus. Parce que, enfin, vous m'avez vraiment... Mais ça m'a fait plaisir. Bah, moi aussi, vraiment, c'était super chouette. Et bah, bonne journée, hein. Bonne Allez, journée, merci. Au revoir. Au revoir. Quoi ? Tu vois, qu'est-ce qu'il a à offrir le brutaliste ? T'y crois quand même un petit peu ? Non mais trouble pas mec, hein. J'avais juste la flemme de faire un retour. Non, moi c'est... Attends, mais c'est surtout des hippies du 21e siècle. Oh, on n'est pas des hippies, hein. Les hippies, c'est des fils de bourges qui vivent dans leur monde. Ils sont pas connectés à la réalité comme nous. Mais depuis quand t'es connecté, toi, t'as même pas de téléphone ? Non, on n'a pas besoin. Au squat, on a un iPad qu'on partage avec tout le monde. Ça nous permet de poster nos créations sur nos Insta respectifs sans avoir à scroller toute la journée. Le truc, Bonnie, c'est que les compagnies ayant créé les réseaux sociaux utilisent le scroll infini pour te piéger. Imagine, t'as accès à une drogue illimitée pour 30€ par mois. Les brutalistes, ils arrivent à pas se faire avoir par les mauvais côtés d'Internet. Tout en s'y travaillant pour se renseigner. Oh, le vrai trip. Et collaborer avec des artistes qui sont parfois à plusieurs milliers de kilomètres d'eux. Un truc qui aurait jamais été possible il y a 20 ans. Ils sont dans le futur. Non mais là tu kiffes parce qu'il te présente ça comme un truc super, hein. Mais la réalité c'est que le brutaliste c'est le reflet de notre génération. Tu crois vraiment que le mec il a choisi le trip des croissances et des connexions? Réveille-toi Charlie s'il te plaît. Trop stylé le truc avec les IA, incroyable. T'en as marre de bosser pour l'industrie la plus polluante au monde? Mais t'en as pas marre de croire au-dessus de tout le monde avec ton lifestyle? La réalité c'est qu'il n'y a pas qu'une seule culture. Arrête, c'est très bien de te rassurer en faisant des trucs cool. Mais la réalité c'est que t'as pas choisi d'être brutaliste, c'est pas par conviction politique, c'est parce que t'as pas le choix mon gars. Ah c'est parfait, incroyable. J'ai pas le choix, c'est ma condition, exactement. Ça va Charlie? Allez viens Charlie, on va passer au bar associatif de mes potes et après on ira une teuf en Ardèche. Bon. Oh waouh, c'est tellement réel. Je pense qu'on voit ce qui se passe ici, hein. T'as compris que je démissionnais, de toute façon. Ce taf, il est pas fait pour moi. Non mais attendez, vous êtes sérieux là? Moi, je fais comment avec l'atelier sur cyclage? Oh, écoute, Bonnie, le monde, il a changé, hein, fais-en autant. Eh ben, c'est ça, bah cassez-vous! Cassez-vous! De toute manière, l'Ardèche, c'est de la merde! Bon, bah, buvez de l'eau, quand même, hein! Beaucoup d'eau! Dans un sens, ils sont vachement plus dans le réel que nous. C'est vrai que je saurais pas fabriquer la moitié des objets que j'utilise au quotidien. On va devoir changer notre façon de fonctionner si on veut sauver la planète. À toujours créer des nouveaux produits, des nouveaux besoins, de nouvelles conneries. À finir dans le mur. Surtout que ce qui est neuf ne reste jamais neuf longtemps. Bon, après, l'idée, c'est pas que tout le monde aille dans le perche et cultive des panais. Il y a quand même... 2-3 habitudes qu'on peut leur emprunter. Parce que si demain le monde s'écroule, on en aura bien besoin. Et surtout, faire en sorte qu'il s'écroule pas. C'est ultra con. Oh la fin de soirée de con. Ha ha ha!
Réel, de fou. Enfin à Paris. Incroyable, ouais, c'est trop fort. Exceptionnel. Meilleur trop épisode fort. Pour l'instant. Trop bien, trop stylé, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds, vous l'avez dit. Vous vouliez pas les aimer. Oui. Allez mettre des likes et tout, les gens. Ouais, les gens, j'ai juré. Allez mettre des commentaires, allez mettre plein de likes et tout. Les gens, c'est trop bien. Genre, vous êtes nombreux à regarder ça ici. Ils sont trop forts. De fou. Faites monter ça dans l'algo. C'est déjà fini. Bah ouais, mais c'était très bien. Bah oui. Très efficace, ça dit tout. Ah, j'en pouvais plus. Le coup de mélanger ça au trip, c'est parfait. Hein. Moi, je kiffe, c'est que ça dit tous les avis. Ça juge un peu tout le monde. C'est ça qui est trop bien à chaque fois. Oui, de fou, de fou. Meilleur épisode pour le moment. Voilà. Bah ouais. La vidéo est Shadowban dans la recherche. Bah, c'est surtout, je pense que c'est pas très... C'est les débuts de chaîne, ça fait toujours ça. Bah oui, c'est normal. Mais abonnez-vous à la chaîne. Il y aura combien d'abonnés ? On a 6 ou 8 ? Je crois, ouais. Et de toute façon, il y a déjà une saison 2 prévue, vous inquiétez pas. Ah ouais ? Je sais pas, je crois. Tu sais ça, toi ? T'as des infos ? Bah, de toute façon, les gens, à la fin, on les invitera, Charlie et Bonnie. Ouais, on parlera du truc. Sur notre plateau de merde ! Qu'on aura un jour ! Il est là, il est là, il sert à rien, gros. Il m'énerve. Il a impacté la télé. C'est goofy un peu. Il est là. Vous voyez qu'il est là. C'est un des trois, quatre bouts, quoi. Ouais, il y a plusieurs bouts. C'est un des bouts, quoi. Un des bouts, quoi. En fait, il faut imaginer, regardez. Je plein de bouts ensemble. Je vous montre le bout. Pff, on voit pas, c'est nul. C'est Zawa Hebdo. Ça va ou quoi, le chat? Va falloir qu'on trouve des chaises. Hein, le fou du bus. Le fait que j'ai deux micros. Et en vrai, ça marche. Hein, en vrai, c'est nice. Hein. C'est après, là, c'est minuscule. Oui, là, là, ça, c'est trop goofy. Là. Normalement, on peut me remettre... Normalement, il doit y avoir des lumières quelque part. Il y a des lumières ou pas? Oui, ça va être ajouté, je crois. C'est fait baiser, frère. C'est fait scam ou... C'est fait scam de fou, frère. Bah non, il faut les ajouter après, ils avaient dit. Ça, ils nous ont toujours dit. Hein. Oui, on s'est fait scam. On s'est fait scam, frère, il n'y a pas les lumières. Il y a une petite trappe pour mettre les câbles dans le bordel. Bah, il n'y a pas de lumière. L'idée des roulettes, c'est à la fois du génie et la pire chose, j'ai juré. Oui, parce qu'ils font que bouger, du coup, c'est horrible. Ce sol! Ce sol de con qui est penché! Enfin bref, vous voyez bien que ça va arriver, quoi, un jour ou l'autre. Un jour, ça va arriver, ouais. Et là, il y a un écran dedans, les gens, et c'est pour vous lire. Voilà. Ouais. Sachez-le. Ouais. C'est bien, on va être comme ça. On va rien voir, c'est du génie. Oui, il y a des freins, mais c'est pas clair. Y'a rien. Ouais, je coupe le stream, allez, salut! Ouais, attends, on dit au revoir quand même. Ouais, on dit au revoir. Non, mais c'était un bon live! Et pour vous avez la partie 1 pour ceux qui n'ont pas vu sur les restes des clips, et puis bah la partie 3 sur l'ajoutera au best-of. Ouais, je pense. Hein. Finito, quoi. Ouais. C'était court, ah bah oui, mais après bah, les gens. Vous mets 3h30, c'était va, court! Ça va! 3h30! 3h30, j'ai compris! Parle pendant 3h30 là, tout seul, comme une merde là. On va voir ce que ça fait. Bon, on n'est pas vraiment seul. Non, mais. On revient, c'est quand qu'on revient un jour ou l'autre. Dimanche, a priori. Et voilà. Et après, moi, je serai là aussi mardi. Et ensuite, jeudi, samedi, vous avez Cassandre. Et dimanche, je reviens pour la soirée électorale. On en fait une spéciale dimanche. Ouais, on va faire une grosse soirée électorale. Voilà. Rire. Donc, voir donc les la semaine résultats prochaine. Du RN pleurer comme sur Quotidien. Voilà. Et moi, je pars en week-end, mais ça, je pars de live. Bah ouais. Le droit de prendre un week-end quand même. Rache, c'est une nouvelle pensée critique, mais j'irai jamais là-bas, les gens. Mais si, tu vas y aller. Mais jamais ils vont m'inviter, frère. Mais bien sûr que si, ils vont t'inviter. Mais bien sûr que non, frère. Ils s'appellent Nouvelle Pensée Critique. Bah, frère. T'es une nouvelle pensée ils critique. Ils ont passé 2 heures à être là. Tu pourras t'expliquer sur les profs au premier degré. La musique, les profs au premier degré. Oh, ça Nietzsche, machin, truc. Oui, oui, allez. Mais allez. React avec Cassandre, moi j'ai envie de voir. Je sens que t'as déjà regardé, de toute façon. T'es pas motivé. Oui. Moi j'ai envie de voir le react de toute façon qui va react à ça, c'est trop long. C'est un peu Kali.
Cali. Cali, Cali, s'il te plaît. Il lance un live mix spécial Palestine. Il mixe Calivision. Ah ouais, fait des DJ bah, dites-lui de react à ma vidéo. Oh non, arrêtez, laissez-le tranquille. Non, non, laissez-le non, tranquille. Non, 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 non. Non, mais c'est un moment, il cherche tranquille. Un truc, quoi. J'ai au moins react, quoi. Demain, Drag Race, ouais. Moi, je sais pas si je serai là, mais je serai peut-être là un bout de Drag Race. Je vais voir, je vais faire ce que je peux. Ouais. Mais demain soir, premier épisode de Drag Race sur le stream de Cassandre, les gens, ça va être trop bien. Ah ouais, ça va être trop bien de pas le regarder. D'ailleurs, il y a une drag queen gomuscu. Oh ah, je vais regarder. En mode full gomuscu et tout, en mode oui, j'ai réuni le drag et le gomuscu. Ah ouais. Ouais, je te fous, je te fous. Incroyable. En mode on peut être une queen et être bodybuildé, etc. Genre en mode marrant. Stylé. Ouais. Ouais. Donc voilà. Stylé. La saison 3 est pas dingue pour l'instant. Ah, oh, ça y est, il se plaigne déjà. Oh, fermé. Oh, oh, je... Allez, oh. Allez, coupe ce stream. Ah, je... Hein. Vos drapeaux qui marchent pas. Ouais, allez, hein, on va prendre un allez, CM. Oui, hein. Free.